Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live de la séance de minuit. Ce soir, je suis donc avec euh, Jean-Louis, Daryl et euh, Romain euh, donc pour parler de euh, voilà, pour cette partie 2 de nos terreurs enfantines et on accueille également Contastique. Bonsoir. Donc Contastique, euh, j'avais déjà partagé plusieurs fois euh, ses vidéos et sa chaîne. Donc, euh, elle fait des, des petites histoires euh, terrifiantes à écouter. C'est vraiment très chouette. On va en parler un petit peu après. Euh, donc, je remercie également tous ceux qui sont sur le live, qui nous écoutent. C'est vraiment cool. Euh, vous êtes assez nombreux. C'est vraiment très chouette. J'ai vu que beaucoup de gens étaient déjà en train de, de discuter. Donc euh ça va être très sympa ce soir. voilà, donc J'avais pour idée de vraiment faire une partie 2. J'ai proposé ça à Jean-Louis en premier. J'avais dit à euh, Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses d'une partie 2 de, de notre live sur les peurs Il m'a répondu oui euh, immédiatement. Il y avait plein de choses à dire qu'on n'avait pas forcément abordé la, la dernière fois. Donc on va pouvoir le faire là. Alors est-ce que vous allez bien Est-ce que tout le monde va bien Jean-Louis, tout, tout va bien Ça va, tout va bien, nickel. Okay. Romain aussi. Pourquoi ça se voit Oui, oui, ça va bien. <laughs> Daryl, tout va bien. Magnifique, super. Bon, très bien. Personne n'est trop euh, stressé de parler de, de choses qui font peur. Mmh. Tant mieux. Alors, du coup, fantastique. Parle-nous un petit peu de, de ce que tu fais, de ta chaîne. Pourquoi tu t'es lancé euh, là-dedans euh, Voilà, raconte. Ok, tout. avec plaisir. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Damien. Avec plaisir. Euh, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Le sujet euh, me parle beaucoup. Euh, parce que comme tout le monde, je pense, j'ai de gros traumas d'enfance qui sont dus notamment à la littérature et euh, au film. Euh, donc je suis absolument ravie d'être là ce soir avec vous pour en parler. Alors ma chaîne existe depuis presque un an maintenant. Je l'ai euh, commencée à l'époque d'Halloween l'année dernière. Ce qui m'a vraiment donné envie de le faire, c'est que bah, déjà j'ai toujours adoré raconter des histoires. Mm -hmm. Et j'ai toujours aimé euh, mettre l'intonation, créer... Euh, vraiment une atmosphère quand je racontais une histoire c'était pas simplement prendre un livre et lire c'était vraiment jouer euh, euh, avec la narration qui va bien donc déjà okay. ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et euh, pendant les, le premier confinement quand on avait le droit d'aller marcher ah euh, je sais plus je crois que c'était euh, 50 kilomètres de chez soi, non, pas grand chose en tout cas. On avait droit à une petite marche quotidienne. Et ben, j'ai découvert les creepy pasta en fait. J'en mettais dans mes oreilles et je marchais et j'écoutais des creepy pasta et j'ai adoré ça. Et je me suis dit c'est génial parce que ben, c'est pas non plus traumatisant, on n'en fait pas non plus des cauchemars, c'est divertissant. Mmh. Euh, ça permet vraiment une grande créativité. Et euh, je me suis dit, ben, j'ai très envie moi aussi de me lancer. Donc c'est vrai qu'initialement, j'avais un petit peu commencé ma chaîne sur le créneau des creepypasta, histoire d'aura, mais il y a beaucoup d'autres thématiques qui me tiennent à cœur, notamment euh, ben, les légendes, les coutumes, les rites, les rituels du monde entier, qui, euh, qui sont, je pense, absolument. Euh, Incroyable à découvrir. Euh, je suis aussi passionnée euh, par euh, tout ce qui est fantastique. Et euh, j'avais vraiment envie de créer un univers fantastique, pas uniquement axé autour des creepypasta et des, euh, des, des légendes un peu flippantes. J'avais aussi envie euh, de créer un univers un peu plus fantastique. J'ai euh, adoré, par exemple, proposer euh, ma propre lecture des contes du -le -Barde, euh, mis, euh, de Beadle le Bard, que j'ai mis à l'époque de Noël, parce que j'aimerais aussi pouvoir toucher un public euh, euh, qui a juste envie de s'évader en écoutant des histoires. Donc voilà, cette chaîne, elle est encore un peu en construction. Je, je ne suis pas spécialisée réellement euh, dans une thématique, mais j'essaie de ne pas trop non plus faire de, de thématiques différentes donc euh, voilà on pourrait y retrouver des, fantas des créatures pardon, fantastiques des creepypastas des légendes absolument euh, fantastiques et parfois flippantes euh, voilà vous pourrez retrouver tout ça sur ma chaîne et j'espère proposer encore du nouveau contenu et évidemment Halloween étant quand même une période que j'affectionne particulièrement euh, je, je sais qu'à chaque Halloween j'ai envie de faire une série de contes autour du feu donc comme euh, ceux par avec lesquelles tu m'as découvert, euh, Damien, mmh. une petite série de contes assez rapide, pas très, euh, voilà, très longue, assez intense, avec une petite atmosphère autour du feu. Je changerai un petit peu l'atmosphère pour cette année, mais euh, ça me tient à cœur d'avoir une petite série spéciale Halloween. Donc je me réjouis d'entrer bientôt euh, dans le mois d'Halloween. Bon, eh ben tant mieux. Ben bah, écoute, euh, merci de nous avoir expliqué tout ça. Et si certains ont envie d'aller euh, découvrir ce que tu fais, eh bien le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, et vous pouvez euh, donc rejoindre merci sa chaîne, si vous pas. abonner et, et écouter tout ça. En tout cas, les gens sont euh, sont conquis. Moi je l'avais dit, hein, c'est vraiment. J'avais découvert tes vidéos et euh, j'avais trouvé que la voix était excellente. Merci et c'est ce que nous disent euh, voilà beaucoup de monde sur le chat. Là, il y a quelque chose merci dans la diction qui donne envie d'écouter. Sacrée voix. Bon, bah, écoutez, en tout cas tant mieux. Mais euh, voilà beaucoup, fantastique a une très belle voix nous dit monsieur Bière Bon, donc euh, oui, oui, c'est très chouette, la voix est excellente et on est vraiment entraîné dans, dans les histoires, c'est uh, très très bien fait. Merci beaucoup. Voilà, et donc ce soir, tu nous as rejoints pour discuter un petit peu des choses qui nous ont effrayé quand, on quand on était enfant. Oui. On va également essayer de revenir un peu sur le, les choses qui nous effraient encore en tant qu'adultes parce qu'on a un petit peu uh, divergé la dernière fois, on est parti sur d'autres thématiques, on a parlé de cinéma français, etc., ça n'avait plus rien oui. à voir. Mais on va essayer là de revenir un peu dans le, le cœur du sujet. Euh, du coup, alors on va commencer avec toi. Qu'est-ce qui mmh. qu t'a effrayé, toi, par exemple, quand tu étais gamine Est-ce que tu as vu euh, euh, un film qui t'a effrayé en particulier au point de ne pas pouvoir endormir ou d'imaginer mmh. que cette chose pouvait prendre vie dans ta réalité Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça pour toi Alors, il y en a eu certains, bien sûr, dont euh, la plupart que vous avez déjà évoqués lors du premier live, euh, comme je te le disais en off, notamment euh, Miséries Misery, qui a été un film qui m'a absolument traumatisée. Euh, j'ai trouvé que, que Katie Bates était absolument excellente dans le rôle de la psychopathe. Enfin, elle dégage quelque chose d'absolument flippant, euh, si bien qu'après, la, la, la retrouver dans, dans, dans Titanic, dans le rôle d'une dame assez gentille, c'était n'était pas, pas vraiment crédible en fait, parce que j'ai toujours gardé l'image de cette, de cette personne, de ce personnage absolument flippant. Donc euh, voilà, vous en avez déjà parlé, donc je vais essayer de... De passer. Alors, j'ai pas écouté tout le premier live, malheureusement, donc j'espère ne pas trop me répéter. Moi, je sais qu'il y avait certaines scènes, particulièrement plus que des films, qui m'ont effrayée. Il euh, mmh. y a eu un film, qui, une scène notamment qui nous a traumatisés, euh, ma sœur et moi. Euh, euh, donc, un film qui s'appelle Les Enfants de Lumière, je crois, ou L'Enfant de Lumière, qui date de 82. C'est une scène où. Euh, vous avez euh, une petite... En fait, l'histoire du film, c'est que euh, suite à un, à un drame, donc la mort d'une d'une petite fille dans un accident de voiture, une famille essaie de se reconstruire, mais la, mais la petite sœur entend des voix et elle entend sa sœur qui l'appelle et qui lui ordonne de faire certaines choses. Je sais plus vraiment le film en tête, le film est très vieux. Mais il y a une scène qui m'avait un peu traumatisée, qui est pas forcément une scène d'horreur, mais qui, moi, m'a clairement traumatisée. C'est que euh, dans la voiture, juste avant l'accident, il y a la petite sœur qui euh, fait une farce Donc à sa grande sœur qui est décédée à cause de sa farce. Elle noue mmh. les lacets de sa cha chaussure droite avec les lacets de sa chaussure gauche, ce qui fait qu'au moment du crash, la, la petite fille, ne... tout le monde essaie de sortir de la voiture et tout le monde y parvient. Et euh, la fille ne peut pas sortir parce qu'elle est complètement pétrée avec ses chaussures. Et en fait, on voit la petite fille mourir euh, dans, dans, dans cet accident. Et moi, ça m'a vraiment traumatisé. Sinon, il y a eu un autre film que j'ai qui m'a laissé vraiment un sentiment de malaise et qui m'a qui, qui fait très peur. Je ne sais pas si vous connaissez, et je ne sais pas si vous en avez parlé, euh, les langoliers. C'est euh, oui. un film de Stephen King de 95. Alors complètement, euh, mais presque psychédélique ce film. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre parce que j'étais assez petite en 95. Euh, mais euh, mais en le revoyant peut-être quelques années plus tard, j'ai toujours eu du mal un peu à comprendre. Donc euh, si je me souviens bien, c'est des gens qui prennent un avion et qui se retrouvent dans un espèce d'univers parallèle. Et après, vous avez des espèces de grosses bêtes qui viennent manger un petit peu l'univers. Enfin, j'en ai quelques souvenirs comme ça. J'ai alors, c'est très bizarre parce que j'ai aimé ce film, ça fait partie des films que ma sœur et moi, pareil, on a beaucoup aimé, mais qui nous ont clairement traumatisés. Il y a eu, euh, il y a eu aussi euh, l'acteur, alors comment il s'appelle, je ne sais plus, un des acteurs, celui qui devient à moitié, à moitié cinglé dans le film, l'acteur, le, le, le personnage, c'est Craig Toomey, joué par Bronson Pinchot, Pinchot. Euh, qu'on retrouve d'ailleurs notamment dans Les flics euh, un flic à Beverly Hills euh, il joue à un moment donné le rôle d'un homme qui perd complètement la raison et je trouve qu'il joue aussi super bien donc il y a quelques scènes quelques flashs que j'ai de, de ce film Les Langoliers mmh. qui me reviennent en tête et, euh, et c'est le genre de film en fait auquel j'aime pas trop repenser le soir quand je suis toute seule à la maison <laughs> dans le noir en fait hein, et non. moi en plus je suis, assez, je suis assez bizarre parce que parfois je me mets dans un mood où je vais commencer à penser à des choses auxquelles il faut pas penser euh, quand il est minuit et que je suis au fond de mon lit on va, on va y revenir justement après parce ouais. que ça va être intéressant d'en parler okay. mais dans les Langoliers, <laughs> qu'est-ce qui t'effraie exactement C'est-à-dire que c'est ces créatures qu'on voit apparaître à la fin et qui dévorent notre réalité, c'est ça qui te, qui te faisait peur Ah je crois qu'on l'a perdu Allô Oui c'est mon micro qui s'est déconnecté, c'est bon euh, Oui oui, oui c'est bon, en fait je me suis posé la question de savoir si dans les Langoliers, c'était les, les créatures que l'on aperçoit à la fin qui sont en train de dévorer notre réalité qui t'avait vraiment ça... effrayé Évidemment, c'est le, le, le clou du spectacle, c'est vraiment ce qui a sonné le glas de, mmh. de, 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 dans ce film-là. Mais il y a aussi tout, tout l'univers, le, le, pas le suspense, mais l'ambiance creepy, le, le fait de se retrouver mmh. dans un univers parallèle sans aucune aide possible. C'est euh, vraiment cette idée d'être bloqué. Euh, de devoir compter les uns sur les autres et de voir que les personnes sur qui on est censé compter ne sont pas forcément fiables. Euh, mm. Et puis il y, y, y a le fait que le, la protagoniste, la jeune fille, soit aveugle aussi. Moi, ça, je ne comprenais pas l'intérêt qu'elle soit aveugle. Ça mettait très mal à l'aise, en fait. C'était au-delà de me faire peur, vraiment, c'est la scène de fin qui me faisait très peur quand j'étais petite. Mais c'était vraiment cette impression... Et de toute l'ambiance, C'est vraiment l'ambiance du film, mm. du film ouais, qui mm. me mettait un peu... Euh, un peu mal à l'aise. Euh, donc, ce film-là, ouais, il m'a pas mal marqué. Après, évidemment, euh, il y a eu euh, Chucky, Chucky qui m'a fait aussi très peur parce que je trouvais la poupée extrêmement euh, réaliste. Il y a eu une scène aussi dans Candyman, particulièrement de 1992, la scène euh, où euh, vous avez les abeilles qui sortent de la bouche. Alors, ça, typiquement, c'est une scène que j'arrive pas à regarder jusqu'à la fin. Même aujourd'hui, c'est une scène que je ne peux pas regarder jusqu'au bout. C'est. C'est dérangeant en fait. Je ne sais pas si c'est réellement quelque chose de traumatisant, de, qui fait très peur, mais c'est extrêmement dérangeant pour moi. Donc il euh, donc, euh, y, y a eu aussi cette scène-là. Et euh, au-delà des films qui ont bercé notre enfance et qui nous ont fait peur, il y a eu euh, tout plein d'autres choses aussi qu'on s'amusait à faire quand j'étais petite, euh, là où j'ai grandi. Notamment, ben, on s'asseyait le soir en bas de chez moi. Et euh, donc, on était en bas de l'immeuble, donc les parents pouvaient nous voir par la fenêtre, mmh. tout allait bien. Donc, à la nuit tombée, on aimait bien s'asseoir et se raconter des histoires qui font peur. Et les histoires tournaient souvent autour des, des esprits, notamment un remix de Aisha Kandisha, dont j'ai fait une, une vidéo sur ma chaîne. Euh, mais j'ai découvert l'histoire d'Aisha Kandisha bien plus tard, la véritable histoire. Mais quand j'étais petite, c'était un peu comme Candyman, il fallait. Euh, surtout pas ici, dire trois fois le nom Aïcha Kandisha devant un miroir, sinon euh, elle pouvait te gifler et tu restais bloqué à vie. Et en fait, c'était ce genre de petites choses, de petites légendes qu'on aimait bien se, se partager et qui nous faisaient un peu frissonner. Il y a autre chose qu'on faisait aussi là où j'ai grandi, avec mes amis d'enfance, avec qui je suis encore amie et on en parle encore parfois et c'est assez, assez drôle. On avait deux grands bacs à sable à côté de chez moi. Qui était défini par soit le toboggan blanc, soit le toboggan jaune. Et quand on allait jouer au toboggan blanc, c'était un grand air de jeu, en fait, il y avait du sable par terre et on dessinait un triangle avec un œil à l'intérieur. Et euh, on s'était mis dans tête qu'à partir du moment où on avait dessiné ce triangle avec cet œil, bah, des esprits euh, allaient venir nous se manifester. Et donc, on courait tout de suite. Euh, on, en fait, on se faisait des frayeurs comme ça. Ça, l'angle avec l'œil à l'intérieur, je pense que ça vient aussi beaucoup de. Des, des croyances de certaines personnes qui vivaient justement dans le quartier où j'ai grandi, des personnes d'origine maghrébine qui avaient ce genre de croyances. Et je me souviens aussi que dans la cour de récré, on s'amusait à piquer des verres à la cantine, les, les, les petits verres, vous savez, où, vous, où on regardait son âge à, à la fin. À la, au fond du verre, on regardait le nombre et on définissait notre âge. Et bien, Dans un, dans un mood un peu, un peu moins fun, on prenait ces verres-là, on se mettait... Euh, euh, dans la cour de récré, ou alors parfois aussi euh, en, bas de, en bas de la maison après l'école, on prenait un verre, on posait nos doigts dessus. Et c'est après que j'ai découvert le Ouija, mais c'est un peu le même principe que le ouija. On posait nos, verres de, nos doigts dessus et euh, bizarrement, le verre se mettait à bouger. Et euh, 20, 25 ans après, on ne sait toujours pas qui a fait bouger le verre. Donc on se demande toujours est-ce que le verre a bougé tout seul ou est-ce que c'est quelqu'un qui inconsciemment l'a bougé ou, Voilà, ce genre de. On, de petites frayeurs qu'on aimait bien se faire quand on était en et je pense qu'on a été aussi euh, extrêmement euh, inspiré par, euh, par tous ces films là dont la plupart dont vous avez déjà parlé qui nous ont vraiment euh, qui ont éveillé notre imagination et je sais que dans, dans mon entourage également le projet Blair Witch Mmh. Euh, qui n'a pas forcément parlé, effrayé ouais. tout le monde, ça a été vraiment quelque chose de, qui nous a fait très peur, en tout cas, moi et mon entourage, on était assez jeunes aussi à l'époque, et pendant très longtemps, on était persuadés que c'était, que c'était vrai, en fait, que c'était un reportage, quelque chose de vrai, donc la dimension réaliste, c'est ce qui donnait vraiment toute la dimension flippante. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on sait que c'est purement fictif, ça peut nous faire peur sans forcément nous, nous ôter le sommeil. Mais dès qu'il y a cette dimension ou cette propension à être vrai ou, ou ne serait-ce que ce petit doute que la chose existe réellement, eh ben, je pense que c'est mmh. là que ça peut réellement devenir une peur qui nous hante et, euh, et qui peut ben, faire des adultes parfois un peu perturbés. <rire> voilà, <rire> que j'espère ne pas être hein, d'ailleurs. Voilà, voilà, grosso modo pour mon... Euh, mon historique avec, euh, avec l'horreur et avec ce qui fait peur. Et évidemment, je me suis retrouvé dans énormément de choses dont vous, dont vous aviez parlé lors, lors du premier live. Ok. Euh, Romain, c'était est-ce que tu as pu euh, retrouver le titre du film dont elle parlait au tout début C'est so... enfin, bien le titre qu'elle a donné. Ah, pardon. Euh, et c'était sorti euh, ça a été diffusé en France sur La 5 sous le titre euh, L'enfant diabolique. L'enfant diabolique, d'accord. C'est un téléfilm. D'accord, c'est parce que tu avais dit L'enfant de lumière, c'est pour ça que je. Oh oui, c'est bah, euh... son titre original. C'est le titre original. Mais chez euh, nous, c'est sorti sous le titre euh, L'enfant diabolique. D'accord, ok. Pour la diffusion okay. télé. Hein. Ouais. Bah, en, en anglais, le titre anglais, c'est Don't Go to Sleep. Ouais. Donc c'est vrai que moi je, je me souvenais juste de cette scène donc j'ai dû aller faire une recherche pour essayer de retrouver le film c'est vraiment cette scène dont je me souvenais bon il est sorti en, en 82 j'étais pas j'étais pas encore née, donc je l'ai vu quelques années plus tard certes mais euh, mais je me souvenais plus je me souviens même pas réellement du film c'est vraiment cette scène dont je voulais absolument parler parce que on en parle encore avec ma sœur de cette scène là donc je sais que le titre original c'est Don't Go to Sleep et la, le, le titre français que moi j'ai trouvé c'est Les Enfants de Lumière et donc euh, donc merci beaucoup de nous donner euh, tous ces détails. En effet, c'était un film, euh, un téléfilm qui est sorti sur la scène, Tu vois, j'en avais absolument aucun souvenir. Ok, d'accord. Bon, bah, je ne connais pas du tout. Euh, très bien. Alors, sinon, je voulais euh, partager avec vous, avec vous quelques petites images. Alors, attendez, je vais aller. J'aurais pu les, les rajouter tout à l'heure, mais je l'ai pas fait évidemment. Voilà, je voulais juste rebondir sur quelques commentaires que l'on a eu sur la, la dernière vidéo. Alors, il y avait par exemple ce, ce commentaire de euh, Laraskay qui nous expliquait voilà qu'à l'époque, il habitait à 20 minutes de l'endroit où se trouve la maison qui saigne. Donc on en a parlé, hein, cette fameuse émission de mystère qui a effrayé tout le monde. Euh, donc voilà, il nous a laissé quelques infos. C'était très intéressant avec cette histoire de farine. Moi, je me souviens que ça m'avait fait très peur, ça. Alors, je ne sais pas, dans ma mémoire, il y avait... Euh, il retrouvait des traces un peu étranges dans la farine. Mais euh, au final, j'ai réécouté une très très bonne vidéo de Monsieur Sam. Alors, certains d'entre vous doivent connaître Monsieur Sam qui a essayé de débunker un peu le truc. Apparemment, non, il n'y avait pas de traces de pas dans la farine. Mais en tout cas, moi, dans mon dans mon is, dans mon esprit, en tout cas, j'avais l'impression qu'il y, y avait des non, traces. Y avait de pas justement, pas. il n'y avait pas de traces de pas. Ah, c'est ça. Je sous entendre qu'il y avait des esprits à l'intérieur parce que le sang mmh. avait continué mmh. à apparaître, à apparaître. À, mieux, sans trace. Euh, moi, dans ma tête, en fait, je sais pas, il y avait des traces de pas bizarres. C'est pour ça que ça me faisait peur, mais en fait, non, est, ça y était pas comme quoi j'avais. Bah, c'est pire. <laughs> oui, c'est pire au final, oui. Mais euh, imaginer des traces de pas euh, pas humaines, c'est aussi euh, stressant, quoi. Tu vois Il y a ça dans le, le roman d'Amityville, d'ailleurs. Pas dans le film, hein, mais dans Amityville, le, 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 bouquin, le livre euh, On trouve des traces de, de sabots fendus dans la neige. Oui, qui me rappelle d'ailleurs cette histoire des, des pas du diable, là. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Ou, euh, qui se passe dans un petit village et au matin, les gens vont se réveiller et voir des traces de pas en fait euh, dans la neige et qui passent aussi bien sur les maisons que dans les jardins, enfin partout. Et euh, on a ils ont jamais su ça, c'est une histoire vraie. Ils ont jamais su d'où ça provenait. C'était des traces un petit peu comme des sabots, comme des, des petites pattes de, de diable, on, on pourrait dire. Alors, on a eu un, un deuxième commentaire, la série The Beast dont on parlait. Alors, c'était un calamar géant. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé de cette créature. Oui. Voilà, J'ai lu ce, ce commentaire, effectivement, c'est moi qui avais parlé. J'avais dit une pieuvre, mais non, c'était bien ça, c'est un calamar. Effectivement, voilà. ça m'avait fait très très peur euh, quand j'étais petit. Voilà, donc du coup, c'était un calamar. Euh, là, on a euh, Elberes de Liancourt qui nous dit J'ai été marqué enfant par l'épisode d'Albator où il perd son œil. Et après, c'était Anthony dans Candy et la lecture de Sade à 20 ans. Bon, voilà, donc, euh, chacun. Euh... Bah, c'est peur. <laughs> alors, il y a autre chose que je voulais évoquer avec vous, je pense que ça va vous parler aussi. C'est euh, la fameuse légende de la Dame Blanche. Ah oui, alors, oui, oui. Bah oui. Alors je, je, je pense que chaque bon. région a sa, a, sa, a sa propre histoire. concernant. Même chaque pays, parce qu'on la, qu la retrouve dans d'autres pays aussi. Hein. Ça, c'est incroyable. Moi, je sais que euh... quand on était en colonie de vacances avec une de mes amies, j'ai une anecdote assez rigolote. J'étais un peu peureuse quand j'étais petite et je suis dégoûtée du coup d'avoir été peureuse parce que j'aurais aimé pouvoir dire euh, à mon âge j'étais super vaillante quand j'étais petite mais non j'étais un peu peureuse on était en colonie de vacances on était parti faire du camping et les animateurs n'ont rien trouvé de mieux que de nous dire que l'histoire réelle de la dame blanche c'est qu'elle s'était euh, elle a eu un accident de voiture et que sa voiture était entrée dans un ravin ravin qui se trouvait non loin de, de, de l'endroit où on on avait planté nos tentes juste, juste avant d'aller dormir. Je devais avoir 9-10 ans, j'y ai cru tout de suite, j'ai adhéré hein, de toute façon. On y a tous cru. Donc, évidemment, le moment venu, quelques pleureuses se sont mises à pleurer. Donc, je faisais partie du camp des pleureuses. Et là, j'ai ma copine, Sabrina, qui sort de la tente, qui prend sa lampe torche, qui va jusqu'au ravin, qui revient et qui dit Mais c'est des conneries, il n'y a rien du tout. Donc, je l'admire encore aujourd'hui pour ça. Mais c'est vrai que la dame blanche, c'est euh, bah en fait une urbaine légende, c'est une légende urbaine qui traverse les âges, je trouve. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des films qui ont été faits, euh, vous saurez mieux me renseigner que, 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 que moi, d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il y a eu des films qui ont été faits autour de, de cette légende, mais moi, elle a bercé toute mon enfance et, euh, et j'ai trouvé ça, après, je me suis beaucoup renseignée et j'ai vu qu'il y avait euh, bah, une légende par région de France. Et Damien, tu dis qu'il y a même des, des versions de la Dame Blanche dans d'autres ah oui, pays. On je crois ça que la fameuse je crois en Amérique du Sud, la, la Llorona au Mexique. Je crois que c'est à peu près une histoire similaire. Non, non, elle n'a aurait... pas eu d'accident de voiture, la pauvre. Non, elle a perdu ses enfants, je crois, mais elle erre dans la ville en ple... Oui, donc ça doit être autre chose. Mais je me suis dit que ça a peut-être été inspiré. Donc la fameuse euh, dame blanche. Le, le problème, justement, de, de la Llorona, c'est que dans le Conjuring Universe, ils ont exploité le film sous le titre de La Dame Blanche et ça a ah, vraiment aucun lien. Hein. C'est euh, okay. au, au, en 1600 ouais. et quelques une Nana qui, euh, qui est trompée par son mari et qui, en désespoir de cause, décide de, met, de noyer ses euh, deux ah, enfants voilà. quoi, mm. pour se venger. Puis finalement, elle se rend compte que c'était une erreur et puis elle se met à pleurnicher. Et à partir de là, elle a envie de, mm. euh, de choper les enfants des autres. Mais alors, du coup, si on, si... Mais alors, du coup, si on veut, si on nous demande un jour, euh, peux-tu me raconter l'histoire de la dame blanche Qu'est-ce qu'on leur raconte du coup Parce que il n'y a pas une histoire de la dame blanche, y il y a autant d'histoires qu'il y a de d'interprétation. Moi, pour moi, quand j'étais petite, la dame blanche, c'était une dame avec les cheveux noirs, habillée en blanc, avec une, un aura un peu spectral, qu'on qu pouvait retrouver sur la route, qui marchait sur la route et que les automobilistes croisaient. Voilà, euh, ouais, ça. Que moi j'en ai eu, mais c'est ça. Généralement, généralement, et généralement, oui. généralement elle est, euh, il, quand tu t'arrêtes pour la prendre en stop, euh, elle se met à disparaître à euh, oui. euh, un certain virage en criant. Il enfin, y a beaucoup de... Il ouais, faut la prendre. prendre. Ah oui. oui non, ouais. après tu <laughs> prends la dame blanche parce que c'est elle qui te prévient du danger. Alors que ah, si tu ne la prends ouais. pas, tu as un accident de la route. Mmh. <rire> ouais, <rire> non, bon, le, le concept. Bon, il bon est à là, savoir. Tu vois. <laughs> mmh. Ouais. Moi, je, je, bon, j'ai du mal à y croire. J'ai plutôt l'impression que, comme tu le dis, c'est des, des histoires, des légendes urbaines, tu sais, qu'on qu se faire peur et qui ont été qui se sont euh, voilà du coup greffés un peu partout et on en retrouve effectivement aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. D'ailleurs je crois qu'il y avait un épisode de euh, de Supernatural où il y avait cette dame blanche, il me semble aussi donc, ouais. euh, comme quoi ça s'était exporté vraiment partout quoi. Mais euh, ouais, il n'y a pas eu de film hein, romain sur cette histoire de dame blanche vraiment. Est-ce qu'on a il y a eu quelques Moi je ça et me parle y... pas. Hein. Moi il y a un film je je sais plus le titre j'étais en train de chercher mais je sais plus, c'est euh, une famille euh, qui est sur une route et qui vont pour Noël chez, chez, leur, chez leur famille. Et ils se retrouvent coincés sur la route. Elle est interminable, la route. Et ils voient à mmh. un moment une espèce de dame blanche. Je ne sais pas si vous voyez le film. C'est même euh, l'actrice qui joue euh, dedans. C'est elle qui joue dans, euh, dans Insidious. Celle qui fait la voyante. Je ne retrouve plus bien. le titre. Romain. L'actrice le... ah, ah, ouais. qui fait la voyante, c'est Lynchée, si je ne me trompe pas. Pour t'aider, ouais, pour Shay, me la, la soeur de Robert. Le, le producteur ouais. de, de la New Line. Alors on va regarder ça parce que là, je suis sur son truc. Ah oh, oui, d'accord. Elle a 180 films ou je ne sais pas quoi. Hein. <laughs> elle joue, elle joue dans, le premier, euh, dans le premier Freddy. Elle joue la prof, euh, prof d'anglais du, euh, du premier Freddy, tu vois. Elle joue dans la plupart des films si, de la New Line. C'est Dead End. Vous ne voyez pas ce que c'est Dead End. Dead End alors, attends, on va Pourtant, j'ai vu un paquet dedans. Suit, en hein. fait, ils sont, ils sont dans une voiture et la route, elle est interminable. Ils n'arrivent pas à sortir de, de cette route interminable et ils croisent une dame blanche qui a un bébé à un moment dans les bras et qui les égouille tous un par un. Ah, D'accord, film de 1997. Ok. Euh, non, ça ne me parle pas du tout. Bah écoute, je mets ça dans mon. Il y a la, la, la bande-annonce qui est là. Bah, écoute, je mets ça, moi, dans ma, dans ma liste. Hop. Il est pas mal. Hein. Est pas ce serait un truc à, à regarder, ça peut être intéressant. J'aime bien, en plus, les, les films d'horreur qui se passent comme ça sur la route, c'est vraiment cool. Mm. C'est vraiment très chouette. OK, je note. Sinon, après, oui, Romain, des, des histoires de dames blanches comme ça, est-ce qu'on a des trucs C'est vrai que c'est un sujet qui pourrait être aussi utilisé euh... Euh, en France, toi, on pourrait très bien avoir un petit film de genre là-dessus avec ses... qui pourrait reprendre cette histoire. Mais on, on, bon, après, ça on, on a quand même un milliard de films qui sont des, des, des sortes de variations où il y a un accident de la route, un délit de fuite, et à partir de là, euh, on a euh, une figure fantomatique qui euh, qui cherche à assouvir sa, sa vengeance. Ça, on l'a, on l'a avec le film euh, le, le film euh, japonais avec les appareils photo. Ah Shutter, un truc comme ça, ça là ouais. Voilà, c'est Shutter pour la version... Mmh. Euh, américaine avec... Ou euh, pour la version américaine, moi ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Avec la le mec qui jouait moment. dans Dawson, je crois, euh, qui ouais, se retrouve. Euh, ouais. mmh. joue dans, dans le mec de, de The Omen, Dans le remake de La Malédiction. Tu crois Non, il joue pas dedans. Hein. Je crois pas, hein. Non. Non, le... ce mec, c'est comme. J'oublie toujours son là, nom. Tu parles dans La Malédiction, c'est le mec qui fait Cotton dans Scream qui joue dedans. Et, euh, et dans la Malédiction, et dans le film que, que Damien a cité, c'est l'acteur le, le, de Dawson. Oui, qui s'appelle. Euh... J'oublie toujours son nom. Qui a joué euh... aussi dans Le genre urbaine. Évidemment, je n'arrive oui, à rien raison. trouver. Je suis à Jackson. Voilà, c'est ça. ça c'est les deux versions. Ça, c'est la version. Euh... Hop. Mm -hmm. Ça, c'est Shutter. Et le film était sorti en version US. Spirit. Oui, c'est ça. Voilà, Spirit, ouais, tout à fait. C'est ça. Voilà. Qui est pas mal un... d'ailleurs. Hein. Il Il est... Est... Il Il est Et ça m'a mm -hmm. fait super peur. Ça, ça m'a vraiment fait peur. La version Jap, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu la version américaine que je vais trouver assez, euh, assez effrayante quand on comprend qu'il le... que le personnage en fait, est. fait je ne pas plus, trucs... j'ai déjà voilà. peur. <laughs> et ça, c'est vraiment un des trucs qui m'a fait le plus de <laughs> ces dernières années. Hein. Je trouve que la révélation finale dessus, elle est incroyable. Elle, a... elle prend. Euh, tu sur le point de la culpabilité. Symboliquement, <laughs> 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 ça, ça, ça fonctionne du fait ouais, de. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, tu sais, tout le gimmick avec les Polaroids et euh, l'autre, check, les Polas. Je, je trouve ça dingue. Donc ça, c'est mmh. une pure réussite en, en J-Horror, tu vois. Mais d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle Polaroid, qui, est so qui a dû sortir il y a quelques années. C'est pas très vieux. Ça doit être en 2010. Ça doit dater de 2018-2019, je pense. Et, euh, et c'était bien naze. C'était bien naze. Alors que pourtant, je l'avais euh, chez moi depuis longtemps. Je disais il faut vraiment que je trouve un, 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 le temps de le regarder parce que ça avait l'air vraiment excellent. Et en fait, c'est euh, complètement con. Donc euh, ne regardez pas Polaroid. <laughs> c'est toute l'histoire, enfin quand tu lis le truc à l'arrière ça te donne juste envie de le voir parce que c'est génial il y a un appareil photo hanté quand tu prends des photos ça fait venir une espèce de créature qui, qui court après toi etc mais en fait, en fait non c'est complètement foiré Romain du coup euh, raconte nous toi un petit peu ce qui te ce, ce alors qui te... moi je vais juste rebondir pour faire du storytelling rebondir par rapport euh, à l'émission précédente où vous avez parlé abondamment de ça du film de, de, Le Hit, hein, pas de ah oui. ça comme ça. Et, euh, et donc, moi, je, je m'étais engagé à remater l'original euh, oui, et euh, de taper euh, les, les, les deux derniers, donc 2016-2018, hein, c'est ça 2017-2018, ouais. 2019, 2017, 2018 ouais. Alors, je me suis fait euh, trois jours de, de ça à fond les ballons tu vois. Euh, je suis pas hyper fan de, du téléfilm parce que comme je vous l'ai dit, moi je l'ai découvert en 1991. J'avais déjà 11 ans, j'avais déjà maté pas mal de films d'horreur. J'ai trouvé que ça avait une grosse facture euh, téléfilm. Voilà, c'était sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Pour ceux qui l'ont vu en 93 sur M6, qui étaient beaucoup plus jeunes, j'imagine que ça a été quelque chose de très fort, tu vois. Mais à la revoyure, le film, enfin, le téléfilm fonctionne du feu de dieu. La narration, elle est incroyable. Les acteurs sont tous plus attendrissants les uns que les autres. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et pourtant, j'ai lancé le film. Il était 2 h du matin. Et euh, je l'ai tapé d'une traite. Donc, tu vois, vraiment, euh, c'était une expérience tip-top. Par contre, j'ai maté en, en Blu-ray sur le vidéoprojecteur le chapitre 1 et le chapitre 2. Et alors là, ça a été mais, une horreur sans nom. Alors, vous savez que si Damien n'était euh, pas un grand fan du chapitre 2 le chapitre 1, euh, visiblement, ça fonctionne mieux avec toi, mais moi, j'ai trouvé que les deux étaient euh, complètement ratés. Euh, j'ai eu dur. zéro empathie pour, euh, pour ces personnages, pour les gamins. La narration est toute pétée. Les jumpscares à gogo, parce qu'on en a beaucoup oui, parlé ça, des jumpscares oui. la, la dernière fois, euh, ils ne fonctionnent pas. Il enfin, y en a 100, donc s'il y en a deux qui fonctionnent, la moyenne est quand même faiblarde. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment une expérience douloureuse hein, de se taper ces deux films. Enfin, moi, j'ai vu, vu les... La... J'ai vu effectivement les stories que tu as mises sur Instagram, Romain. Il y a un truc que je n'avais pas vu et que j'aurais jamais vu, c'est un truc que je remarque jamais, c'est les anachronismes que tu as remarqués dedans. Ah oui, oui, oui. Bah oui, l'action est censée se passer en 1989 dans euh, le, le, le chapitre 1 et 2, en tout cas quand c'est les enfants. Et il y a une bande d'arcade, Mortal Kombat, qui date de 1992. Donc ça, c'est quand <laughs> même problématique. C'est le truc impossible à remarquer, mais lui, il le remarque, tu vois. Bah, il se focalise quand même vachement. Tu sais, au début, quand il parle de Street Fighter, je me il ouais, faut, le temps, faut, faut, savoir, faut pas hein. faire l'erreur de faire le Street Fighter 2, tu vois, parce qu'on sait tous qu'il est sorti après. Et finalement, non, c'était le 1, donc ça se tenait. Même si le jeu n'a pas rencontré un gros succès aux États-Unis, allez, ça se défend. Et par contre, il y a une borne Mortal Kombat, donc ça, c'est pas gérable. Et puis, sur les murs des toilettes, il y a des paroles de Smells Like In Spirit de, de Nirvana, qui ne sortira qu'en septembre 91 Donc là aussi, je me suis dit, oh là là. Ils ont pas <laughs> fait je le vais... job Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que tu t'accroches pas aux acteurs du remake. Il euh, n'y a pas d'accroche, que ce soit dans le premier film ou dans le deuxième, <coughs> où tu as des acteurs qui sont différents. Donc si, as... si ça n'a pas pris que les premiers, ça aurait pu prendre avec le deux... deuxième ou vice-versa. Là, <coughs> dans les deux sens, ça prend pas. J'ai l'impression que quand tu regardes le remake, tu le regardes un peu pour le clown. Et je pense que de toute façon, ils ont joué là-dessus parce que. Quand ils ont lancé la bande-annonce du premier, je me souviens, euh, ils ont joué tout de suite sur la scène d'introduction dans la bande-annonce. Ils auraient pu ne pas le montrer, le clown, dans la bande-annonce, et, euh, et que tu le découvres en allant voir le film. Ils ont pris le risque de le montrer. Pourquoi Parce que ce n'est pas vraiment un risque. Ils se sont dit en le montrant, il va certainement y avoir plus de gens qui vont venir voir le film et tout ce qui s'ensuit. Moi, par exemple, le clown, j'aurais pu le trouver le con. En le regardant dans la bande-annonce, et dire oh Ouais, ça va, ça va être pourri, je ne vais pas le voir. C'est pour ça que je dis qu'il y avait un petit risque quand même en le montrant. Mais du fait, quand tu regardes ça, un et deux, j'ai l'impression que quand tu regardes les deux remakes, tu le regardes pour le clown, tout simplement. Alors que dans l'autre film, dans la, le, le téléfilm de Tommy Lee Wallace, euh, là, il y a une accroche avec les personnages, que ce soit première partie ou deuxième partie. Les, 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 les ados sont aussi attachants que les, les, les adultes. Et euh, tu n'as en pas, pas envie qu'il y en a un qui clame, ça n'a pas envie, tu vois. Et en plus de ça, le clown fait le job. Tim Curry fait le job. Alors, bien sûr, pas en effets spéciaux, pas en maquillage, parce que quand même l'autre est mieux fait, mais en jeu, tu te rends compte que Tim Curry était quand même meilleur dans, dans, dans les grimaces. Et et bah, C'est ce une autre proposition, parce que le, oui, le, le Scargard, là, le mec qui fait le, le ça de la nouvelle version, il s'en sort quand même très bien. Hein. Il, est il le bien, bien. Hein. Est celui... Ça, il n'y a ouais, pas de et... souci. Moi, j'ai plein, plein de problèmes avec euh, tout le délire de, du chapitre 1 et 2. J'ai un problème avec, par exemple, les, les enfants qui sont supposés être une bande de losers. Et euh, ce sont tout sauf des losers. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vulgaires, qui vont parler exactement de la même façon que les spectateurs dans la salle, tu vois, et les spectateurs de, dans la salle, les trucs, les insultes à base de je baisse ta mère et les trucs comme ça, tu vois. Euh, ça va toucher les spectateurs qui vont mater le film, tu vois, parce que c'est le même dialecte c'est la même façon de, de, de parler tu vois et le spectateur il n'a pas envie d'être assimilé à un loser donc tu vois tout de suite tu te dis ces gamins ne sont pas des losers ils sont cool ils ont tous un univers ils ont tous une personnalité et tout ça tu vois tu sens que c'est pas des pulapis c'est c'est pas des mal aimés tu vois et Par ça pour contre... moi c'est vraiment problématique alors que dans la version de Tommy Wallace mais tu sens que c'est des, des des pauvres mmh. types tu vois par contre, là où il y a quelque chose aussi qui peut changer la vision du film, parce que tout le monde n'a pas lu le roman, c'est pour la personne qui a lu le roman et qui regarde le film. Il, il va certainement trouver le remake mieux adapté, tu vois. Parce que, au fait, dans le premier, tu n'as pas cette sensation que la ville elle est sous l'emprise du clown. Et encore, même dans le remake, c'est encore gentil ce qu'ils font, parce qu'ils auraient pu montrer beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de choses... Euh, voilà, dérangeante par rapport à, au fait que la ville est sous l'emprise du clown, que les adultes, en fin de compte, sont sous l'emprise du clown aussi, d'une mm. certaine façon, quoi, je veux ouais, dire. Après, ouais. après c'est une autre proposition là aussi. Le Tommy Wallace, il a trois heures pour raconter son histoire, alors que les autres, ils ont euh, presque cinq heures, tu vois. Ouais. Donc, ils peuvent. Euh rajouter un milliard de trucs mais, mais je, pense qu rajoute... je pense que ça change pas grand-chose je pense que c'est juste parce qu'il était sur la télévision format TV qui pouvait pas aller plus loin tout simplement le, le... moi j'ai un problème avec les cauchemars tu vois euh, donc euh, Pennywise il crée les, les... enfin il, il symbolise les cauchemars que les gamins ils ont et tout ça tu vois Sauf que personne sur cette planète a des cauchemars aussi élaborés. Et quand je regardais le film, je n'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être dans un truc de Lovecraft, euh, l'appel de Cthulhu. J'en ai ras le sac des tentacules qui se terminent par des griffes. Et à l'extrémité de ces griffes, il y a des yeux. Et euh, autour de ces yeux, il y a des langues. J'en peux plus, tu vois. J'en ai marre de cette multitude de, de détails. Je trouve que ça ne ressemble absolument pas au cauchemar que je pouvais faire quand j'étais gamin. Et personne sur cette planète fait des cauchemars aussi élaborés. Donc là, tu te dis, OK, on est en plein dans le cinéma. Alors que dans l'original, rêver d'un loup-garou parce que tu as été voir I was the Teenage Werewolf, ça fonctionne. Si on m'avait foutu le personnage de Freddy Krueger alors qu'il y a des affiches du Freddy 5 euh, au cinéma dans euh, le chapitre 1 et 2, tu vois ça fonctionnait. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais, Mais je n'ai pas besoin d'avoir un milliard de trucs qui ressemblent à rien, tu vois, et qui sont à chaque fois volés d'autres films. La grand-mère qui a euh, les, les, les seins jusqu'au nombril et tout ça, t'as l'impression de voir Médéros de Rec. Euh... C'est le, c'est l'acteur. Hein. En... De toute façon, dès qu'il faut un maigrichon de 4 mètres de haut, c'est lui, lui qu'on prend, tu vois. <laughs> De, de toute façon, tu vois la différence là où quand même le film de Tommy Lee Wallace était efficace, c'est que c'est dans sa simplicité là où il te fait des scènes, par exemple avec le, le sang qui sort de l'évier, je trouve mm -hmm. cette scène efficace quand même. Que de l'autre côté, c'est toujours la même chose, c'est toujours des effets numériques qui viennent, euh, comment dire, te prendre la peur que tu devrais avoir en voyant ces scènes-là. C'est-à-dire que comme c'est pas fait en animatronique, que c'est fait toujours par numérique, ça t'enlève quand même. Tu vois, il y a quand même un bout de voilà, de peur qui s'en va avec ces scènes faites en numérique, tu vois. Et du coup, euh, oui, c'est normal que Tommy Lee Wallace dans certaines scènes est plus efficace par contre, je suis pas d'accord avec le commentaire qui est passé avec la personne qui disait que le premier était plus fidèle au, au roman, je, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, je sais pas si Damien a lu le roman, je pense que Oui oui, ouais, je l'ai lu ouais. Mais je pense que quand même on parle de beaucoup plus de choses dans le qui sont liés au roman dans les deux remakes que dans le premier. Ah il bah, y a beaucoup plus de... oui d'éléments du roman dans le dans le remake effectivement le premier déjà c'était euh... c'était approprier l'histoire mais avait quand même fait ça un petit peu à sa sauce déjà le clown n'est pas du tout le même que dans le roman euh... enfin, ça souvent les gens l'oublient euh... mais c'est vrai que King avait d... déjà une vision d'un clown à l'ancienne comme celui qu'on a dans le dans le remake donc effectivement euh... Et puis pas mal d'autres petites choses également mais je sais pas moi je trouve que le téléfilm euh... fonctionne mieux alors effectivement tu as raison dans le fait que c'est des petits détails qui paraissent euh... alors je sais pas comment expliquer ça mais par exemple le sang dans le lavabo je trouve que c'est tu vois c'est l'effet est tout bête mais il est euh... il... voilà ça fonctionne bien quoi c'est effrayant prends les petits fortunes rien que ça vu que c'est la même scène tu, tu prends dans le Tommy Wall... dans le Tommy Lee Wallace ce qui sort c'est euh, tu as un petit poulet euh, mort tu as enfin euh, tu as un, un petit poulet T'as une espèce de, de fœtus à la con, t'as euh, des pattes d'araignée, de, c'est assez léger, alors que dans le remake, ouais, on bah, te montre là, tout ouais, c'est n'importe quoi. quoi, tu vois. Bah, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est trop démonstratif, en fait, et du coup, c'est même plus ouais. effrayant. Je veux dire, à partir du moment où on te montre tout, où on t'en montre trop, bah c'est, ça fonctionne pas quoi. Et, et moi c'est le problème que j'ai avec ces, ces deux films là, c'est que déjà le clown on le voit beaucoup trop dès le début. Tu mmh. le vois, euh, il est effrayant en plus immédiatement, donc tu sais que bah que il est effrayant et que ça va être, donc déjà tu comprends même pas comment les gamins, enfin, tu vois, il y, y a, ça fonctionne pas en fait à ce niveau-là. Alors que dans le téléfilm justement le le clown c'est un clown de cirque et qui peut attirer un gamin, qui peut être attiré par euh... Tu vois par lui parce que voilà ça lui semble être un gentil clown tu vois et puis qui au final est une créature terrifiante là non il est terrifiant dès le début Mais moi je moi ouais, j'ai du mal avec les remakes alors j'aime beaucoup le premier parce que je trouve pour moi par contre j'ai de l'empathie avec les gamins je trouve que ça fonctionne bien à ce niveau-là pour moi j'aime bien voir ces gamins évoluer dans leur univers etc alors c'est vrai que ça va pas assez loin peut-être comme tu le disais Jean-Louis on comprend pas trop que la ville est sous l'influence du clown en fait qui est sous terre et qui agit comme ça, en fait, sur tout ce qui est au-dessus, donc sur les gens, les habitants et, euh, et tout ça. Par contre, je pense que c'est ce qu'on aura dans la série. La série qui va arriver bientôt, je pense que justement, euh, ça s'appelle Welcome to Derry. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que ça va être justement de, de, de nous montrer comment euh, bah, cette créature influence, en fait, tout ce qui, trou si, ce qui se trouve au-dessus, en fait. Donc, comment les, les parents deviennent complètement euh, tarés. Euh, tu vois, et puis, à mon avis, ça va être basé là-dessus. Donc, Peut-être même qu'on ne verra pas forcément le clown tout de suite, mais ce sera plutôt des intrigues de dans la ville, tu sais, avec des meurtres, des histoires un peu étranges de, tu vois, de gens un peu sadiques, etc. Enfin, ça nous montrera ça, je pense. Et puis on et je pense qu'on évoluera après vers. Alors je sais pas, on aura peut-être des personnages. Alors ne sera pas forcément peut-être des gamins parce que ça serait quand même une redite de ce qu'on a déjà vu. Mais pourquoi pas quelqu'un qui enquête et puis qui va découvrir qu'il cache quelque chose en fait dans les égouts et. Je ne sais pas comment ça va se tramer, mais en tout cas, ça peut être très intéressant euh, à voir si on développe cette idée euh, de nous en montrer un petit peu plus sur l'influence du clown. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup rebondir justement sur, euh, sur l'influence du clown. Je crois que c'est toi, Jean-Louis, Jean c'est ça Tu oui. parlais euh, des animatroniques et de la version plus euh, numérisée. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. À partir du moment où on utilise des animatroniques, même si ça fait plus un petit peu archaïque ou vieux film, je trouve que euh, l'empreinte le, est beaucoup plus forte. Que tout ce qui est numérisé, c'est exactement comme les dessins de mon enfance. Par exemple, le manège enchanté quand j'étais petite et le manège enchanté version numérique. Alors c'est n'est pas du tout la même chose. Mais pour parler de l'influence des clowns, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'un point de vue phénomène de société. Ce qui s'est passé, c'est que c'est uniquement à travers du cinéma. Et notamment grâce ou à cause de Stephen King, que l'image du, du, du clown est devenue quelque chose d'effrayant, si bien que euh, bah, McDonalds ont misé sur le, sur le mauvais personnage parce que Ronald McDonald me fout les jetons. <laughs> Je trouve qu'il est absolument effrayant. Et euh, quand j'emmène euh, mes neveux au McDo, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne voient pas la représentation du clown. Et euh, vous avez vu aussi que ça a donné euh, naissance On le voit à plus, un phénomène. Hein. Ouais, y a Donc, plus maintenant. On n'en le voit plus, mais il y a encore des McDo un peu en, à l'ancienne vous avez ah ouais la grosse figurine de Ronald hein, qui, est, qui est toujours là. Ah Ronald qui okay. fait extrêmement peur. Ils ont extrêmement il peur. Il a tous les codes du... <rire> <rire> Donc, euh, d'un point de vue marketing, ils sont complètement loupés. Et euh, sinon, vous avez vu aussi. Ah, il ils ne se, se lieu, sont euh... pas plantés pendant 40 ans, il faut arrêter. Hein. Oui, oh oui c'est vrai. <laughs> c'est vrai. la cote je... au bout d'un moment. Hein. Alors, je ne alors je sais pas si c'est que moi, mais je pense qu'on est, qu est quand même beaucoup à, à avoir peur de, de Ronald McDonald. Et donc, je vous disais, je ne sais pas si vous avez, enfin, vous avez certainement entendu parler de cette vague de, de clowns tueurs, de gens qui se dessinent en clown, qui font mm -hmm. peur aux gens dans la rue. Donc, ça, c'est pour la version sympa. Donc, moi, personnellement, quelqu'un qui, déguisé en clown pendant la nuit, euh, me, me course dans la rue pour me faire un prank, je le prendrais particulièrement mal, alors que j'ai beaucoup d'humour. Mais il y a eu aussi des débordements des personnes qui ont euh, tué. En étant habillé en clown, donc je trouve que c'est absolument incroyable ce que le cinéma a fait et ça montre vraiment l'impact du cinéma. Aux etats unis oui, il y a une. Après, le clown est inspiré déjà du tueur John Wayne Gacy qui, lui, se déguisait en clown. D'accord. Pas vraiment. Je pense pas que Stephen King a vraiment. J'ai un doute. Je suis pas sûr qu'il ait. Mais en tout cas, mais, le clown est, est censé est symboliser l'enfance, les, 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 les goûters d'anniversaire, il est censé symboliser la joie, quelque chose de drôle. Mais, mais justement, le, moi je trouve que le clown, il symbolise pas du tout la joie ou quoi que ce soit. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est très triste intérieurement qui essaie de montrer une espèce de, de, de... Sous un masque, en fait, une espèce de joie, mais qui paraît fausse. Enfin, moi, moi je clown, pense bah, que c'est l'influence des hein. films, en fait, qui nous fait penser comme ça, Damien. Parce qu'à la sais base... Je clown, sais pas, mais... vu... moi, non, parce que moi, je me souviens quand j'étais gamin, tu avais toujours des images d'un clown un peu triste, comme ça, dans un truc de cirque. Oui, bien sûr, euh... le muet. Le, le, ouais, le... je sais pas, moi, ça m'a toujours... Euh, sûr, même et... l'autre, là, comment il s'appelle, l'espèce de clown qu'on voit souvent, genre couché sur une espèce de lune, comme ça, en croissant de lune, là. Oui, un peu un peu un, peu, un peu creepy un, aussi, un ouais. peu blanc ouais un peu blanc qui fait d'ailleurs penser au nouveau de... oui, bon, ouais, <laughs> voilà, clown de ouais 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 mais ça fait un je sais plus comment ça s'appelle ces clowns c'est un nom un peu particulier c'était mais c'est flippant moi j'ai toujours trouvé que le clown était en tout cas flippant hein. je trouvais que le pierrot voilà nous dit clair bleu indigo taro le pierrot voilà moi ça c'est pareil c'est flippant je trouve, ouais. trouve qu'il se dégage un truc t'as l'impression qu'il joue qu un se... jeu tu vois il se voulait à la base le clown se voulait quand même quelque chose de drôle puisque aujourd'hui on dit aussi mmh. l'adjectif la, clownesque arrête de faire le clown il y a eu parfois on voit dans les films américains euh, euh, le clown qui est euh, invité par les parents pour faire rire un petit peu les enfants donc je pense qu'à la base le clown était vraiment créé pour pour faire rire au cirque et c'est je pense l'influence euh, cinématographique qui a dans notre inconscient rendu le clown Flippant. Moi, je ne vois pas le clown autrement que comme un personnage parfait pour Halloween, comme un déguisement mmh. parfait d'Halloween aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'à la base, le clown était censé être une figure assez rigolote et euh, quelque chose de positif. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, tu parlais de John Wayne Gacy. En effet, j'ai entendu parler de, de l'histoire de, de, de ce monsieur, et je trouve que ce déguisement clown pour pour faire des actes aussi euh, horribles ben, du coup euh, malheureusement non non il se déguisait en clown non. juste pour euh, oui. faire un peu de mamaille. hein euh, il violait pas quand il était euh, bien en clown hein. non okay. mais euh, dans la journée il aimait bien se déguiser en clown avec les enfants tout ça ah oui il allait dans des fêtes il, je il pense qu'il qu en profitait peut-être pour approcher les, les gosses quoi c'était ah bah oui. un, un violeur homosexuel Mais il y avait un film, là, tu parlais des Pierrot, il y a un film aussi d'horreur, euh, Bien Gore, euh, qui a été fait il n'y a pas longtemps avec... Euh, je sais plus, mais, euh, comment ça s'appelle C'est terrifiant, non Terrifiant Terrifier. Terrifier Terrifier, oui, oui c'est ça, ouais. oui. c'est vrai, il y en a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu deux ou trois peut-être. Euh... Ah ouais bah, J'ai vu que là. Ouais, ouais, moi bon, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut, ce truc, je pas regardé. Mais effectivement, qu on regarde, a... euh, quand on regarde ça avec le clown, c'est un peu la même chose qu'avec le requin des dents de la mer. Quand on regarde, c'est un peu le même. Les gens ont eu peur à tort des requins, comme peut-être avec ça ils ont, ils ont peur ah, à, à tort des à peur, tort oui. t'as peur à tort des requins non moi j'ai peur des requins ça te ah, bouffe oui, un mais... requin ah ça peut te bouffer mais c'est pas euh, réputé pour attaquer l'homme de base bah D'ailleurs, si, je crois qu'il y, y a une ou deux semaines, j'ai entendu dans le nord de la France, il y a un, il y a un petit, s'est fait attaquer par un requin, euh, je ne sais pas dans quelle mer. Et ça, si. c'est hyper drôle. Cette volonté de dire non, non, mais vous vous êtes trompés, les requins sont sympas, on peut partager l'océan avec eux. <laughs> Putain, si si c'était vraiment le cas, il n'y aurait rien en Australie. Il n'y aurait jamais ah, d'attaque de requin, tu vois. Bah oui. Donc bien ah, sûr oui. que, que ça reste dangereux. Vous vous arrêtez Oui, ils sont sympas les requins. Oui, mais c'est juste qu'on a on a on a exacerbé le truc avec les dents de la mer ou les gens. Euh, tu vois. Enfin, en fait, je pense que le problème c'est été que euh, après les dents de la mer, il y a peut-être eu une espèce de vague de haine contre les requins, tu vois, en l'imaginant comme une espèce de créature euh, ouais, qui, qui est assoiffée de sang humain, euh, alors que c'est pas et forcément puis, le cas, mais effectivement, bon, bah, après, on peut avoir, ouais, je sais pas combien de milliards, on peut... Et puis, écoute, pour la défense des requins, est-ce que quand tu prends ton euh, voilà. bain, est-ce que, est que le requin, il va dans ton bain te casser les couilles <laughs> Alors, pourquoi tu vas nager où lui, il est bien, il est tranquille Voilà. Tu ah, as as dit dit, moi, moi et Damien, hein, on y va pas. Moi je dis pas le contraire, il ne faut pas aller faire le Zinzin euh, à la grande barrière euh, en Australie. Euh, voilà, tu vois. En, en même temps en Australie il y a tout qui veut te tuer. Hein. Tu vas dans l'eau, c'est les requins, les machins. Non. Après c'est les araignées sur le... Non mais euh, tu vas en Australie, pas où les rednecks euh, australiens dans le désert. Tu, façon, tu, tu euh, vas euh, sur World certaines Australia. plages en Australie où tu as 40 000 pancartes, attention aux requins, attention aux requins, attention aux requins. Et toi tu y vas... Bah, si tu te fais manger, mais tant pis pour toi. Il y avait des pancartes partout, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais, mais voilà. Et puis, tu vas chercher aussi, toi. Bon, tu vas chercher des arguments fable. Euh, L'Australie, direct. Qu'est-ce que tu veux que je me défende quand tu sors l'Australie C'est là où sont les requins, hein. je suis désolé. Il hein. y, y, y avait une vidéo... Il y avait une vidéo assez terrifiante sur YouTube où tu voyais un mec en train de surfer durant une compétition. Hein. Et en fait, il y, a, il y a un requin qui arrive derrière et qui le chope. Et le mec arrive à s'en sortir, mais euh, c'est quand même flippant. Tu vois et puis enfin, tu auras mec... toujours un Jean-Louis sur Internet pour te dire Mais non, ils sont sympas. Euh... Et, mais je pense qu'après, il y a des gens qui défendent aussi les requins parce qu'ils sont en voie de disparition. Et, et, et moi, j'ai envie euh... de défendre les clowns au RSA. Tu vois Qui <laughs> après euh, ils ont perdu leur boulot. <laughs> <laughs> mais, euh, mais en tout cas moi je suis d'accord, je trouve que euh, le clown euh, de base pour moi est terrifiant. Enfin je trouve. Hein. Moi j'ai jamais jour, rigolé devant un clown même quand j'étais tout non petit, petit gamin, ça me <laughs> faisait peur. Et souvent tu sais, ils ont comme une espèce de larmes dessinée autour de l'œil là, c'est tu as l'impression qu'ils sont en train de pleurer quand même temps ils, ont, ils, ils dessinent une espèce de fausse joie enfin non non, c'est terrifiant les... il y a un côté oui. psychotique en fait chez les clowns de base, je trouve euh, vraiment. Hein. Il bah, y a les clowns et il y a aussi, euh, moi je me souviens que ma, ma grande sœur avait mis dans notre chambre, elle avait eu la super idée de mettre un espèce de pantin sous forme de... avec une tête de clown. Elle l'avait accroché à côté de son lit, donc il me regardait toute la nuit. Et donc je l'ai je supplié de l'enlever et elle a fini par accepter, mais il y avait ce clown qui me regardait toute la nuit. Et dans un autre registre, j'ai ma maman aussi qui protégé, faisait... C'est Paul Torgue, Écoute, écoute ouais. peut-être, on ne saura jamais, parce qu'il a fini dans une benne à ordures, sans qu'elle. Tout... Enfin, maintenant, elle va, apprendre, elle va apprendre ce qui est advenu de, de son clown. J'ai décidé de m'en débarrasser. Il me faisait vraiment trop peur. Et ma maman, elle avait une bien bien jolie avoir. vitrine à la maison où elle entreposait plein de, de vieilles poupées en porcelaine. Des poupées, mais hyper crépilles, qui coûtaient une blinde et, euh, et qui me faisaient extrêmement peur, alors que c'était un peu les poupées qu'on trouvait au début du 19e siècle. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai grandi quand même avec ces relations un peu euh, censées être euh, quand même être douces, faire partie de la douceur de l'enfance, mais qui m'ont euh, juste absolument terrorisée. Alors attends, j'étais juste en train de regarder les commentaires. On nous a parlé yes. de Pyro le clown, la mélancolie. oui il y, y a de ça. Il y a un côté mélancolique chez le clown, ouais, qui est, euh, qui est, qui est terrible. Ouais. Mais après, effectivement, fantastique. Tu parlais des poupées. Euh, c'est vrai oui. que ça aussi, c'est vraiment aussi un, un stress euh, pas possible. Moi, je sais que ma sœur avait des poupées aussi dans sa chambre, etc. Mais c'est c'est immonde, mmh. quoi, de. Je, en fait, c'est cette espèce de représentation euh, humaine, euh, mais fixe comme ça, puis souvent un sourire figé. Ouais, ça. figé comme ça, ouais. et c'est vrai que c'est ouais, c'est assez terrifiant. Alors, est-ce que c'est pas le fait de représenter, enfin pour les poupées, hein, de représenter un espèce d'humain, tu vois, qui est pas vraiment humain et que c'est ça qui nous fait peur mmh. J'en sais rien. Qu'est-ce qui peut-être qu'il ne bouge pas. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est plutôt la fixation. Ouais. Tu vois, tu te sens fixé, enfin, fait, tu te sens regardé. Ouais. Et euh, alors, quand on a genre 200 autour de toi, c'est euh, mal <laughs> quoi, tu vois. Romain a eu l'expérience, je l'ai eu aussi. Moi, euh... je pense que pour les, les poupées, ça s'explique parce que personne n'a peur d'avoir un big gym à la maison, même si c'est une représentation d'un être humain, tu vois. Je pense que les poupées, c'est différent parce qu'elles ont quelque chose de, de profondément humain dans le regard. Parce qu'il n'y a rien de mieux foutu dans une poupée que les yeux, tu vois. Mm. Les yeux font vrai. Et c'est peut-être ça qui est déstabilisant. Ah, c'est pas impossible. Ouais. C'est vrai qu'on avait en plus c des poupées des fois qui, qui avaient les yeux qui, qui clignaient quand tu les, tu, sais, tu, ouais, les... Ouais. Tu, tu les bouges un peu puis en fait as les yeux ils s'ouvrent ils se ferment comme ça enfin, c'est très étrange. En fait tu sais c'est comme j'avais dit hein, quand j'avais été dormir chez ma tante qu'il y avait les poupées qui étaient tout autour là où je me suis réveillé <laughs> j'avais l'impression en fait d'avoir Kitty Bed en misérie devant moi tu vois j'ouvre je un œil je les vois ils me regardent tu vois c'était mm. euh, c'est impressionnant en fait tu vois c'est c'est impressionnant yeah. c'est vrai que ça peut foutre une trouille. Dans le chat, il y a Benoît Paul Lorenzo qui fait référence à l'épisode d'X-Files avec la poupée. Et il faut rappeler que c'est un épisode qui a été écrit par Stephen King. Stephen King, oui, tout à fait. Qui ouais. est okay, très, très bon d'ailleurs comme épisode. Hein. Vraiment euh, assez effrayant, effectivement. Il fonctionne très, très bien, cet épisode-là. Euh, ok. Hop. Alors, du coup, les poupées. Tiens, Daryl, est-ce que toi, tu as, as eu aussi des expériences euh, <laughs> avec des poupées euh... Euh, moi, le film Les Poupées me va être trop. terrifiante. Quand, hein. quand j'étais euh, petit, euh, Les Poupées. Je crois que c'est l'un des fi pr premiers films, les premiers films d'horreur que j'ai vu Ça fait. Après, je l'ai plus jamais revu. Il m'avait, m'avait fait très, très peur. Par contre, je, moi, j'avais une marionnette qui ressemblait un petit peu avec un, un clown avec des cheveux, euh, <laughs> des cheveux comme ça et un petit chapeau. Mais je l'aimais bien. Hein, je jouais avec. Je faisais <laughs> la marionnette. Et non, il était accroché dans ma chambre. Il me regardait dormir. Il m'a jamais rien fait. Donc ça. Non, ça va alors. Euh, ça, c'est cryptique... peut-être parce que tu t'en es bien occupé. Oui, je le nourrissais tout à l'heure. Il, y, a, il jour. y avait un excellent <laughs> euh, épisode, euh, pour ne pas citer tout le temps les mêmes films qu'on a déjà parlé dans, dans la première émission, il y avait un excellent épisode dans les, les contes de la crypte avec euh, <laughs> un gars au fait qui... Ah, le ventre Ah, ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais et il est génial, il est génial super flippant quand même je trouve bon, un épisode quand même des contes de la crip il m'avait bien foutu la anima trouve. animatronique hein, c'est ce qu'on disait mmh. ouais euh, mais, mais alors mais attends alors euh, je, je veux juste dire un ouais. truc parce que tout le monde blâme les effets spéciaux de synthèse je suis le premier à critiquer les effets spéciaux de, de synthèse <laughs> mais euh, souvent le problème c'est la mise en scène autour et euh, ça on est le, le parfait exemple c'est-à-dire que la représentation de Pennywise en araignée je trouve mmh. que visuellement elle fonctionne et elle fonctionne ouais. bien mieux que dans le téléfilm. Par Donc, contre, la sûr. mise en scène, c'est-à-dire une caméra dynamique qui fait très jeu vidéo et tout, euh, c'est ça qui pose problème. Mm -hmm. Ce n'est pas vraiment les, les effets spéciaux de synthèse parce qu'il y a des effets spéciaux de, de synthèse que je vous mets au défi de, de capter. Tu vois. Ah mais je n'aime pas tout. Je, 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 je ne crache pas sur tous les effets numériques hein. quand c'est bien utilisé, c'est bien fait. C'est toujours et, ça le problème. Voilà, et quand il y a le contexte qui va avec et que c'est bien utilisé dans le contexte, ça peut être, ça peut être cool, mais il faut bien l'utiliser. Comme tu dis, Romain, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. <laughs> non c'est vrai que le, le le final de ça euh, chapitre 2 avec l'araignée moi m'avait beaucoup déçu je m'attendais à quelque chose d'un peu plus effrayant qu'une simple araignée qui garde sa tête de clown que l'on a vu pendant euh, toute la durée du chapitre 20 et 2 quoi tu vois donc euh, je, je m'attendais à autre chose et ça ça m'avait beaucoup déçu et effectivement c'est quand même mieux que celui du téléfilm parce que celui du téléfilm euh... T'as l'impression d'être dans un truc façon Jason et les Argonautes, tu vois. Ah oui, bien. elle est en stop motion. Hein, ah, c'est ouais. C'est pas terrible. Mais euh, ouais, non, j'ai été déçu. Je m'attendais à autre chose. J'aurais bien voulu, tu sais, que la... moi, moi vraiment, hein, je m'attendais à ce que la gueule du clown s'ouvre et que t'aies un espèce de truc genre euh, arachnide, tête d'arachnide qui sorte comme ça de, de, de dedans. Enfin, je sais pas, un truc. Euh... Mais bon, c'est. C'est dommage. C'est peut-être ça qui m'a le, le... vraiment déçu avec ce chapitre 2 aussi. C'est. Si au moins le final avait pu être toi, en apothéose avec un truc vraiment ignoble, euh, non, ils, ils ont gardé ça vraiment très euh, classique. Euh, bon. Ok. Euh, beaucoup de gens ont peur des poupées. Là, euh, les poupées du diable m'avaient impressionné. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les poupées du diable. Alors, les poupées du diable, si je ne dis pas de bêtises, c'est un film de Todd Browning qui doit dater de 1927 ou un truc dans le genre. Hein. Je crois que c'est celui-ci. Il doit faire référence à celui-ci, peut-être. C'est possible. Todd Browning, je... qui est le réalisateur de Freaks. De Fricks, oui. Qui est effrayant aussi hein, dans son genre. Hein, euh, il faut, faut aller jusqu'au bout. Hein. Tu vérifies la date pour euh, Les Poupées du Diable Ça se trouve, c'est euh, 34 ou un truc comme ça. Hein. On va attendre, on va, je vais voir s'il si nous, nous répond aussi. Les Poupées du Diable. <coughs> il y a un commentaire d'Arcania qui est intéressant. 1936. Je prends y répondre. Oui, vas-y, réponds. Et puis en plus, on le remercie parce qu'il a envoyé 5 euros. Donc, merci beaucoup, Arcania95. Qui nous dit alors j'essaie de retrouver son commentaire là bas qu'il l'a mis il y a un moment et je ne regardais pas le tch... ah si il est là il est là il est là je l'affiche alors euh, et... oui personnellement dès le début du film moi quand j'avais vu conjuring ça m'a fait flipper honnêtement après euh, tout ce qui est sorti par la suite mettant euh, la poupée annabelle euh, comment dire dans, dans les autres histoires euh, dans, les, dans Annabelle 1, 2, 3, je ne sais plus combien il y en a eu, ça, au fait, ça a déconstruit un peu Conjuring. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde Conjuring, l'introduction ne me fait plus peur. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu Conjuring, ça m'a fait flipper. Mmh. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur de la poupée, oui. euh, beaucoup plus qu'après, euh, quand les suites sont sorties, euh, qu'ils ont, qu voilà, qu ont essayé d'allonger euh, le truc. Et... Donc, du coup, oui, l'introduction m'avait vraiment fait peur avec la poupée Annabelle dans Conjuring. Mais justement But... par rapport à ce film-là, juste rapidement pour rebondir, euh, est-ce que le fait que le film euh, soit tiré d'une histoire plus ou moins vraie, d'une vraie vérité euh, maléfique, est-ce que justement ça donne pas aussi une, une impulsion un peu plus euh, effrayante du fait qu'on peut euh, se référer à cette histoire dans la vraie vie. C'est un peu ce qu'on disait aussi au début. Moi, je pense vraiment que le fait que cette poupée s'est tirée vraie, de l'histoire vraie d'une poupée, et après on y croit ou on n'y croit pas, je pense que ça donne vraiment une dimension horrifique supplémentaire. Oui, certainement. C'est comme les conjurings qui jouent là-dessus, hein, sur les dossiers Warren. Le problème, ouais. c'est que quand on lit, par exemple, euh, les, les livres consacrés aux époux Warren, Vis-à-vis -vis du cas d'Annabelle, ça n'a quand même strictement rien à voir. Hein. Non. Ah ben oui, Donc, oui, euh, mais bon, oui. Si tu vas en connaissance de cause, bon, tu sais que c'est euh, Conjuring, en tout cas, même Annabelle 1 et 2, euh, c'est vraiment ultra brodé. Hein. L'histoire, elle est un peu plus de chipouille quand même, tu vois. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça sert le film, parce que l'argument euh, inspiré d'une histoire vraie, il est vraiment hyper fadasse. Pour ce qui est de la poupée, hein. Je parle pas de, de ce qui se passe mmh. euh, dans l'intrigue principale. Le... Après, lui, lui, vraiment, dans le commentaire, lui, ce qu'il parle, hein, il, il dit vraiment, euh, diriez-vous, que la poupée Annabelle est effrayante dès le début de Conjuring, comparé à tout le film Annabelle oui, en bah, entier. Surtout qu'Annabelle, Donc... le film, il est, à part la scène d'intro que moi, j'aime bien. quand il, il, Elle est il, terrible, la scène d'intro. Ouais, ouais, le Alors, plan de séquence, il est magou, il fonctionne du feu de dieu, ouais. Et il n'y a, a que ça dans le film qui est bien. D'ailleurs, il copie Chucky. Après, euh, le premier Chucky, c'est à peu près la même scène quand euh, il va dans la poupée. Mais c'est vraiment euh, l'introduction était géniale. Je me suis dit, ouais, le film il va être génial. Et après, euh, non, le film il est moins bon. Chucky qui est inspiré d'une histoire vraie aussi. Hein. Je sais pas si tu savais. Oui, ah bon c'était Robert, euh, je sais pas quoi là. Mmh. Ça ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, pour moi, le début du coup, Juring, Annabelle, elle est effrayante. Ah, bon, oui, bon, puis c'est plus effrayant parce que tu vois. Euh t'en sais pas plus, en fait. Effectivement, dans le film ça. Annabelle, après, ils vont creuser un peu plus dans, dans l'histoire, etc. Puis, le premier film Annabelle, dans tous les cas, il est complètement raté. Effectivement, l'introduction est bien, mais alors le reste, c'est complètement inutile, quoi. Ça n'a aucun sens. Le 2, par contre, est plutôt le sympa. Est un peu mieux. Mmh. Et il euh, mmh. y a des passages qui sont quand même assez flippants, quand on voit cette, cette euh, forme noire qui attrape, euh, tu sais, le mec, là, etc. Enfin, J'ai trouvé ça assez flippant. Tu, tu mais... sais, le, le, le problème de l'univers Conjuring, tu sais, c'est quoi C'est qu'en en fait... Ils veulent exploiter les personnages. Bon, c'est bien question argent. Ils savent qu'ils vont rentrer de la thune en, en exploitant les personnages qu'ils ont fait. Le problème, c'est bien pour, 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 les, pour, pour la thune, mais c'est pas bien pour l'histoire en général. Parce qu'en fait, quand tu construis un personnage comme ça, tu dois pas trop en dire. C'est-à-dire la nonne tu la montres, t'en parles plus, tu la laisses avec les mystères qui est autour, comme mm. euh, les autres personnages qu'ils ont créés, Annabelle ou. Euh, ou je sais plus quel monstre qu'ils ont créé dans le 2, il y en a encore un autre, tu dois les créer, ça sert une histoire, l'histoire elle est finie, stop, t'en parles plus. Mmh. Il faut pas chaque fois essayer de donner euh, une histoire au personnage que tu crées, parce que finalement après ils font plus peur, tu vois Oui, parce qu'on en sait trop. Alors que de laisser bien. le mystère comme ça traîner autour de la poupée Annabelle, voilà. où elle vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, alors que là on t'explique d'où elle vient, comment elle a été construite, enfin bon, ok. Bon, surtout qu'en plus, on sait bien qu'il y a rien. Enfin, la poupée Annabelle en elle-même n'est pas hantée, c'est une, une espèce de démon qui l'utilise, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage, oui, ça, ça perd de Oui, sa... parce que c'est ça que du coup, quand tu revois les, les premiers films qui t'avaient fait avoir peur en voyant ce personnage-là, mm -hmm. c'est ça qu'après, quand tu les revois, tu plus peur, en fait, quand mm. tu as vu les autres films qui sont sortis après. Tandis que s'ils n'auraient pas sorti les autres films, ils auraient gagné moins de pognon. Mais toi, en tant que spectateur, tu regardes le film, tu as toujours peur. Tu vois mmh. Mmh. et euh, voilà, c'est une question de finance en fait. C'est toujours le pognon qui. Mais ça, c'est Hollywood, ça, c'est normal. Mais me... Tu seras à leur place, le... tu ferais pareil. Il me semble que dans le live précédent, vous parliez. Alors, il me semble que c'était au sujet justement de la franchise Conjuring. Je crois, il me semble que c'était de cette franchise-là dont vous parliez quand vous disiez qu'elle a été un petit peu usée en fait, qu'ils ont... Qu ont fait le film de trop. Je crois que c'était au sujet justement de la franchise. Au-delà de ce qui pouvait réellement proposer et continuer à captiver euh, euh, l'émotion et, et l'attention. Alors, est-ce que c'était bien de cette franchise-là dont vous parliez bah, C'est pas impossible parce qu'effectivement, le dernier Conjuring, euh, bon, c'est pas quand même euh, un grand film. Ouais. C'est, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression, oui, qu'ils essaient de tirer sur la corde au maximum parce qu'ils ont, voilà, ils ont fait du fric avec les, avec tous ces films-là et. Euh, Bon, après, ils marchent tous, hein. même le, le dernier a bien fonctionné. Ouais. Mais euh, à force, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à raconter euh, Je ne sais pas. Oui. Je... Puis en plus, à chaque fois, moi il récupère quelques idées de, de ce qu'il y a dans les bouquins des Warren, mais. Ils en inventent énormément aussi autour. Ils brodent énormément de choses. Brodent, voilà, euh, c'est ça. C'est l'impression euh, que ça me fait aussi. En te disant oui, c'est basé sur des histoires vraies, sauf que bon, c'est quand même très, euh, ça va bien au-delà de ce qu'ont écrit les Warren, alors que les Warren déjà allaient bien au-delà de ce qui s'était réellement passé <laughs> durant leurs ouais. enquêtes. Donc, euh, mais ouais, bon, je sais pas. Moi, contre en tout cas, j'ai été très, très déçu par le dernier, euh, qui n'apportait absolument rien et n'était pas mm. du tout terrifiant ni effrayant. Euh. À part quelques scènes sympathiques, mais euh, il y avait beaucoup mieux à faire euh, en se basant sur le, les bouquins des Warren. Il y avait beaucoup mieux à faire en tout cas. Il euh, y a Magic Alike, je vais rebondir dessus. Il dit J'ai revu euh, La Nonne bien mieux que dans mon souvenir. Bonne réal, les très beaux décors. Moi j'ai toujours adoré le film La Nonne. Hein. Je les décors euh, sont très beaux. Les décors font très film de la Hammer. Il y a un côté un peu euh, Dracula comme ça à l'ancienne. Euh, la je la photo est magnifique. Mmh. Très très beau. Vraiment. Et on devrait normalement en avoir un deuxième qui n'est pas réalisé euh, par le même Réal. J'ai oublié son nom là. C'était euh, comment il s'appelle J'ai oublié. Euh, ah, j'ai plus, je sais plus. J'ai perdu son nom. Je, je pense que ça va se passer en France parce que j'ai lu un article tout à l'heure. Mais ouais. c'est ça. hein ah ouais, ça se passe en France. Et euh, du coup, on va en savoir plus sur euh, sur donc le. Ah comment c'est fou je perds la mémoire c'est dingue le démon le démon c'était Ouais le démon le démon ouais sur Valak qui, qui envahit le corps de euh, du, du Maurice Maurice Thériot donc on va sûrement se baser vraiment là-dessus quoi Et c'était en oui. Je voulais juste rebondir du coup sur La Non et, et, et d'autres films. En termes de promo aussi, j'en ai fait une vidéo, c'est pas du tout pour faire la pub, mais je pense que c'est assez intéressant d'en parler. En termes de promo autour de certains films d'horreur, il y a aussi euh, certaines rumeurs qui ont tourné autour de, de phénomènes paranormaux ou de drames qui, euh, qui, 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 ont survenu, euh, qui sont survenus pendant... Euh, pendant le, le, le tournage de certains films d'horreur et euh, des, des destins tragiques aussi d'acteurs et, mmh. euh, et c'est vrai que sur La Nonne aussi il y avait eu cette scène où, où c'est carrément le, le, le réal ou le producteur qui disait qu'il euh, qu a vécu un phénomène un peu paranormal pendant le tournage ouais. où il pensait qu'il était avec deux personnes ouais. après on y croit on n'y croit pas mais je trouve qu'en termes de com' c'est pas mal, ça donne vraiment encore ah bah, un c'est de la, de la de ce communication film. et d'ailleurs même dans mmh. La Nonne non c'était pas dans La Nonne c'était dans, euh, dans Annabelle euh, la, la maison du mal où à un moment donné, tu as l'actrice qui dit qu'elle rentre dans une pièce et euh, euh, qui normalement devait être vide. et Il y avait la poupée qui était là, enfin là qui ouais, est la de pièce, chose. et puis genre elle se retourne et elle disparaît. Tu fais oui, oui, bien sûr, évidemment. On en euh, avait parlé vraiment. un petit peu dans le live Poltergeist de, de, de ce genre d'histoire, tu sais, ouais. mais c'est fait pour attirer les gens. Voilà, c'est de la promotion en vérité, et bien sûr. Bah, après, et, bon, d'un autre côté, regarde ton siège avait bougé tout seul, mon PC euh, <laughs> s'était éteint tout seul, donc écoute. J'étais en train d'écrire Poltergeist à ce moment-là. Tu fais une émission Poltergeist, il y a un truc bizarre, un truc chelou. Je ne sais pas. En fait, on a lié la mort accidentelle ou tragique de certains acteurs on les a liés au tournage du film qui avait lieu peu de temps avant. Et en fait, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais je trouve que ça ajoute encore du crédit au film, un sentiment d'horreur supplémentaire. De toute façon, tu sais, Batman a été considéré comme un film maudit, tu vois et euh, oui. quand Edge est mort ça a encore amplifié ça donc euh, Batman était cool. considéré comme film maudit je sais pas si vous le savez avant que Edge meure hein. donc il était considéré comme un film maudit Batman Incroyable. et euh, ça a toujours été pour moi un, un petit peu de promotion je crois pas vraiment euh, qu'il y ait eu vraiment euh, des trucs tu sais j'ai parlé avec le réalisateur de Poltergeist 3 que lui même n'y croit pas euh, donc voilà quoi hum mm. Ouais, non, je pense qu'il y a beaucoup de, de com, effectivement, pour essayer d'attirer les gens. Et comme tu le disais, Contastique, tout à l'heure, de, de, de parler comme ça de... De choses soi-disant réelles qui se seraient passées, toi, avant ouais. le tournage, ou même de films basés sur des faits réels, ça attire les gens parce qu'on a envie de. Toi, il y a une espèce de. Moi, je pense que ça curiosité. crée des biais cognitifs, en fait. Ça crée, dans l'inconscient oui. des gens, ça marque, en fait. Il, là, vraiment, il mm. touche à l'inconscient des gens. Et donc, je trouve que c'est assez, assez intéressant. Ouais, vraiment. Mm. Est et on... on a l'impression qu euh, que ce soit un procédé assez courant, là. Euh ces dernières années. Hein. C'est plus Alors, vraiment moi années, les films non, dont j'ai parlé dans ma vidéo, c'est des films assez anciens en tout cas. À part la nonne mm. et conjuring, il y a des films assez anciens. J'ai découvert, exorciste... découvert la non et euh, la Yorona euh, cette semaine. Et j'ai regardé tous les bonus euh, des, euh, des blu ray Et euh, pour la Nonne, il n'y a absolu, absolument rien sur mm. des trucs euh, paranormaux qui seraient passés pendant le tournage. Euh, par contre, sur la Yorona, ils expliquent qu'ils ont tourné dans une maison euh, qui était une maison hantée. Bon, ça, ils nous font le coup à chaque <laughs> fois. Mais sur, euh, sur la non il y avait absolument rien. Donc, s'ils l'ont fait en promo, c'est en amont. En tout cas, pas pour, euh, pour vendre mmh. du Blu-ray. Hein. Mmh. On a Arcania95 qui envoie 2 euros. Je le remercie. Et qui nous demande avez-vous vu Dead Silence avec un ventriloque Alors, Dead Silence est excellent hein, de James Wan. Excellent film. Et euh, vraiment flippant pour le coup. Euh, c'est vrai qu'il est assez, euh, assez terrifiant avec son ambiance. Surtout le final, là, avec le. Cette espèce d'ambiance euh, glauque. Enfin, non, le film est très réussi. Dead Silence est très très bon, je vous le conseille. Et, euh, et c'est vrai que... Alors, je voulais rebondir tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais euh, Jean-Louis, est-ce que l'épisode dont tu parlais de, des contes de la crypte avec le ventriloque, c'est euh, l'épisode où à la fin on se rend compte que c'est pas vraiment une poupée, mais que c'est son, son espèce de double... Qui avait poussé sur son bras ou un truc comme ça Oui, c'est ça. Il y en a, en a deux. Écoute, je ne te, je te, voilà, te cache pas que quand j'en ai parlé au début, j'ai voulu parler de celui-là. Et après, je me suis souvenu qu'il y avait aussi un épisode avec Zach, je ne sais plus comment il s'appelle, qui joue dans les Gremlins, euh, qui en a fait un autre Black aussi. Voilà, avec un ventriloque. Là, c'est vraiment une marionnette. Et, euh, donc, okay. les, il y a deux épisodes. Vraiment, les deux épisodes-là sont excellents. Les deux sont très, très bons. Vous pouvez les regarder. Je vois pas c'est lequel. Alors celui avec le, le mec des Gremlins, j'avoue que ça me. Ouais, je vois pas, pas c'est lequel. Coup. Ah, celui-là ah, celui il est celui avec la main. Avec la Et main, il est bon. de aussi. Alf avec le ventriloque. Il y a un épisode de Alpha avec un ventriloque où euh, il fait un dédoublement de personnalité euh, comme euh, au cœur de la nuit, comme, euh, comme tous les films avec des ventriloques. Mmh, Alp, extraterrestre. Oui, oui. Il acquiesce il y avait, <laughs> ouais, euh, Oui, bah, ça, ça me fait penser, à, je sais pas si vous regardiez La, la vie de famille, euh, Steve Urkel, euh, il y avait euh, un épisode avec une poupée maléfique. Steve si Urkel, c'est vraiment la légende urbaine des années 90. Hein. Je pense que vous avez tous eu la rumeur que Steve, euh, Steve Urkel est mort. Oui, mais en fait, c'est pas lui, c'est euh, la fille qui jouait Mia, je crois. Mais ça a mais duré pendant des années. Tout le monde ouais, dit, ouais, ouais. Ah, Il est mort, hein, il est mort. Bah, il est, il est, il est sous coque, coque euh, machin. Il est ouais. sous coque, il est mort. Mais non, c'est pas lui, c'est la, la, celle qui est amoureuse de lui dans la série qui, qui est morte. Ouais. Et après, si on peut, si on peut quitter euh, le monde des poupées maléfiques, j'ai. Ah, bah non, non il fallait, il fallait euh, ah, faire référence euh, ouais. à la série Vendredi 13. Le premier épisode de la série Vendredi 13, il concerne aussi une poupée maléfique. Et moi qui, et moi qui ai noté une liste de films là à parler. Tu vas le faire, on, mais là, on, les poupées. On, les on gens, va en parler poupées, toute la nuit, les gars. Poupées. Les poupées, c'est Le film de Boy, qui l'a vu Moi, je l'ai vu. Le premier est excellent, le deuxième est une véritable merde. Et euh, ça par le réalisateur d'ailleurs de Esther 2, qui est aussi une véritable merde. Oh. Mais euh, il a fait un truc bien, qui est au moins The Boy. Le premier est très très bon. Je ne savais pas du tout du tout vers quoi ça allait. J'ai été très surpris par le final. Mais alors le 2, ça a été du grand n'importe quoi. quoi. C'est débile. Mais le non, le 1 est excellent. Très très bon film. Très très bon. Et ça fonctionne Mais Il y a très pas bon. l'actrice la, 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 qui joue dans The Walking Dead, qui joue dedans aussi Non ah je peux pas te dire là je ne peux pas te dire je sais plus tu crois que c'est une actrice de Walking Dead ça dans Il le sent, premier semble celle qui fait Maggie ah ouais attends mais je crois pas que ce soit elle hein. non 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 c'est pas elle hein. ah si c'est elle ouais t'as raison putain oui c'est elle j'avais jamais fait gaffe attends et elle lui ressemble en tout cas, mais non, je crois pas que ce soit elle. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Bah, si, c'est elle, ouais, mais oui, t'as raison, t'as carrément raison. Putain, j'ai jamais reconnu, euh... effectivement, je suis en train de regarder des photos. Mais oui, c'est elle. Bon, après, Walking Dead, ça fait un moment que je ne regarde plus, hein, tellement c'est devenu euh, ridicule. Mais ouais, c'est elle, effectivement. Mais tu vois, j'avais pas fait gaffe. Euh, j'avais, dans mes souvenirs, c'était pas elle, mais effectivement, ouais, c'est bien ça. Mais en tout cas, The Boy est vraiment très bon. Hein. Ça fonctionne très bien. C'est très stressant, je trouve. Surtout quand t'as l'impression que la poupée, tu sais, se déplace et euh, en fait, tu vois jamais rien. Tu dis, mais comment elle fonctionne En fait, comment ça, ça marche Et le, le final est incroyable. Il faut faudra... vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous conseille The Boy, hein. mais pas le 2 Surtout, ne regardez pas le 2 ça brise tout. Mais ouais, c'est bien, elle effectivement. Oui, euh, The Walking Dead, etc. Ouais, bah, tout le monde euh, le dit. Oui, c'est bien Maggie. Ok, très bien. Bon, ok. J'ai bien aimé Esther 2. Ah non, est, euh, Esther 2 est... Vous avez... Qui a vu Esther 2, là, d'ailleurs Non. Je ne l'ai pas encore vu. Pas encore. C'est catastrophique. Ça ne me donne pas envie, en fait. Je sais pas. pas bah, c'est catastrophique. Et en plus, ça contredit le 1. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh... Non, non, c'est terrible. Absolument terrible. Arcania 95, qui renvoie 2 euros, qu'on remercie évidemment du fond du cœur, qui nous dit, pour vous, Insidious 1 est-il le meilleur des trois il y, en a plus, il y en a plus que 3 des Insidius. Il y en a 4 actuellement, 5 est en tournage, mais ouais. euh, oui, le 1, on peut considérer Le 1, 2, Le 1, le 2, voilà. on peut considérer que... D'un côté, j'ai plus peur peut-être avec le 2, avec le, le jeu que propose Patrick Wilson quand il fait le gars qui est possédé. Tu vois vraiment, tu sais, même à un moment donné, tu sais, il cache un truc derrière sa main et il dit au gars qui est devant, devine, qu'est-ce que j'ai Il est en train de lancer les dés et il voit un couteau. Tu vois, cette scène m'avait quand même impressionné elle m'avait quand même fait avoir peur. Donc le 2, il y a des scènes qui sont quand même qui, qui, qui sont beaucoup plus effrayantes, mais le 1, point de vue mise en scène, est plus efficace. Ah, le, le, 1, le, le 1 est très très chouette, il est vraiment effrayant avec cette créature à la fin là qui est vraiment terrifiante. Le 2 est très bon, par contre le 3 et le 4, là, euh, le 3 c'est celui avec la fille qui est dans son lit, hein, c'est ça ouais, ouais. C'est quand même c un peu vent, moyen. Toi. Ouais ça vent, passe toi. mais c'est bon, c'est pas au niveau des autres. C'est le et 4 le... qui est... Ouais la dernière clé, euh... ouais. c'est pas terrible. Hein. Vraiment pas terrible. Euh, on me demande si j'ai vu Nope. Oui, j'ai été voir Nope au cinéma et... Euh c'est un film très particulier, et à force d'y penser, j'ai appris à l'aimer, en fait. Mais en sortant du cinéma, j'étais très déçu. Vraiment très déçu. Et au final, j'en ai beaucoup parlé avec Dimitri, avec Tommy, etc. Et euh, du coup, j'ai pu revoir le film parce qu'il est sorti en téléchargement, faut pas le dire. Mais euh, du coup, je l'ai revu et euh, je le trouve vraiment très très bon. Euh, une fois qu'on a, j'ai envie de dire, allé, voilà, euh, réfléchi à tout ça, et euh, moi j'ai trouvé que Nope était vraiment excellent. Autant eux c'était une véritable euh, purge, j'ai trouvé que c'était vraiment naze, euh, autant Nope est excellent. Vraiment génial. Et je vous encourage à aller le voir, et euh, voilà, on, on va peut-être faire un live là-dessus, il faudrait qu'on en fasse un pour. Il euh... y, euh, y a beaucoup de choses à dire. Très, très pour bon. Rebondir, pour rebondir là-dessus, euh, à l'heure actuelle, Jordan Peele, si c'est comme ça que ça se prononce, est euh, le seul réalisateur. <laughs> Qui euh, qui me fait bouger ah, oui, me mon fond. cube, qui me fait bouger mon cube pour aller au cinéma. Oui. Voilà. Bah, bah, Us, tu... Ouais, tu disais du mal de US, moi bon, j'ai bien aimé quand même Us. Il est moins bon que Get Out, hein, mais ça... ouais, moi ça aussi. Bon, Get Out, c'était vraiment excellent. Mais après ouais. US, ce que je n'ai pas compris, c'est le final. Enfin, pour moi, ça, ça n'est pas la route. Cette espèce de de double toi c'est double ouais, fantastique à fond ouais mais ça ça a pas de sens je trouve euh, je sais pas ça, pour moi ça n'a pas fonctionné j'ai enfin, été déçu par ce final je m'attendais vraiment à une explication tu vois un truc qui tenait vraiment la route etc et là euh, je sais pas ouais bon okay. après c'est euh, get beau, hein. j'ai ai beaucoup aimé parce que c'est très psychologique il n'y a mmh. pas tant de scènes ou de personnages qui font enfin Spécialement peur, il n'y a pas spécialement d'apparitions qui font spécialement peur, mais euh, mais c'est un autre type d'horreur, c'est psychologique. Bah, et moi, j'adore je, beaucoup. Je le considérerais plus comme un thriller plutôt ouais. qu'un film d'horreur. Oui, carrément. Mmh. Ouais, ouais, avec un petit basculement vers le fantastique à la fin, mais euh, je sais pas, il faudrait que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, il m'avait tellement déçu que je n'ai pas osé le, le revoir, mais je, je le En je oh, le... Get Out, on parle de Get Out. Ah, de Get Out, ok. Oui, oui. La voilà, seule chose qui m'a déçu dans Get Out, c'est si tu te souviens bien, dans la bande-annonce, à un moment donné, on voyait un espèce de serre euh, squelette qui était en train de de s'engouffrer dans un espèce de truc un peu sombre. Et je disais, mais c'est génial, j'ai trop envie de voir ça. Et je suis allé voir le film juste pour cette scène, tu vois. Et en fait, elle n'est pas dans le film. Donc, euh, j'étais très déçu. et euh... bah, Moi, j'évite de regarder les bandes annonces maintenant parce que ça spoile trop. donc euh... bah, Maintenant, en fait, tu as des bandes annonces qui te montrent des scènes qui ne sont pas dans les films. Et ça a été la même chose pour euh, Cure of Life. Cure for life en fait, ça avait été renommé, je crois Cure for life, je sais plus comment il s'appelait. Euh, pareil avec une scène qui n'apparaît pas dans le film, alors qu'elle était dans la bande annonce. Donc du coup, c'est assez décevant malheureusement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a parlé de tout ça. On va, y... on va parler après des extraterrestres parce qu'il y a eu un commentaire qui était très intéressant sur la, la première vidéo. On va en parler. On finit juste avec les poupées. Est-ce qu'il y a eu, Romain, toi, un film de poupée comme ça qui t'avait effrayé euh... Magical Light, qui, qui vient de mentionner le film Magique avec euh, Anthony Hopkins, Hopkins, qui est un film Hopkins, de Richard ouais. Attenborough, et qui est un film incroyable, mais vraiment, euh, qui est aussi un petit peu plus dans le, 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 le film il n'y a pas vraiment d'argument fantastique dedans. on est plus dans un truc euh, psychologique et tout ça mais euh, ça fonctionne du feu de dieu donc euh, magic moi euh, ouais avec Dolls si... de, de, de Stuart Gordon dans, dans dans un style plus graphique mais euh, ouais ouais et si vous aimez bien euh, le, ce que fait Jordan Peele il a créé il a produit une série qui s'appelle Team sur euh, à Prime Ama Amazon je vous la conseille absolument et ah, dedans, elle est il y, a ouais, un clown qui, ouais, ouais. il y a un clown dedans qui fait vraiment flipper. Ok, mais il faut que ça, je vrai que je l'ai mis dans ma dans ma liste. Je l'ai toujours pas regardé. faut que c'est génial. J'ai été à reculons et en, au final, j'ai super bien aimé. Voici, euh, si, si faut regarder, aime. Ok, je regarderai ça. Et d'ailleurs, on a parlé de clown tout à l'heure, mais il y, y a aussi eu un clown assez terrifiant dans American Horror Story. Alors, je ne sais plus quelle saison c'était. Ouais, c'est vrai, dans, voilà, la dans la 4. Dans la Peut-être la 4, ouais. Il y a eu un clown qui était quand même assez, euh, assez trash, quand même. Hein. Et, Et c'est l'acteur qui joue dans Zodiac, donc qui fait le tueur présumé dans Zodiac, le film de David Fincher, qui fait le clown. D'accord, ok. Je, je l'avais pas reconnu, toi. Et en tout cas ce clown est assez terrifiant et la première scène je me souviens est assez violente avec les quand il, euh, il tue là, le, le, le jeune couple là, euh, j'ai trouvé ça assez, assez hardcore, mais euh, ouais ce clown est flippant okay, Mais aussi bon. le clown de uh, Clown House de Victor Salva le réalisateur de Jeepers Creepers Ouais Ouais c'est vrai qui fonctionne plutôt bien Clown. En fait, c'est des clowns, tu as l'impression qu'ils sont gigantesques à la fin parce qu'ils essayent d'attraper. Je euh... <laughs> sais pas si tu te souviens de la scène finale où ils essayent de, de les attraper, ils essayent d'attraper les gosses pour les buter et tu as l'impression que les clowns ils sont, ils sont gigantesques. Quoi. Non, putain, alors là, je ne m'en souviens pas du bah, tout. Écoute, le... Moi, je mets ça le... dans ma liste parce que je n'ai pas vu Clonehouse. Avec, avec le gars qui joue dans Blade qui fait le méchant. Le nom de l'acteur, j'oubliais. Et il y, a... y a Sam Rockwell apparemment dedans. Ouais. Ok. Bah je note, je ne connais pas, je n'ai pas vu, donc je regarderai. Et en parlant de clown, ça me rappelle aussi euh, ce film que j'ai beaucoup aimé de Eliras, euh, qui s'appelait euh, Clown tout simplement. Avec le ouais. mec qui met ce, son costume de clown et qui n'arrive plus à l'enlever. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé très chouette. Il était, il était plutôt pas mal. Et évidemment, comment ne pas parler de Killer Clowns from Outer Space, qui est aussi vraiment génial et dont on a appris euh, l'arrivée en jeu vidéo, euh, c'est assez, assez fou. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, ce film est excellent. Regardez-le, c'est un véritable ouais. petit bijou. Euh, il est excellent, ce film. Alors, c'est une série ce c'est pas effrayant du tout. Hein, c'est pas effrayant. Mais... Mais c'est génial, quoi! C'est drôle, c'est vraiment moi. Je l'ai ce film, je sais, c'est un, un de mes plaisirs coupables. J'adore mmh. ce film. Quand j'ai vu qu'ils allaient faire le jeu vidéo grâce à toi, parce que c'est toi qui avais mis euh, l'annonce, Ah, j'étais emballé, j'étais chaud. Et, euh, <laughs> en, en plus, c'est ceux qui ont créé le jeu Ventre 13 qui l'ont fait. C'est ça, c'est excellent. Alors, j'espère qu'il y aura une petite partie solo parce que je jouais forcément euh, online. Ouais. Le jeu risque pas forcément de vivre très longtemps si euh, voilà ça fait un flop et que tous les gens quittent les serveurs, il euh, y aura il y aura plus de jeu. Mais en tout cas ouais, euh, ce film est génial, vraiment regardez-le, c'est c'est fait de briques et de broc, hein, c'est vraiment euh, voilà c'est il y a pas beaucoup de moyens. Mais la musique est géniale, l'ambiance est géniale, uh, Killer Clowns est juste uh, excellent. Et uh, on attend toujours un 2, un possible 2. Hein. Je crois que les, les frères Chiodo ont parlaient souvent hein, d'une possible suite. Alors il y a des rumeurs, des trucs, mais au final ça ne se fait jamais. Uh, mais uh, c'est dommage, parce qu'il y aurait moyen de, de pouvoir faire revenir ces clowns-là uh, et, et faire quelque chose de bien. Mais en tout il cas, le, le ils film... seront certainement dans le prochain fanzine euh, de Jean-Louis. Peut-être je, je, je peux pas en parler. <laughs> Mais oui, il a dit qu'il ne fallait pas en parler. De... <laughs> C'est un spécial clown. Ouais, spécial clown. <laughs> dans, euh, dans Killer Clown, euh, que moi j'avais acheté à l'époque en VHS, ça avait été édité chez Cara Film euh, euh, à la toute fin des années 80, il y a le, le passage avec les ombres chinoises. Que je trouve encore mmh. euh, incroyable. Je trouve qu'en termes de blagues, ça fonctionne du feu de Dieu. Quand euh, un clown est capable de faire, euh, euh, je sais pas si vous vous souvenez, hein, il fait des gens sur un, un navire, ouais, ouais, euh, oui. et tout ça. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et puis il y a la musique des Dickies, qui est un groupe de ouais, ouais, rock, ouais, la bande son puis, et, la la et musique, les effets spéciaux des frères Kyodo. Mmh. Qui avait travaillé sur quoi d'ailleurs, les frères Kyodo alors Moi, je ne connais vraiment que euh, Killer Clans parce que les c'est la, la croix, ouais, le, hein. les, les frères. Ah, oui, ah, d'accord, ok, d'accord, je sais pas. ouais je savais qu'ils avaient travaillé dessus, mais j'avais un doute. J'avais un doute, mais en tout cas, Killer Clans, ouais, regardez-le si vous l'avez pas vu. C'est qu Xavier qui va s'occuper de ça. <rire> <rire> Alors, tu as, vous avez parlé de Chucky. Alors, on a vite fait aborder euh, Chucky tout à l'heure avec fantastique mais effectivement, Chucky euh, fait partie aussi de des films qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin, qui m'ont terrifié. Et évidemment, on avait euh, vraiment peur, hein, je pense, pour beaucoup de, voilà, d'avoir un Chucky qui, qui déboule comme ça dans ton, euh, ouais. dans, de ton placard. Euh, non, c'est terrifiant. Et sa cousine australienne. Sais. Et ça, pardon, Romain, ça. Et sa cousine australienne. Sa cousine aussi. Dolly. Oui. Le film oui. Dolly, le titre. Oui, original, moi j'ai moins... Du... moins accroché du coup. C'est génial. Il faut savoir aussi dans Chukki, moi tu sais, ce qui m'avait impressionné à un moment donné, c'est euh, pas celle spécialement qui marche et tout ça. C'est à un moment donné, tu sais, quand la, la femme elle met, elle met les piles, elle les enlève, elle se rend compte en fait qu'il y, qu y a vraiment un truc mmh. avec la poupée mmh. et l'insulte, tu vois, d'une façon. Euh, tu sais. Euh, c'est de la façon que la poupée a de parler qui, qui est angoissant en fait. Non, bah justement, c'est ouais, vraiment l'esprit du, du tueur en série, ouais. je crois. C'est ouais. l'esprit de cette mauvaise personne qui se retrouve dans une poupée. C'est vraiment l'assemblement des deux, moi, qui m'a beaucoup traumatisé. Alors, la poupée, je trouve que les effets sont incroyables, les expressions du visage incroyables, mais également l'entité qui possède la poupée, qui est de facto euh, mauvaise et qui est justement l'âme euh, défunte d'un tueur, de quelqu'un de très malsain. C'est vraiment l'association des, des deux que j'ai trouvé géniale et absolument flippante. Ouais. Après, tu trouves quand même dommage que dans le premier, ils ont, un, ils ont injecté quand même de l'humour quand tu le revois, tu vois. Parce que tu te dis, s'ils n'auraient auraient pas injecté à certains endroits de l'humour et qu'ils auraient vraiment plus été dans, euh, dans le sérieux, ça aurait peut-être encore, encore mieux marché, tu vois. Toi tu, toi, tu voyais la dose d'humour en étant oui, plus jeune. Oui, oui. A... Parce que moi, moi je... <laughs> c'est en, non, étant en, plus jeune, en non. voyant le film que j'ai des causes d'humour, mais quand j'étais petite, je ne voyais pas cette dose d'humour, mmh. justement. Non, non, étant petit, je ne l'ai pas vu. Mais ouais. je veux dire, quand tu le revois maintenant, le premier. Et tu regardes l'adulte, oui, bien sûr. Voilà, il perd un peu d'efficacité, justement, parce que il, y a, il y a cette dose d'humour qui est là. Ouais. Ouais, mais est en tout vrai. cas, les, les, trois premiers, les trois premiers sont bons. Le 2 est excellent aussi, je trouve. Avec le oui. final dans l'usine, il mmh. quand même très, très le, bon. Le 2 est excellent. C'est le 3, moi, qui me gêne le plus, je le trouve. Oui, le 3 est un peu plus gênant, c'est vrai. que Et, Tu vois, je préfère encore regarder La fiancée de Chucky que le 3, quoi, hein, parce que. Oui. Après le plus nul, c'est le fils de Chucky. Enfin, ça c'est. Vraiment... Voilà, ouais. Ils il a... ont usé il a... la franchise encore une mais fois. alors, enfin, oui, mais fois. ce qui est bien, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même réussi à reprendre son histoire et à nous faire une série qui tient la route. Moi, j'ai trouvé que la série a été excellente. La série de Chucky, elle est vraiment géniale. Hein. Mm. Il, est... il a réussi Moi, à, à remettre de la hein. Je trouve pas qu'il ait épuisé euh, le, le filon parce qu'il s'est remis en question euh, systématiquement. Mm. Le Don Mancini. Le fils de Chucky, c'est un film méta qui est hyper intéressant par rapport à ce qu'il raconte, mmh. euh, qui est probablement plus intéressant que le troisième ou, euh, ou même ah ouais. le, le second, hein, qui est une redite du premier. Mais moi, c'est les films que j'aime profondément. Hein. Mmh. Ouais, le Fils de Chucky, moi, j'ai beaucoup de mal euh, à le regarder, je le trouve euh, vraiment pas intéressant. Mais euh, les, les deux premiers, ouais, sont vraiment terrifiants, euh, je trouve. Et on peut parler aussi des Puppet Masters, je crois, non C'était pas un film ah, oui. aussi... Il euh... bah, y en euh, a y eu y plein a... de ça, il ouais, y en une a eu une a plein. dizaine, au moins une dizaine, avec, je crois, des crossovers avec d'autres films, etc. Il ouais, y a des crossovers avec Demonic Toys, il y a des ouais, crossovers avec Dolman, il enfin, y, y a la totale pour les, euh, mm. les Puppet Masters. Ah ouais, c'est un truc assez fou ça. Et euh, moi, je me souviens d'un <laughs> film aussi. Alors vraiment, ça m'arrive là tout de suite. J'ai pas le titre en tête, mais je... il me semble que c'était un film australien avec un gamin qui découvre un espèce de téléphone, ou enfin, qui peut appeler quelqu'un au téléphone. Je sais. Oui. C'est peut-être. c'est ouais, un film allemand réalisé par Roland Emmerich. Ah, bah, c ouais, c al... ah bah voilà, bah, c'est allemand, donc rien à voir avec l'Australie. Et il euh, n'y a pas à un moment donné une poupée qui est cachée dans si, une maison si, abandonnée si, si. Il y a ouais, un ventriloque, une poupée ventriloque avec les cheveux noirs et euh, comme on la connaît tro que trop bien. Et c'est le premier film de Roland Emmerich. D'accord, ok. Ah, mais il faudrait que je revoie ça parce que tu vois, c'est vraiment un très, très vieux souvenir. Et je ne sais pas pourquoi je voyais ça. c'est a... un film de 1987, si je dis pas de bêtises. Et quand c'est sorti, c'était considéré comme un ersatz, un succès d'année de E.T parce que c'est assez proche, hein. t'as l'affiche, mmh. c'est le jeune avec un téléphone rouge euh, translucide, euh, voilà, tu vois. C'est mmh. 85. Euh, 85 85. Ah ouais, bah, tu vois, ouais. Je me suis gouré. Ok. Mais ouais. c'est Roland Emmerich. D'accord, mais je regarderai oui, mais ça, ça. Hein, ouais, c'est... Ah, apparemment, à l'époque, quand il a fait le film, il a été critiqué parce qu'il voulait euh, faire un truc américain pour ensuite partir euh, en Amérique. Quoi. Et c'est la carte. Avait... Oui, il... il va ouais, faire Ghost Chase si je dis pas de bêtises, après, il y a Ghost Chase, ensuite, il y a Moonfortif Fort, mm -hmm. et, euh, et après, il y a Universal Soldiers. Mm. Ouais. Donc, euh, Puis après, il a la, la carrière que vous connaissez tous. Emrich qui, qui sera plus américain qu'américain, puisqu'on a des drapeaux américains partout, lui, il a fond. Euh... <laughs> il a fait le Patriote. Il a fait le Patriot, il a fait une dépellance des, donc il a vraiment fait des trucs très très ricains. Mm. Euh, oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une scène aussi avec une poupée dans le film The Hall. Alors, de Hall, si c'est bien le film ah, de Joe oui, Dante. Un... Ouais, c'est ça. J'adore hein. ce ouais. film. Il est excellent. Comment tu dis The Hall de uh, Joe Dante, le réalisateur de Gremlins. C'est un film qui doit dater peut-être de 2009-2010. Hein. C'est pas excessivement vieux. Mmh, Et ouais, en Je pense que c'est. Et c'était ouais, sorti en 3 D effectivement et c'est l'histoire d'un gamin. Euh, en fait, ils emménagent dans une nouvelle maison, ils vont découvrir une trappe dans le garage et euh, et donc va en sortir évidemment quelque chose et à la fin ils iront explorer ce qui se trouve aussi sous la trappe. Et le film est, est génial, vraiment génial. Excellent. Et avec une des, des effets spéciaux un peu à l'ancienne. Hein, on est sur de, de l'animatronique et la poupée. Ouais. Elle est en, on, on voit que c'est animé à l'ancienne, donc ça marche super bien. C'était un très bon retour de Joe Dante, ouais. Et dans mais les films un a peu, de de lui. pardon, dans les films un peu un peu plus récents également, il y a deux films que j'aimerais mentionner. Il y a The Ring et The Grudge. Moi, je sais que alors j'étais j'étais pas enfant quand c'est sorti, mais je sais que c'est des films qui m'ont plu, mais qui m'ont fait aussi très peur justement. Encore une fois, il n'y a pas énormément de scènes. Par exemple, dans The Ring, il n'y a pas énormément de scènes d'apparitions ou de, de, de séquences qui font peur. Le, le, le film peut être considéré un peu comme étant un peu longuet pour les gens qui, euh, qui aiment vraiment la succession comme ça de, de moments qui font peur. Mais alors euh, The Ring, cette, cette, cette scène absolument incroyable où elle sort de la télé, puis The Grudge, qui fait un peu penser à de l'horreur style japonais. Moi, j'ai beaucoup adhéré et c'est genre... Là, de, là tu le parles des de de remakes. Parle. Hein. Tu parles des deux remakes. Oui, je parle de remakes récents, en tout cas. Oui. Ouais. 2002 et l'autre, c'est un, un peu après. Qui sont, de, qui sont quand même... Parce que tu dis, on ne voit pas beaucoup. Je trouve que dans le film de... C'est qui c'était Gore Verminsky, le réalisateur de, mm. du remake. Ouais, c'est ouais. hyper généreux, hein. ça n'arrête pas. Hein. Mm. Ah bah écoute, j'en Contrairement à, à Ringu, le, le film de 97, 99, c'est -ce quelle année le premier Ringu, enfin le Ringu japonais 98 peut-être. Ouais, ça doit être fait en 90, ouais, par là. Ouais, qui est, qui est quand même plus, euh, plus sobre que le, le remake américain avec Naomi Watts. Hein. Moi, oui, j'ai qui... découvert, euh, ouais. découvert la version américaine euh, à sa sortie. Euh, j'ai arrêté le film parce que le film m'a fait avoir peur, tu vois. En fait, qu'à un moment donné, même quand il regarde la cassette, bah, moi, je voulais pas voir la cassette. Je me dis, mais il... <laughs> tu vois, j'avais l'impression que si je voyais la cassette, ben bah, Vois, ouais, il aussi, allait la malédiction elle est touchée complètement voilà tu, tu, tu complètement ils ont contre, à nous vois, mettre là-dedans les effets spéciaux de Rick Baker dans le remake ils sont incroyables euh, la nana qu'on rencontre qu'on qu trouve dans le placard elle fait un petit hochement de tête qui est hallucinant et euh, quand euh, je ne sais pas si vous vous souvenez parce que le remake c'est une sorte de crossover avec euh, Darkwater tu sais, c'est un, un mélange de ces deux influences là des, des films de, de Nakata là. et et euh, il y a cette scène où elle rentre dans sa chambre et la caméra se dirige vers elle et il y a une sorte de morphing sur son visage qui devient un visage euh, dégueulasse, verdâtre et tout. Putain, ça, ça m'avait fait super peur. Vraiment peur, ça. Alors que l'original, tu n'as pas de séquence comme ça dans, euh, dans l'original, tu vois. Ah oui, non, non. Bah alors en fait, c'est plus dans l'original, la version de 98, la version un peu japonaise bah ça, un peu je vois pas comment on peut la faire euh, plus japonaise hein. oui, oui un peu un peu très japonaise un peu comme comme, comme la version euh, de, de The Grudge euh, japonaise c'est plus oui, ver ces versions là en fait qui euh, qui sont euh, bah, complètement euh, bah, horrifiques mais euh, mais euh, un peu éloignées des, des des autres films dont on a parlé jusqu'à présent mais je trouve que c'est des très belles réussites aussi moi c'est ouais, les films mais... je parle le plus quoi les Japonais ont une façon ouais de, de de parler de ça qui est assez terrifiante je trouve. Euh, moi je trouve que les films Jap japonais ouais sont assez effrayants. Euh, J'en ai vu pas mal et, euh, et c'est vrai qu'ils ont une façon de mettre en scène l'horreur qui est pas du tout celle que l'on a nous en Occident euh, du tout. Et, mm. euh, et ce qui les effraie n'est pas forcément euh, tu vois vu de la même façon en fait. Enfin je sais pas comment expliquer ça. Mais par contre le le, le The Grudge américain euh, moi m'avait bien effrayé quand même. Hein. Je l'avais trouvé assez flippant, le premier en tout cas. Ah, moi je, Donc, le je le trouvais vachement moins flippant que mmh. Joe. Ah ben, il est peut-être moins flippant, mais en tout cas il fonctionne bien, je trouve quand même. Enfin, moi je sais qu'il m'avait bien, bien fait flipper. Moi j'ai eu, mo eu moins peur du, du, de celui-là que c'est vrai que, que du cercle aussi comme euh, Romain. Mais euh, en tout cas, c'était la période où les films euh, japonais étaient bien adaptés euh, euh, aux USA. On faisait des bonnes adaptations. Tu vois ouais, parce que même ouais, de... c'est pas ce que, que j'ai que... dit. Hein. <laughs> moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je trouve que le remake, à part ces séquences qui font peur, euh, voilà, tu vois, je trouve qu'il a haché hein. euh, Les chevaux qui, euh, qui te suicident, euh, je crois que tu as, as un daim ou un chevreuil dans non, le Un cerf, ouais, qui ouais, ouais. Cerf. Bon, pour moi, tout ça, c'est de la merde. Il hein. y a que le Ringu. Euh, le 2, il est sympa. Le 0, il y a un truc qui me fait peur dans le 0. Dans, dans le final du, du Ringu Zero, tu vois. Mais non, et Oui, mais, les mecs, ça... ouais, mais ne, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le cercle était meilleur que la version. Oui, mais japonais. tu dis qu'ils sont bien adaptés. Ils sont quand même bien adaptés par rapport aux adaptations qu'on a maintenant des films japonais. C'était quand même bien fait. Ils ont quand même réussi à nous faire avoir peur à l'époque. Faut dire la vérité, ils ont effrayé des gens. Ah, mais moi, ça me faisait peur, mais moi, je suis un flipper de toute façon. Donc, euh, dès qu'il y a une nana avec les cheveux noirs euh, qui a euh, une démarche désarticulée, moi, je fais dans le, la culotte. Hein. Mais c'est ça qui est effrayant, bien. en fait. C'est le côté ouais. désarticulé qui, je trouve, marche le mieux euh, dans les films japonais. Ouais. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche en fait chez, euh, chez... dans ces personnages-là, et c'est ça qui est effrayant. Enfin, imagine, tu es, es en train de dormir, tu te réveilles, tu as un truc comme ça, c'est un peu désarticulé qui marche dans ta chambre. Et ça, c'est typiquement le genre de cauchemar que je pourrais faire. Une mmh. silhouette blanche où le visage, tu pas à, à, à capter. De toute façon, tu le captes pas, tu vois juste un œil dans l'original, dans alors que Samara, dans le remake, tu vois qu'elle a une tête verdâtre de mort vivant. Donc ce n'est pas du tout la même façon de faire du cinéma, tu vois. Mais euh, ouais, ça c'est le genre de cauchemar que je pourrais faire. Et à la sauce, euh, ça, enfin Pennywise, ça donnerait quoi Ça donnerait une Samara avec des tentacules encore et des yeux et des, des ailes de <laughs> ben bah, bah, on, on, on a une Samara moderne. Je ne sais pas si vous avez vu euh, dans, dans l'émission America's Got Talent en 2018, vous avez une, une nana, je crois oui. d'ailleurs qu'elle a gagné si je me trompe pas, The Sacred Rihanna qui en fait euh, fait un petit mm. peu de, de, de magie ou d'illusionnisme sur ce thème un peu. Alors, elle reprend carrément les codes de Samara avec les cheveux devant, elle n'a aucune expression, mm. même quand le est et que le présentateur vient lui parler, euh, elle reste dans son personnage, elle terrifie absolument tout le monde sur le plateau et notamment les juges et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'elle s'est clairement inspirée de, de Samara et c'était… Euh, en 2018, et je trouve que c'est hyper intéressant et, et, de le voir. A pas eu de un, et elle n'a pas eu un film aussi qui a été fait euh, là-dessus euh, Sur la, son personnage, Sacred Rihanna Ouais, un, un film où je ne sais pas, il y a eu un ah, truc. Pas. Non, euh... pas du tout. non, mais Samara. Elle a gagné, ça c'est sûr. Alors, attends, je vais regarder, parce qu'il me semble que... Elle fait un, pas y a peur, hein. Sadako, elle fait peur, mais pas Samara. Tu prends euh, euh, la, à la fin du film quand Sadako sort de la télé, t'es terrorisé. Oui. Samara, tu la vois sortir de la télé de côté. Euh, en... Oui, d'accord. Sadako, ça, Samara, elle est inspirée de. C'est une pale copie de Sadako. Alors on voilà, est, Sadako, elle on fait peur. Se... en fait, on, on se trompe euh, de films film à chaque fois, mais je suis assez d'accord. Moi, je reste sur la version Jap à chaque fois. Hein. Sur oui, c'est ça. Et euh, et Juwan, ouais. Il y a bien un film qui arrive. Euh, je vais vous montrer une photo. C'est bien ce que j'avais vu. Il y, avait un, il y a un film qui arrive. Ouais. Alors, je vais vous montrer sa tête déjà. Vous allez voir, il y a vraiment le côté... Euh... Ouais, Et ce coffret, je... il est chouette. Un hein, super oh, ouais. beau coffret en forme de VHS. Il est excellent. Ouais. Donc, elle est là. Voilà. Et pour ce qui est de l'affiche du film qui va arriver, c'est celui-ci. Voilà. Génial. Voilà. Et donc là, du coup, on a le film. Donc ça perdure, quoi. Vous voyez Le personnage, en tout cas, il a tellement marqué qu'il perdure. Mais c'est vrai que c'est bon les personnages de The Grudge, etc. Et je vous invite à regarder son apparition dans America's Got Talent. C'est assez impressionnant, c'est intéressant à regarder. Elle est vraiment dans le personnage, c'est rafraîchissant. Oui, je l'avais vu, c'est assez chouette. Dans le DVD de. Ring 2, mais la version américaine, il y a en bonus Rings, qui est un court métrage qui sert un peu de, de taille-in entre les, euh, les deux volets. Et je trouve que le court métrage fait vraiment très, très peur. C'est avec des gens qui ont bien compris les mécanismes de la vidéo et qui s'amusent à se faire peur en, euh, en matant la vidéo et en la passant à quelqu'un d'autre. C'est assez court, je crois que c'est réalisé par le même réalisateur que... Euh, le truc avec euh, la, la petite souris, euh, je crois que c'était sorti en France sous le titre de Nuit de Terreur ou un truc dans le genre Oui mm. Voilà je crois que c'est réalisé par lui et euh, je trouve que le court métrage fonctionne du, du feu de Dieu Mais là dans, euh, dans le chat il y a quelqu'un qui a fait référence à euh, Noroy euh, The curse. Si ça Prononce comme ça tu vois qui lui fait peur mais à en mourir et donc on ne l'évoquera pas ce soir parce que je dors seul. <rire> <rire> et à Noroy the Curse, alors ça me parle. Je crois justement que j'avais vu un article euh, disant que c'était l'un des films les plus euh, terrifiants euh, qui a été fait, etc. Alors c'est vrai que je l'avais vu, ça ne m'avait pas euh, terrifié plus que ça. Et euh, il ouais, faudrait que je revoie ce truc parce enfin, que c'est vieux, hein, ça doit dater de, de début 2000, ça je crois. Hein. Ouais. Oui, c'est en pleine vague fan footage. Enfin, je crois même que ça anticipe un petit peu cette vague. Ouais, 2005. Je... 2005, voilà, et euh... ouais, je l'avais vu, effectivement, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça, il faudrait que je le revoie, Oui, euh... euh... ouais, bon, ok. Ouais, après, d'à côté, même Scary Movie 3 me fait peur, moi, donc... Euh... On n'exagère pas. Si, non, mais là, elle elle est bien, dans Scary Movie non, 3, est... il y a euh, Sadako ouais. et compagnie. Ouais, et elle vois, est bien et... faite, bon. <laughs> bro. Oh, et ben quand oui. j'avais regardé le film, eh ben, j'étais pas super à l'aise. Ah ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Ma femme a eu le même. Euh, ah bah tu vois, je suis comme ta, ta femme. Lui. Et bon, à la fin, il y a Leslie Nielsen qui pisse avec le doigt. <laughs> et ça euh, allait mieux. Voilà. Mais, euh... <laughs> Alors on nous dit que c'est dans Scary Movie 4 ça Non, Scary Movie 4 c'est avec euh, Signe, euh, avec euh, La Guerre des Mondes. Le 3, c'est avec Ring. Oui, mais à la, à la fin, je crois qu'elle est dans le 4, ouais, exact. Non ah bah elle est peut-être peut de retour, mais l'intrigue du 3 c'est vraiment sur la vidéo module. Oui, il y a même Charlie Chine au début, non ouais. pas Charlie Oui, oui ah, l'intro voilà. est, est génial avec les. Tu sais qu'il est en train de pisser, qui fait. <laughs> moi, tu sais, moi tu vois vraiment qu'il qu fait ça en arrière. Voilà. Donc là, tu vois que dans le haut, il y a le puits. Et là, c'est le 4. Le 4, c'est avec l'intro euh, saut. Hmm. Euh, le court métrage de Lights... Ah oui, celui-ci était génial. Le court métrage était excellent. Le film était à chier. Ouais. Oui. Euh, le court métrage, on en avait parlé dans l'émission euh, dernière, justement. Et euh, ouais, le court métrage fonctionne super bien. Mais le film, par contre, est complètement foiré. Bah, et le tu sais, on est, en avait parlé sur lors de ça, la ouais. précédente émission, ouais, ouais, de, de Lights Out. Et euh, le soir, quand euh, on a terminé l'émission et que j'ai repensé, bah, ça m'a encore fait peur. D'accord. C'est j'ai encore allume... imaginé sa tronche quand allumes la lumière là, c'est horrible. C est... C est ça, là. Ah non mais c'est terrifiant, hein. c'est vraiment un truc qui te marque. Hein. Regardez juste avant de dormir, regardez euh, ce court métrage. Vous n'allez pas fermer l'œil de la nuit, vous allez avoir peur ouais d'allumer de... la lumière. C'est terrifiant. Cette nuit, Romain, il va aller, il va aller chez lui, il va éteindre la lampe. Et hop, qui va voir Jean-Luc? C'est ce qu'Arimovi, il sera déguisé en clown et il va passer sous lui. Mais du coup, qui a, a vraiment eu peur lors de la dernière émission, après quand on, on s'est dit au revoir, qu'on a éteint l'ordi, qu'il a fallu aller se coucher Qui a eu euh, un peu peur bah, Jean-Louis, je sais que tu as eu peur. Non, je n'ai pas eu peur parce que je sortais du Covid et j'étais très mal. Et euh, vrai, <laughs> le Covid, tu n'as plus, plus peur de rien après, une fois que tu as ça, pendant euh, <laughs> bon, 15 jours, tu n'as peur de rien. Et euh, non, du, non. La première émission, par contre, quand j'avais vu ta chaise bouger et tout ça, quand on avait fait le live de Paul Non, mais on est d'accord, ma chaise a bougé bizarrement quand même. Euh, je ne sais pas que... si à un moment donné, tu t'es pas soupi... Tu... C'est possible, non, mais franchement, je suis tout à fait d'accord. C'est possible qu'il y a forcément une explication rationnelle, mais sur le coup, ça m'a vraiment surpris. Toi, j'ai senti ma chaise qui, comme si quelqu'un me prenait par l'air et bougeait comme ça, tu vois. Très étrange, mais, mais ah du coup, ouais, du, je... fait, du fait que tu avais eu ça, j'avais repensé, tu sais, que pendant que j'étais en train d'écrire sur Poltergeist, mon PC s'était éteint et tout. Je me dis, ouais, mais c'est peut-être pas une coïncidence finalement. Lui, il a eu un truc, moi j'en ai eu un. Alors là, Alors, je on Ouais, c'est ça. Je me suis dit peut-être que d'écrire sur des sujets comme ça, ça les attire. J'en sais rien. C'est ce qu'avait ce qu dit Bragi. Hein. Plus on en parle, plus on les attire. Euh... Bon, après, bon, je suis voilà, pas forcément trop. Euh... Je n'y crois pas forcément beaucoup ouais. à tout ça, mais ça m'intéresse en tout cas. Quoique dans la première partie, je t'ai vu sursauter, euh, Damien, à un moment. Et tu regardais <laughs> après un petit peu sur ta gauche. Euh... <laughs> mais oui, mais. Comme, 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 comme Jean-Louis je... parlait. Je... Non, non, mais c'est vrai que non, mais des fois, j'entends des, des bruits étranges, etc. Moi, par exemple, il y a. C'était quand il y a peut-être 3-4 jours, j'étais en train de dormir, tu vois, et j'entends du bruit dans, en bas. Tu vois, parce que la chambre est en haut, etc. Donc j'entends du bruit en bas. Et ma femme est en train de dormir profondément, donc je me dis, ben bah, ouais, c'est pas elle, tu vois, c'est pas levé. Et donc là, je, tu sais, je vais jusqu'à l'escalier, je regarde. L'escalier est super sombre, tu sais, je, sais je me dis, mais c'est fou. J'entends vraiment du bruit comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de patouiller un truc dans la cuisine, tu vois. Et là, j'allume la lumière, je descends. Mais vraiment, tu sais, au fond de toi, tu sens que tu as es une espèce de peur. Toi, il y a un truc, tu vois. C'est c'est le, le truc dans l'obscurité. faisait tu, tu reviens vraiment à cette peur primaire. Et là, tu sais, je, je décide d'ouvrir la porte de la cuisine. J'ouvre et en fait, c'était le lave-vaisselle, toi, qui était programmé pour. <laughs> mais vraiment, j'ai mais je flippais. Et alors, alors c'était juste le truc qui commençait à bouger, c'est il commence le cycle. Et je suis ah putain, mais j'ai eu peur de ça, quoi. Mais il faut vraiment être. Bah, ouais, mais ouais, tu... là. Moi, je trouve mais, ça bien. Mais ça, vrai, ça mais, mais, mais sur le et tout. Coup, mais sur le coup, ça m'a vraiment fait flipper, tu vois. Mais vraiment, j'ai ah, vraiment eu peur pour ça. quoi. Enfin, alors que je suis non. habitué au bruit, mais je sais pas pourquoi cette nuit-là. Dans l'interactivité de, de ça, euh, le, les, les nouvelles versions, il y, a, il y a un petit module sur Stephen King. Et Stephen King parle et dit que même à, à l'heure d'aujourd'hui, il est dans l'incapacité de dormir en laissant un pied dehors. Et qu'il a encore ce réflexe... Oh, putain, mais c'est quoi ce délire <laughs> <laughs> en direct. Et là, on le revoit plus revenir. Ah ouais, la dernière fois, il a fait ça aussi, mais tu parlais Jean-Louis, du coup, pas... on n'avait pas eu le temps de le dire. C'était la machine à laver? Non, mais c'est. Alors là, mais... <laughs> je, te que je ne fais pas exprès. Et on parle de ça au moment où ma femme balance un sac dans le, dans le bureau, tu vois. Donc du coup, je vois le sac par terre, j'ouvre la porte. Et évidemment, comme elle est asiatique et qu'elle sort de la douche, elle a les cheveux noirs tombent devant. N'importe quoi, putain, mais vraiment. Euh... Écoute, bon, ça, veut dire, ça veut dire que, que l'émission fonctionne. C'est un bon mais... film. <laughs> l'émission fonctionne bien, ouais. D'ailleurs, ma femme que j'avais utilisée dans une vidéo que j'avais fait pour The Grudge, où à la fin, elle... Tu sais, j'ai la lumière en mode, euh, ça y est, la vidéo est terminée, puis tu la voyais se lever avec le, le bruit, euh, tu sais, l'espèce de bruit de gorge, la chelou. Euh, je je, je, je l'avais utilisé, c'était assez marrant. Mais là, du coup, non, c'est putain, n'importe quoi. Mais comme quoi, Mais oui. On coup, est, euh... Moi, j'ai eu un bruit comme ça, euh, je, je, je t'expliquais, c'est tout con. Je regardais le film de Rob Zombie, La Maison des Mille Morts. Et j'arrive à la scène où, tu sais, il y a l'espèce de... De, de gars, momie, je sais pas quoi, qui a un masque sur la gueule et quand a ah ouais. son masque, il y a du pu qui sort de la gueule. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai mon téléphone qui sonne. Et je te promets, je réponds. Et la personne qui est de l'autre côté, du, qui est au bout du film, <laughs> euh, parle avec une voix, avec des bruits de gorge comme ça, on comprend rien. Mais je dis, c'est quoi ce délire, quoi, tu vois Un peu les mêmes bruits qu'il y avait dans le film de Rob Zombie. Alors, je reste deux minutes au téléphone et je, et je raccroche. Tu sais, après je dois me remettre sur le film je me dis, putain, c'est quoi ce délire quoi Et, et j'oublierai jamais le film de Rob Zombie à cause du coup de fil que j'ai eu à ce moment-là, Et c'était euh... quoi alors ce coup de fil Je sais pas, j'ai eu quelqu'un euh, qui parlait avec des bruits de corps je ne comprenais rien de ce qu'il racontait. Mais euh, en tout cas, ça m'a bien fait euh, flipper. Tu et, et depuis, bah, euh, le film de Rob Zombie est marqué à cet appel que j'ai eu ce jour-là. Quand je revois le film, bah, j'y repense. Ouais, c'est très étrange quand même. Et Il n'y avait pas de numéro, il y avait rien, t'as pas essayé de rappeler c'était un... Un, un, un numéro inconnu, quelqu'un qui s'était peut-être trompé ou je ne sais pas. Ça euh, soit euh, un okay. mec en train de s'étouffer qui s'est dit putain faut que quelqu'un train Jean-Louis. Putain t'es là, non mais il est très bon ouais, le La Maison des Mille Morts de J'adore cette ambiance. Docteur Satan est, euh, est génial. Euh, J'adore ce film. Très très bon. Bon, ok, très bien. Ben, écoutez, on a, fait, euh, on a fait pas mal de, de, de choses. On a discuté un peu des poupées, etc. Mais il y a quand même un truc sur lequel je voulais venir. C'était la peur des extraterrestres. Parce qu'on a quelqu'un qui avait laissé un commentaire. Alors, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais plus lequel c'est. Euh, juste laissez-moi une petite seconde. Je pense que c'est le... C'est le numéro 7. Je vais pouvoir l'afficher. Il est là. Parce qu'on a eu des, des commentaires sympathiques euh, sous le live de la dernière fois. Voilà, donc dans le thème des enlèvements extraterrestres, je me rappelle de Dark Skies aussi. Un enfant est enlevé et la fin est horrible. C'est ce qui me fait le plus flipper parce que c'est du vrai et qu'on ne peut rien y faire. Bon, du vrai, je ne sais pas si les extraterrestres existent, mais en tout cas, euh, les films d'extraterrestres sont extrêmement flippés. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un parlait de X-Tro. Euh, Romain, tu dois connaître X-Tro, forcément, oui, bien sûr, euh, oui. qui est un film absolument terrifiant. La créature est sûrement l'une des plus dégueulasses que j'ai pu voir de, de tout le cinéma euh, euh, horrifique. Hein. Qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, la créature du 1. Hein, vu que, ah oui, du 1, euh, oui, 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 du 1, bien sûr. Les, oui. les, les autres films n'ont rien à voir avec la choucroute. Il enfin, y, y a trois films qui ont. Les mmh. trois ont été réalisés par Davenport. Donc c'est vraiment un réalisateur qui a ses obsessions. Mais euh, oui, euh, la, la créature qui euh, marche à quatre pattes avec euh, la tête dans, dans l'autre sens. Horrible. Ça fait peur. Et euh, quand elle traverse la route comme ça, éclairée par les phares du véhicule, je crois que c'est ça, hein, la première ah oui, attitude, ça. Euh, mmh. Ça fait peur. Après, le film en lui-même, il est beaucoup trop nébuleux, il part dans tous les sens, il a une photographie très européenne. Je ne suis pas un grand fan de X Tro, mais, euh, mais c'est vrai que la créature fait peur. La créature est vraiment euh, vraiment atroce. Le film est quand même glauque, hein, est quand même bien glauque. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce film. Je l'ai vu une fois, il m'a vraiment terrifié. Et après, j'ai vu que la créature avait souvent été reprise. Euh, sur des photos soi-disant qui auraient été prises aux états-unis tu sais donc une, une photo un peu dégueulasse comme ça de X où justement il y a ce passage où on la voit marcher à quatre pattes avec la, la tête à l'envers et souvent on retrouve cette créature cette même image en fait dans plein de, de photos soi-disant euh, réelles de cryptides et autres Alors, ce, certains disent que c'est le skinwalker etc. bon c'est pas mais en tout cas là le, le film est, est vraiment immonde vraiment atroce. Donc il y a euh, cette histoire d'enlèvement extraterrestre qui sont euh, ouais, de, qui sont vraiment très flippants et le film Dark Skies, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film qui, est, qui a dû sortir en 2013, peut-être je pense Dark Skies 2012, 2013 peut-être. Est-ce que ça vous parle? C'était si, était sympa Dark Skies. Ouais. Il était vraiment très cool et le on voit pas grand chose, hein. Mais ce qui est flippant, c'est d'imaginer donc que les extraterrestres euh, ben en veulent en fait à cette famille. Euh, Jusqu'à la fin, euh, bon, je vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il faut vraiment le voir, mais il y a un passage où en fait les parents vont se renseigner chez un type qui est un petit peu euh, voilà à fond dans oui. ces histoires de. Et là, il t'explique. Mais vraiment, ce passage est terrifiant parce qu'il t'explique toutes les races d'extraterrestres qui existent et pourquoi en fait ils viennent sur Terre. Et ce passage, il est juste. Euh, et enfin, vraiment, c'est euh, c'est horrible. Ouais, voilà, celui-ci, Dark Sky, excellent, vraiment très très bon. Je vous le conseille. Hein. Regardez-le, c'est génial. Il est vraiment très très bon. Alors, est-ce que du coup, Jean-Louis, toi, par exemple, les extraterrestres, c'est un truc qui te fait peur euh, Beaucoup moins que tout ce qui est fantôme et tout ça, parce que j'y crois pas spécialement aux extraterrestres, tu vois. Mais il euh, y a quand même des films qui m'ont donné euh, des petites frayeurs, on va dire. Il y a un film avec Mila Jovovich euh, qui m'avait quand même foutu un petit peu mal à l'aise. Phénomène paranormaux ouais. C'est ça, oui. Ça m'avait. Euh, ouais, ouais. Sur ce côté un peu histoire vraie aussi, je pense. Oui. Et, euh, et puis, c'était pas con les explications qu'à un moment donné, euh, tu sais que euh, voilà, que ce serait les extraterrestres qui auraient fait euh, aider à faire des pyramides et tout ce qui s'ensuit. Euh, pourquoi pas, tu vois? Après, mmh. euh, voilà, je, bon, après je, ça, sais... tu as, as ça dans toute la littérature en lien avec les extraterrestres et c'est la sûr. base de X-Files aussi, ouais. Euh... Et même la, la base de AVP, j'ai envie de te dire, de Alien versus Predator. Exactement, exactement, oui, exactement. Et euh, donc du coup, ce film m'avait, euh, voilà, m'avait un peu effrayé. Sinon, un peu plus jeune, il y a un autre film qui m'a effrayé, c'est Body Snatcher de Ferrara, la belle Ferrara, si je ne me trompe pas, dans le nom du réalisateur. La ah, belle Ferrara, ouais, Body Snatcher, C'est ouais, 93. Les... Ouais, cette version m'a fait flipper. Et euh, parce que j'ai pas vu euh, le, le film McDonald's Sutherland avant, j'ai découvert avec le, le remake. Et euh, ce film m'avait vraiment fait flipper. Le un, second ouais. remake. Ouais. ouais. Parce que Le Ferrara, c'est déjà la, la, la troisième la troisième adaptation si, du roman de Jack Finney. Tu vois. Si tu comptes De Faculté, ça fait même peut-être quatre, non Non, De tu t'es pas sûr que c'était pas, pas après. besoin de compter Faculté. Tu peux compter Invasion. Ouais. Avec Naomi Watts, qui est la quatrième ouais. adaptation du roman de, ouais. de Jack Finney. Mmh. La première, c'est celle de Don Siegel en 1956. Ensuite, tu Philippe Kaufman en 78. Et celle que tu aimes, d'Abel Ferrara en 93. Ouais, la troisième. Et euh, cette version m'a fait flipper un peu quand même. Tu sais que tous les trucs qui sortent du visage euh, des gens, tout ça, tu vois, ça m'avait impressionné à l'époque. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est effrayant, je trouve, dans l'invasion des, des profanateurs, hein, c'est ça au final. Ouais. Ça a toujours été. Euh, ce qui est effrayant, c'est d'imaginer que tous les gens qui sont autour, en fait, ont été changés, modifiés, tu sais, et que toi, t'es le seul à être euh, normal au final et qu'on t'en veut, tu vois. Enfin, moi, quand je regarde ces films, je trouve que c'est ça qui est terrifiant. C'est d'être un contre tous, tu sais, puis ils veulent te, te chercher pour que tu deviennes comme eux, tu vois. Enfin, je trouve que c'est c'est assez atroce. Il y a quelqu'un qui dit, je sais pas c'est quoi son nom dans le chat, il y a un côté un peu la chose. Je trouve que c'est vrai. Ah oui, complètement. Le fait que ça prenne l'apparence comme ça, puis ça possède les autres, complètement. C'est vrai, tout à fait. Le truc du body snatcher, c'était déjà inhérent au cinéma des années 50. On retrouve ça dans l'invasion euh, vient de Mars mais euh, l'original le, le, je m'en rappelle plus du titre en, fron, en français c'est Invade, Invaders from Mars mm -hmm. et je crois le que c'était les envahisseurs de la planète rouge ou un truc dans le genre quand c'est sorti en France le film de euh, Cameron je sais plus quoi tu vois. et c'est toujours comme ça on remplace les, les membres de ta famille toi tu es le petit gamin comme ça et euh, tu, papa mm -hmm. maman ne ressemble plus à papa maman et c'est l'énorme la, la, crainte tu vois euh, Est-ce que, est que ça, c'était pas dû au, euh... au communisme? Voilà, j'allais te le dire à la, la, Alors, la géopolitique de l'époque. C'est euh... les, les deux, c'est à la fois le maccartisme et le, le, le communisme. Hmm. C'est les, les pensées dominantes de, de l'époque. Et puis toi, vu que tu prônes l'individualisme, euh, tu, tu luttes pour ne pas rentrer dans un moule ou dans un autre. Le, le, le film de Don Siegel. Euh, tu peux en avoir une lecture anticommuniste, mais tu peux aussi en avoir une, euh, une lecture antimacartiste. Mm. Il n'y avait pas aussi Les envahisseurs sont parmi nous Ça me dit quelque chose. Je, je me rappelle d'une affiche que j'avais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est euh, plus tard, je crois que c'est 1983, et ça s'appelait euh, Strangers, Invaders, ou un truc comme ça. Tu vois. Bien renommé, les, les envahisseurs sont parmi ouais. nous chez nous, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, je lis un peu les commentaires. Je n'ai pas peur des extraterrestres car je crois à leur existence. Oui, mais ils peuvent être euh, aussi un peu belliqueux et ne pas venir forcément pour de bonnes raisons. Euh, les petits gris qui viennent enlever les gens la nuit pendant leur sommeil, c'est flippant. C'est quand on dort qu'on est le plus vulnérable. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça c'est assez, assez effrayant. Sur... Ouais, en fait, le, le fait de dormir, je trouve, est... Euh... Enfin, moi, je trouve que c'est là que les choses sont le plus, euh, plus terrifiants. On en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne euh, Miasme TV avec, euh, avec Antoine. Euh, si, est-ce que toi, les extraterrestres, ça te fait peur Alors, est-ce que tu es comme. Euh, je <laughs> oui. ouais, non, d'accord. Alors, vraiment pas. Et euh, ni dans la littérature, ni dans les films. Je n'ai jamais été très intéressée par euh, les films qui touchaient aux, aux extraterrestres. Évidemment, mmh. j'ai adoré la série X-Files. Quand j'étais plus jeune, qui n'est pas forcément une série qui fait peur. Il y a des scènes, parfois des épisodes un peu plus flippants que d'autres. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers X-Files, mais c'est vrai que les extraterrestres, ce n'est pas un sujet qui m'a beaucoup intéressé et ce n'est pas forcément quelque chose qui me fait peur non plus. Mais moi, je fais partie des sceptiques, enfin, des personnes qui pensent plutôt que, que c'est faux. Enfin, c'est mon avis à moi. Alors que Pourquoi je fais partie des, des, des sceptiques pour les, les événements paranormaux euh, pas vraiment, non. non les événements paranormaux, j'ai une autre vision dessus. Ouais. Et, et du coup, ils te font alors pas peur parce que tu penses qu'ils qu n'existent pas et que. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que, que voilà, ils auraient pu euh, créer des choses euh, et, et bah, sortes... Je veux dire, ça te fait pas peur, mais est-ce que tu peux, même sans avoir peur, est-ce que tu peux croire qu'ils existent et qu'ils auraient créé des choses, mais que n'est pas pour bon autant euh, qui. Qui doivent te faire peur, mais moi par exemple, si j'y crois, c'est dans le sens où euh, je pense qu'ils ils auraient pu, ils pourraient exister, qu'ils auraient créé des choses, mais qui ne me font pas peur, tu vois. Même s'ils ont créé ces choses, mais, ça, mais ça quand tu dis créer des croire. choses, c'est à dire quoi? Le tu veux dire nous avoir aidés dans, dans la technologie, dans euh, ah. je sais pas, dans euh, dans. Euh... Oui, comme, comme à l'époque de l'Égypte ancienne. Je sais qu'apparemment, il y aurait eu des, des théories selon lesquelles, euh, comme ils sont très avancés euh, la par la rapport à nous. Les théories des anciens sont... astronautes, en fait, de euh, Henrik Van Daniken, qui expliquait que les extraterrestres seraient, euh, nous auraient visités en fait euh, dans le passé, et ce, qui nous, ce qui aurait été ce coup de pouce, en fait, ils auraient été ce coup de pouce qui nous aurait permis d'évoluer. Euh... Voilà. C'est le début pas... du cinquième élément. Ouais, 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 ça a été repris dans pas mal de trucs, je sais pas. Je... Donc moi, je trouve que c'est un univers qui est fascinant. Maintenant, l'extraterrestre. Le, 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 alors, j'ai pas une très grande culture de l'extraterrestre. Pour moi, l'extraterrestre, ça reste le petit bonhomme vert. Euh, <laughs> je dis pas ça de façon sarcastique, hein, mais vraiment, ça reste le bonhomme vert qui arrive dans sa soucoupe volante. Euh, ça me fait plus penser à des à, à un sketch des Inconnus qu'à quelque chose de sérieux, parce que c'est ma vision vraiment de l'extraterrestre. Je n'ai pas du tout assez de culture sur l'extraterrestre sur ce qui pourrait être. Euh, Autrement, je sais que pour beaucoup de gens, les extraterrestres, c'est pas forcément cette représentation du petit bonhomme vert avec le visage ovale qui est dans qui arrive dans son carrasse. Avec des doigts, des doigts, tu sais, qui sont en espèce de trompe doigts Tout à fait, des doigts à l'haïti Donc c'est vrai que moi, cette représentation là, pour moi, elle est. les doigts à l'haïti c'est des doigts en phallique oui, bah, des... ouais, ça euh... un petit peu Là, on parle vraiment <rire> <de> <rire> du doigts ventouses, hein. celui de <laughs> des doigt ah, des oui. les doigts de dans doigt okay. 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 ok, donc non, en effet, ce n'est pas, euh, pas quelque chose auquel je crois parce que je n'ai pas assez de culture et que pour moi, la représentation que je m'en fais, c'est quelque chose qui est très, euh, très fantaisiste comme ça. Donc, et ce n'est pas quelque chose qui me fait peur puisque je reviens sur le fait que je n'ai pas une grande culture sur les, les extraterrestres, donc je n'ai jamais vu de représentation… Euh, <laughs> Qui me fasse particulièrement peur des extraterrestres, c'est pas quelque chose. Qui... Attends, il faut quand même que je vous montre un truc, un truc génial. C'est <laughs> un jouet, euh, un produit dérivé de Iti. E. C'était le, le doigt de e. ah, e. ben, Iti. Voilà. <laughs> On, fa... On est dans le phallus là. Hein. <laughs> non mais ce truc c'est quand même énorme. Quoi. Ah non, on, là, il... on fait exprès là, c'est pas possible. Ils ont même pas mis un peu de vernis pour qu'on dirait un doigt. Ou... Non, non. <laughs> non, non. Non, il n'y a, y a, y a pas de. Non, y a là, rien. Je pense qu'ils ont bon. peut-être mis une petite lumière au bout, une ampoule. Ouais, voilà. Ils ne font pas référence au bon organe, je pense. Ouais, non, mais vrai. en fait, tu, tu, tu l'achètes pour l'enfant, mais c'est la mère qui s'en sert. <laughs> voilà ah non mais ce jouet il me fait tellement rire quoi. Ah oui. euh, en que... revanche les amis je suis vraiment navrée mais je vais devoir, je vais devoir vous quitter ça marche euh, c'est vrai que, que ça fait deux heures de live déjà non non il y a pas deux de souci, heures et je les peur. ai pas vus passer et j'ai passé un moment mais génial et euh... Damien, merci pour l'invite. Je suis carrément partante pour revenir. Alors, j'ai pas plaisir. la même culture de l'horreur que vous tous. Je suis assez impressionnée par vos connaissances encyclopédiques. Je suis très impressionnée et je me suis abonnée à vos chaînes et je me régale. J'ai pas la même connaissance que vous. J'ai bien sûr une appétence pour l'horreur, euh, mais qui est bien moindre par rapport à la vôtre. J'ai appris beaucoup de choses avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'ai été encore une fois très impressionnée. Je me suis abonnée à vos chaînes avec grand plaisir. J'espère avoir apporté un petit peu mon, mon univers oui, et mon point de vue. J'espère. Enfin, il vous aura Merci. intéressé même s'il n'est pas aussi documenté que le vôtre j'espère qu'il vous aura intéressé et, euh, et je serai absolument partante pour revenir avant de partir il y a un commentaire que j'ai vu euh, qui, euh, qui m'interpellait et je je voulais quelqu'un qui me demandait si j'avais prévu de faire des podcasts sur l'univers de la fondation SCP et c'est clairement quelque chose que je veux faire parce que c'est un alors la fondation SCP c'est euh, c'est un univers qui dans, dans les creepypasta qui m'intéresse énormément je trouve que ça laisse un champ libre euh, à, à, à l'imagination donc euh, en effet pour répondre à ta question je ne sais plus qui tu es je crois que ça s'appelait Xavier quelque chose NVD Xavier c'est lui mmh. euh, pour répondre à ta question oui je compte vraiment euh, prendre le temps d'explorer de, cet univers là de la Fondation SCP euh, dans le cadre de, de, de mon imagination, de ma création de, de Creepypasta. Donc, je voulais répondre à, à sa question avant de partir. Et encore une fois, donc, avant de partir aussi, j'espère avoir pu apporter euh, un, un petit œil un peu novice et amateur, mais qui vous aura quand même plu. Oui, c'était parfait, c'était très bien. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et évidemment pour tous ceux qui veulent suivre donc euh, la description, la chaîne est dans la description de la vidéo. Je crois que Xavier l'a aussi pas mal partagé sur le chat. Donc en tout cas merci beaucoup d'être venu. Et juste une merci dernière question parce que c'est vrai qu'on oui. t'a pas posé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même encore des choses qui te font peur toi Par exemple le soir quand tu éteins la lumière ou autre. Est-ce qu'il y a des, des choses ouais. comme ça qui te, qui continuent malgré tout à te faire peur Oui bien sûr. Il y a une peur dans, qui me suit depuis l'enfance et qui, euh, que j'avoue avec une certaine honte, c'est euh, le, le fameux monstre sous le lit. Qu'est-ce qu'il y a sous mon lit la nuit Alors, j'ai beau avoir l'âge que j'ai, être une grande une grande dame, je ne suis, suis pas âgée, mais je suis loin d'être une enfant, loin d'être une ado, euh, mais euh, il s'avère que quand je pose le pied par terre pour aller au WC la nuit pour aller boire… Ça loupe pas. À chaque fois, euh, je, me, je, je, je me précipite. Euh, je sais que rien ne va m'attraper le pied, mais il y a quand même ce truc-là, ce biais cognitif qui s'est euh, créé mmh. dans, mon, dans mon esprit, qui fait que dès que je pose le pied par terre, j'ai le moins possible euh, de sous le lit. Et quand je remonte sur le lit, il faut me voir monter sur le lit à toute vitesse. Donc il y a vraiment euh, bah, <laughs> la peur du noir, la sensation. Il faut vite, vite, Si je vais au WC ou aux toilettes, je prends mon téléphone, je mets la lampe de mon téléphone parce que je n'aime pas être dans le noir. Et, euh, et bien sûr, il y a le petit monstre sous le lit euh, qui, qui me mmh. suit encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai pas l'impression que ça me vient d'un film en particulier quand j'y réfléchis, mais ça reste une, une peur d'enfance qui m'a suivi. Et à mon avis, même quand j'aurai 70 ans, euh, quand je mettrai le pied par terre, euh, j'aurai peur qu'on me l'attrape. Voilà, c'est vraiment <laughs> la peur d'enfance qui me suit encore aujourd'hui. <laughs> ok, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de livres. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait pas mal de bouquins, de livres, tu sais, façon chair de poule, etc., avec ouais. des histoires justement de, de choses cachées sous le lit, dans le placard, et autres. Donc, et ben, on... bah, ça doit, ça doit venir des chairs de poule ah, parce que j'en avais toute la, la collection truc, hein. et je les lisais euh, à foison mm. quand j'étais petite. Donc, ça doit peut-être venir de là, mais c'est tout à fait irrationnel <laughs> en tout cas. Ok. Bon, et ben bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était euh, un ça. grand plaisir de te recevoir, et puis euh, je pour te dis aussi. à très bientôt pour un autre live alors. Ciao, à bientôt avec grand Salut, plaisir. Merci à toi. Au revoir. Bonne fin de soirée. Allez, on est donc maintenant plus que quatre. Donc on parlait des extraterrestres. Toi, Daryl, tu en penses quoi de, des extraterrestres C'est un truc qui te qui te fait non. peur ou beaucoup moins que les esprits, les fantômes et tout le reste Non, ça me fait beaucoup moins, moins peur que les esprits. Ça me fait même pas peur du tout. Mais après, à part signe. Euh, de Shyamalan qui m'avait euh, un petit peu il y a deux trois scènes qui font peur dedans mmh. euh, faut avouer qu'il y a oui. pas trop de films d'horreur euh, sur, euh, sur les extraterrestres tu vois c'est plus des, des films d'action à la Independence Day ou The Faculty qui fait pas trop peur mais t'as pas vraiment de films d'horreur avec des extraterrestres qui font peur donc dans l'enfance j'ai jamais eu peur des extraterrestres mmh, ok alors après, c'est vrai qu'effectivement, bah, il y a quand même quelques films, mais je pense que les films les plus terrifiants, euh, c'est par exemple Communion euh, avec euh, euh, comment il s'appelle. oublié euh... toujours son nom. Euh, c'est surtout qui... les films de d'abduction en fait. Euh... Pas Goodman Goodman. Non, donc Communion, c'est comment il s'appelle euh... Romain. Comment il s'appelle dans Communion Attends, Tu sais, c'est basé sur un roman en plus. Euh... Là, tu as sorti le film que même Romain ne peut pas t'aider. Tu... <laughs> mais que ça doit ah, mais... Être trop récent. Je, je, je... Mais non, Christopher, dans... Walken. Christopher Walken, voilà. Et c'est un film qui doit dater non, des années 80, hein, euh... ah, 80 90, peut-être. Communion avec, euh... avec Christopher Walken, où en fait, il part en week-end dans un, en week dans un... Une espèce de chalet au milieu de la forêt. Et dans la nuit, en fait, euh, bah, il se passe des choses étranges. Et, euh, et finalement, bah, au bout d'un moment, il comprend qu'il est enlevé par des aliens et, euh, et qu'on fait des expériences sur lui. Euh, euh, c'est vraiment des pardon. trucs dégueulasses. Oui, c'est tu sais À euh, l'époque euh... des années, euh, dans les années 50, il y a un truc, un, un film qui a terrorisé les USA. En fait, ils avaient diffusé ça à la radio. C'est vraiment et ça oui. moment... Voilà, je me demande si c'était pas la guerre des mondes, je crois que si. Si, c'est la guerre des mondes. Et, et euh, tout le monde a cru que c'était vrai. Et, euh, Là, il paraît que des tout des monde. le monde n'y a pas vraiment cru, en fait. Il paraît que c'est un peu une, une légende urbaine, ça. Non, mmh, ça, vraiment, pas. non ça a vraiment existé. Ben non, je, en fait, ça a réellement existé. Mais <laughs> la légende urbaine veut que tout le monde y ait cru et que les Américains partaient, étaient limite en train de s'exiler ah, sur les routes. C'est faux, ça. Et ça, ce serait faux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien eu l'annonce le... radio qui a été faite pour effrayer les gens. Mais par contre, les gens n'y auraient pas cru autant que ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors moi, c'est ce que j'avais lu dans des bouquins hein, après. Oui, alors je ne et... pense pas que c'est comme dans les Simpsons, ils n'ont pas pris leur flingue et attiré à tout bout de champ. Non, non, mais <laughs> je pense qu'il y en a, ils ont quand même. Tu vois, ils sont restés chez eux. On, on ira faire les courses demain, tu vois, parce qu'on ne sait jamais. Et, euh, et John. Euh, non, qu'est-ce que j'allais dire, dire John Goodman. Et Joe Dante rend un hommage, justement, un petit peu à. Je crois cette histoire, je trouve, hein, dans le film euh, où tu sais, tu as un cinéma. Panic euh, euh, sur Florida Beach. La matinée, voilà. là. C'est ça. ça. Mmh. Ouais, ouais, non, mais apparemment. Alors, je sais pas, Romain, si tu avais déjà entendu parler de cette histoire. Mais apparemment, les quoi, gens. de la, pas... la guerre des mondes, l'émission ouais. radiophonique. L'émission radio de la oui, guerre bien, des mondes qui n'aurait pas fonctionné autant que ce qu'on nous dit, en fait. Euh... Qu'est-ce que tu as. Non, mais après. après euh, T'imagines bien qu'il y a toujours eu des sceptiques, hein. donc il euh, y a des gens qui, qui se sont fendus la poire, il y a des gens qui ont bien reconnu que c'était Orson Welles euh, à la radio, et puis, euh, et puis voilà, tu vois. Après, mmh. il... Parce que je sais pas, moi, je... en tout cas, voilà, c'est vrai que quand on en parle, souvent, euh, on a l'impression que les gens partaient sur les routes, prenaient leur voiture et leur bagage euh, pour partir loin, mais apparemment, c'était pas aussi... Euh... Mais en tout cas, ouais, ouais, c'est intéressant. Euh, Arcania 95, qui avait renvoyé 5 euros. Je pas vu, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. En tout cas, voilà, on le lit maintenant, donc merci beaucoup, évidemment. Quel souvenir gardez-vous du film de Spielberg Rencontre du troisième type, vous a-t-il marqué dans le genre Alors, moi, j'avoue que Rencontre du troisième type, c'est pas mon film préféré hein, de Spielberg. Euh, je l'ai vu quelques fois. Mais ce n'est pas un film qui me marque et qui me fascine euh, tant que ça. Hein. Euh, Jean-Louis, toi, Rencontre du Troisième Type, ça te. C'est un chef-d'œuvre pour moi, ce film. Ouais. Euh, ouais, pour moi, c'est un bon, c'est un grand Spielberg. Et puis Richard Dreyfus joue le rôle de sa vie. Pour moi, il est bon dans les dents de la mer, c'est son rôle. Mais dans Rencontre du Troisième Type, c'est son... son meilleur rôle pour moi. Euh, okay. Donc oui, pour moi, rencontre du troisième type. Il fait pas peur. Attention, hein, c'est pas un film qui fait peur. Ça reste du Spielberg, ça reste un film familial, mais c'est un très bon film euh, avec, en plus de ça, euh, des effets spéciaux qui sont très bons, une musique qui est géniale. Euh, ouais, non, non, ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune et que j'avais vu ce film à la télé. Et encore une fois, j'avais expliqué que euh, les dents de la mer était un souvenir que j'avais eu avec mon papa. Mmh. Pareil pour bon, la rencontre du troisième type, c'était un film que j'aimais bien revoir avec lui quand il passait à la télé, et euh, j'en garde un souvenir assez euh, nostalgique. Ouais. Pour okay. Moi, c'est très bon, et effectivement, ça a marqué le genre. Oui, si rencontre du troisième type, ça n'a pas marqué oui, le exactement. genre. Oui, oui c'est euh... un, un film un peu, euh, oui, oui, qui a marqué évidemment son époque. Oui. Mais je sais pas, moi, je toujours du mal à le regarder quand euh, il passe, parce que je ne l'ai pas Blu-ray ni rien, mais quand il passe, des fois, j'essaye de me lancer dedans, mais j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas, ça me... Et Joe qui a travaillé euh, sur Les euh, <laughs> Dents de la Mer avec Spielberg, a travaillé également aussi sur euh, Rencontre du Troisième Type avec lui, et euh, dans le livre Les Dents de la Mer, on en parle un petit peu justement. Okay. Donc, si vous l'avez, vous pouvez consulter le fonzine, regarder un petit peu l'interview, on en parle un petit peu avec lui du du film mm. enfin, un petit peu du film avec lui et euh, toi euh, Daryl rencontre du troisième type non j'avoue j'ai pas du tout de souvenir du film ça, moi je préférais la quatrième dimension et ça me fait penser euh, à l'épisode avec euh, l'autostoppeur et à la fin il retire euh, il retire et en fait c'est un monstre et là oui j'avoue que là j'aime bien et ça, ça m'avait fait un peu peur la première fois c'était dans le film ça je crois non bah, oui, le moi, premier segment peux, oui. du film ouais qui était excellent. Mais rencontre okay. non. Et toi ouais. Romain, la rencontre. Ah, du moi Dratérèse je n'existe plus. On me demande même pas si les extraterrestres font peur. Alors on demandé non Non m'a pas demandé non. Eh ben, on va y arriver Romain. Est-ce que les extraterrestres te font peur Déjà rencontre du troisième type. Est-ce que ça t'a te... ça marqué dans le genre euh... Alors rencontre du troisième type, c'est un film que j'ai dû voir au bas mot euh, six fois, six ou sept fois, tu vois. Mmh. Et pour l'instant j'ai 42 ans et la magie n'a jamais opéré. C'est un film voilà. où je m'ennuie poliment. Ah ben voilà, c'est visuellement très très joli. Euh, le production design réalisé par Joe Alves, que tu as évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est incroyable. Le jeu des acteurs, euh, Truffaut, tout ce que tu veux. Mais euh, sorti de ça, je, je me fais chier comme un rat mort. Et ça ne met, remet rien en cause de la qualité du film. C'est juste que pour l'instant, le charme n'a pas opéré. Il opérera peut-être un jour. Hein. Hmm. Un jour, la révélation. Et... Qu'est-ce qu que tu penses de, du jeu d'acteur de Richard Dreyfus dans le film euh, bah, Je trouve que ça surjoue un petit peu, mais ça c'est parce que je suis mmh. j'aime pas trop Dreyfus. Moi ah, bon voilà. non plus, je l'aime plus, je l'aime plus depuis que j'ai créé le fanzine, évidemment. Mais... Ah bah t'es en colère, es en colère. <laughs> ah, ah, non, Oui, voilà. il a pas voulu ah. Il a voulu me faire payer pour une interview merde merde, quoi, je l'aime plus <laughs> maintenant. Combien, combien Combien ah, il... Ça coûtait très cher. <laughs> Très 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 cher. C'est quand même abusé. Hein. Des milliers d'euros. Ah ok. Bon, sinon, euh, juste une petite question de Obscure Dark. C'est quoi l'affiche dans le cadre derrière toi, Damien Alors sur celle-ci, là, c'est euh, une reproduction d'un un journal en fait qui parlait de la... Du monstre du Loch Ness, voilà. Donc, si c'est à ça que tu fais référence, c'est ça. Sinon, à côté, là, c'est euh, Nico Scana qui m'avait euh, dessiné un, un loup-garou, un dogman, euh, voilà, donc euh, qui, est, qui est toujours là et qui est vraiment très, très chouette. Donc, voilà, pour répondre à ta question. Du coup, Romain, est-ce que toi, les extraterrestres, ça te fait peur Mais pas euh, les trucs façon alien, tu vois, vraiment l'extraterrestre petit euh, gris bien sûr. qui vient sur Terre, toi, pour faire des expériences, euh, voilà, qui vient te voir durant ton sommeil, est-ce que ça, ça te fait peur alors moi je suis, euh, je suis ultra sceptique, c'est-à-dire que même les phénomènes paranormaux, euh, je suis pas client pour autant. J'ai cette capacité à avoir peur de choses auxquelles je ne crois pas. Donc c'est pas un argument euh, fort. C'est celui qui a été utilisé par notre, euh, par euh, la précédente invitée, tu vois. Et moi j'ai pas ça. Je peux regarder un film d'extraterrestres sans avoir besoin de me dire ils existent ou ils n'existent pas. Et euh, les extraterrestres. Au cinéma, peuvent me faire peur. C'est le cas des Body Snatchers, qui ne sont pas des extraterrestres qui arrivent en soucoupe volante. C'est des organismes qui ressemblent à des plantes mmh. et qui vont euh, euh, choper ans, la conscience des gens et compagnie. Tu vois. Donc, je trouve que on peut sortir aussi du schéma de la, de la soucoupe volante. Et il y a plein de films avec des extraterrestres. Tout à l'heure, dans le chat, quelqu'un a mentionné euh, Puppet Master. Non pas euh, les films avec les, les les poupées, mais un film qui s'appelle Puppet Master qui ressemble étrangement à euh, euh, Body Snatchers, avec une sorte de chapiteau qui s'installe euh, à proximité d'une petite ville, et les gens qui vont dans ce chapiteau ressortent avec un parasite dans le cou, et ils euh, sont euh, possédés par euh, l'esprit des, des extraterrestres. Je trouve que ça fonctionne. Le film L'Avasion vient de Mars de Toby Hooper, il m'a fait peur quand j'étais gamin, donc ouais, il y a plein de trucs avec des extraterrestres. Mais l'un des plus gros chocs que j'ai pu avoir avec ex les, les extraterrestres, c'est à la télévision, c'était sur TF1. Et c'est quand euh, Jacques Pradel a présenté l'émission L'Odyssée de l'Étrange où on Avec avait l'autopsie de l'extraterrestre de, de Roswell, On doit être en 1997-1997. Mmh. Ça se trouve, la on est fameuse en autopsie, ouais. Ouais, Et, euh, et euh, une fois de plus, c'était TF1. Et à l'époque, euh, je n'ai pas le même degré de scepticisme. Et euh, je me dis que la télévision ne ment pas. Et, <laughs> euh, et euh, je crois dur comme fer à, à ces images, surtout qu'on a Stan Winston qui est le responsable des effets spéciaux de Terminator, de Jurassic Park et tout ça. On a Stan Winston qui dit euh, on ne peut pas à l'heure d'aujourd'hui, avec notre technologie, euh, <laughs> faire ça en effets spéciaux. Et donc moi, okay. je dis, si Stan Winston le dit, c'est Dieu qui le dit. Donc euh, moi, j'ai fait partie des gens qui ont défendu cette euh, théorie pendant euh, quelques années. Et puis après, on m'a dit que, après, je me suis rendu compte que c'était une supercherie et voilà, je l'ai accepté. Mais euh, ouais, ouais. À un moment, j'ai je, je dit, ah tiens, ouais. Il fait un bien extraterrestre. C'est drôle ce que tu dis que l'émission, parce que moi, j'avais vu dans cette émission-là aussi euh, des gens, bah, un peu comme dans Signe de Chiamalan, de euh, des gens qui avaient dans leur champ des symboles. Des, des symboles et en fait. circles, des ouais. Symbols, ouais. ouais. Et ça, ça m'impressionnait parce que je me disais, un humain ne peut pas faire ça. Tu vois comment un humain peut faire ça C'est pas possible. Bon, maintenant, tu as la preuve euh, que ça peut être fait par des humains. Voilà, et maintenant, tu t'imagines, tu as la preuve que ça peut être fait par des humains. Eh ben, merde, quoi. Et, je, et ça m'a fait vraiment flipper, ça. Ça Parce que quand tu étais petit, que tu voyais. Mais même tes parents, ils y croyaient, de toute façon. Donc, si tu voyais déjà tes parents qui étaient avec la bouche ouverte et des grands yeux, toi, en étant gosse, tu, tu pouvais aussi adhérer au truc. Tu, tu, tu flippais, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que ces émissions-là, elles étaient quand même. Plus efficace des fois que des films tu vois Mais, oui tout à fait et elles étaient efficaces et c'est exactement ce que disait contastique euh, au début du live efficace parce que ça s'inscrit dans la réalité c'est une émission de télévision donc déjà tu sais pas du tout dans le rapport cinéma ou quoi que ce soit et en plus on vient te raconter quelque chose qui soi-disant serait arrivé à des gens alors en plus on compte des images euh, toi il y a, ya vraiment un comment dire une relation en fait au réel qui est complètement différente euh, et du coup ça fonctionne la maison qui saigne moi j'y ai cru quand j'étais gamin parce que euh, tu vois on avait vraiment l'impression que c'était euh, que c'était vrai quoi qu'il y avait c'était du journalisme tu vois et pas du cinéma euh... c'est la télévision hein, c'est le médium télé qui qui aide vachement oui. parce qu'on sait que au cinéma c'est de la fiction et la télévision c'est quand même autre chose c'est la réalité et c'est vrai que tu peux regarder les infos tu as des trucs de guerre etc et puis juste après paf on va te parler de la maison qui saigne tu sais, tu dis bah attends euh... tu vois du coup es... ouais il y, y a un côté très réaliste oh. euh aux États-Unis, Alan Lensburg qui est un producteur de télévision, tu vois, qui est d'ailleurs euh, a produit les dents de la mer 3, soit dit en passant. Alan Lensburg, il avait fait une, une série qui s'appelait In Search of qui était narrée par euh, Léonard Nimoy, donc de, oui. de Star Trek, tu vois. Et je conseille à tout le monde de taper dans leur moteur de recherche In Search of une search off et euh, vous verrez qu'il y a des trucs sur Amityville, sur le Loch Ness, sur les fantômes et tout ça. Et c'est à chaque fois des tout petits euh, reportages d'une vingtaine de minutes qui sont tournés en 16 mm comme les actualités de l'époque. Et c'est euh, fascinant et ça fait très très peur. Et on avait un peu euh, ce genre d'adaptation euh, à l'époque sur RTL dans l'émission Incroyable mais vrai et on revenait sur ces trucs là. Et, et je sais que Jean louis parlait du, des, des parents qui y croyaient aussi, et effectivement, les miens au, au milieu des années 80 étaient quand même plus euh, clients de, de ce genre de trucs et donc euh, des croyances alternatives et tout ça. Mais c'est l'époque mmh. qui veut ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une époque où euh, j'ai l'impression qu'on on était abreuvé de toutes ces histoires. Euh, C'était assez particulier, effectivement. Et... Et là, on parle des dossiers de l'écran. Euh, Quelqu'un évoque le générique des dossiers de l'écran qui faisait très peur, mais dans les dossiers de l'écran, on a eu aussi des films fantastiques. On en parlait la, la dernière fois avec l'Emprise, The Entity. Et euh, voilà, ça passait à 20h30 avec un débat juste après pour savoir est-ce que les fantômes existent. Mm. Donc forcément, euh, on est sur antenne 2, mm. euh, on est sur le service public. Pourquoi tu voudrais qu'on nous raconte des, des bêtises Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Euh... Alexis de Prato qui a envoyé 4 euros, je le remercie. Le générique de The X-Files me terrifiait enfant. Je quittais le salon en courant. J'ai finalement rencontré Ducovni en 2019 à Manchester. C'était grandiose. Bon. C'est vrai que le générique de X-Files est quand même très marquant. Hein. Euh... Bah, c'est un des meilleurs avec la quatrième mmh. dimension, dans mmh. le genre en tout cas euh, fantastique. Hein. La musique, les images, euh, c'est vrai que le... c'est assez. Marquant, la quatrième dimension ouais. restera toujours le générique qui, le... qui m'aura le plus marqué dans le genre science-fiction. Parce mmh. que voilà, tu, tu peux pas faire mieux, tu vois. Encore à l'heure actuelle, ils ont fait un remake, une série produite par Jordan Peele, justement. Oui. Quand tu les premières notes du générique, tu te dis, oh putain, c'est exceptionnel ce générique, tu vois. Mais, du X-Files, en tout cas, il est très proche, il arrive en deuxième position, tu vois. Mmh. C'est les, les deux meilleurs génériques qui ont été faits dans, dans une série pour moi, tu vois. De science mais, en tout cas. Ils ne sont pas inquiétants de la même façon, tu vois. Il y, y a quelque chose de très, très aéré dans la partition de, de Mark Snow. Euh, moi, je trouve ça presque réconfortant. Quand j'entends le générique mm -hmm. de X Files, je le trouve jamais inquiétant. Alors que la Twilight Zone, la quatrième dimension, il est, euh, oh, il est vachement plus plus nerveux, vachement ouais, plus percutant. Euh, euh, Celui-ci met plus mal à l'aise que, euh, que celui d'X Files. Et quand tu fais l'attraction. Euh, la, la tour de la terreur à Disneyland, il y a l'attraction euh, qui est en lien avec la quatrième dimension et que tu entends euh, ce, cette musique, je trouve que ça fonctionne encore euh, très très bien. Tu vois. as peur bah, moi En tout cas, j'ai peur. <laughs> ouais, en tout cas, très très bon générique celui de X Files. Et ça, c'est euh, assez marquant. Le Docteur, on le remercie beaucoup. Euh, de dollars, merci beaucoup à toi, le Docteur. Euh... Alors, en parlant d'organismes qui ressemblent à des plantes, quid de la petite boutique des horreurs Alors ça c'est génial, hein. C'est le film est génial, moi j'adore. Alors pas forcément l'original le... original, mais le, le remake qui y avait eu avec Rick Moranis me fait euh, vraiment rire, j'adore ce film, il est, il est juste parfait. Quoi. Alors le remake, c'est avec Jack Nicholson, hein, c'est ça hein Non, ça c'est l'original. L'original est génial, ah, ah, okay. le remake avec Rick Moranis. Ok. Donc c'est et... la comédie musicale, soit Rick C'est ça. ça. Là, les deux sont. Oh. Non, les... le premier c'est pas une comédie musicale. Non, le... il y a que le deuxième. Pro... Oui, il y a que le deux. Oui, c'est vrai. Exact. Oui. Et, euh... et qui est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Ça fait, très, euh... ça fait très, studio. Tu sais, on voit très bien que c'est. une. petite tu sais, de... euh... duo des rues de studio. Mais ça quand je revois faire. le film euh... La petite boutique des horreurs, donc avec Rick Morani, je repense toujours à un film. Je, je vois pas pourquoi j'y repense. C'est complètement Une chez les fantômes. Non, le retour des tomates tueuses, Moi oui, je pense oui. à ce film quand je regarde la boutique des horreurs ah, Je ne sais pas. J'ai jamais compris, oui, j'y pense tout le temps à ce film. Et tu penses auquel Au premier au deuxième au deux, au deux, je ne sais pas pourquoi je pense au deux, tu vois. Moi, je pense souvent au troisième parce que dans le troisième, il y a Georges Clooney. Oui, c'est vrai, il y a Georges Clooney dans le troisième. C'est son premier euh... film d'ailleurs, je pense. Oui, euh, il fait un slasher euh, qui s'appelle je crois Return to Horror High je crois que c'est ça mm -hmm. euh, voilà. et je ne sais pas s'il si est antérieur au troisième euh, ah, a... avec la fameuse illustration du squelette pop, -Pop Girl Girl c'est ça oui. voilà. oui, exactement et il joue dedans oui, c'est vrai euh, Dev13 euh, euh, Killer Clown, on en a parlé tout à l'heure justement, ouais, euh, quand on parlait des clowns, donc vraiment, euh, vraiment génial ce film avec euh, le jeu vidéo qui sort, euh, qui a été annoncé d'ailleurs, donc ça, euh, ça peut être très 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 sympa. Ok, euh, après on a le générique de mystère. C'est vrai que le générique de mystère est aussi assez effrayant. Moi c'est alors bleu indigo, c'est carrément Jacques Pradel qui lui faisait peur. <laughs> Moi c'est le générique de fais-moi peur qui me faisait peur. Ah, fais-moi peur génial le générique, on est tout à fait d'accord. Et ça reste efficace euh... parce que tu sais, ils ont remis euh, je crois qu'ils l'ont remis sur Netflix. Et il y a un épisode avec le pantin. Je sais pas si c'est fait-moi peur ou... ou mort de peur, je ne sais pas. Mais il y a un épisode aussi avec, le... avec un pantin dedans. Et euh, ça reste quand même efficace, tu vois. Tu te dis que ça pouvait marcher. Alors, il y a un épisode avec un espèce de pantin dans Fais-moi peur, effectivement, c'est une espèce de clown presque un peu. Ouais, je pense que c'est et... ça. Oui, ouais, ouais je, je me souviens de cet épisode. Mais euh, effectivement, le générique de « moi peur est juste parfait, parce que tu as plein de petites images, tu sais, où tu ouais, vois ouais. Euh, des balançoires en train de bouger tout ouais, seul. Ça grinçait. Euh... Ouais, ouais voilà, et, et tout est euh, dans une espèce d'ambiance un peu bleutée, façon cauchemar euh, d'enfant, tu vois. Et puis avec cette musique, voilà, évidemment, qu'on reconnaît euh, dès les premières notes. Et euh, à moi, ça, c'est la musique qui aura bercé toute mon enfance. Je, le matin, le mercredi matin, ça passait sur France 3, mais je n'en loupais pas ouais. un seul. C'était le, le truc, je courais pour voir ça. Tu vois, ah moi, c'était sûr, ça passait le soir sur Canal Z. Donc moi, je regardais ça le soir ah dans oui, le noir, j'avais très peur. D'accord. Bah, moi, ça, ça, ça passait au moment où je rentrais de l'école. Il devait être 16h, 16h30. Donc je ne sais pas si c'était France 2 ou France 3 qui le diffusait. Et si c'était euh, Cher de Poule ou Fais-moi Peur, je sais plus si c'était lequel des deux. Mais c'était un rendez-vous que je ratais jamais non plus, tu vois. Comme quoi, ça va. À l'époque, Fais-moi Peur, c'était le matin plutôt. Et, et par contre, Cher de Poule, c'était le soir, effectivement, en rentrant de, de l'école. Donc, ça devait être aux alentours ouais. de 5h30, un truc comme ça. Ah ben, c'était ça, alors. C'était Cher de Poule. Et là, ta as Chère de Poule qui a un générique qui est sympa aussi, peut-être un peu moins effrayant. Ah, Mais moi. Ce qui me faisait flipper, c'était surtout le, le chien avec les yeux jaunes. Tu sais, as ce chien qui, est, qui dort sur le palier de la maison, tu as le C de chair de poule là qui vole. Et une fois qu'il passe au-dessus du chien, en fait, le chien, il te regarde et il a des yeux qui s'illuminent. Ça, ça m'a toujours fait peur, ce truc. Mais euh, en fait, j'ai toujours été effrayé par les animaux qui, qui changeaient. Et, euh, et d'ailleurs, on parle de Fais-moi fais peur, mais il y avait aussi une excellente série qui s'appelait Marshall et Simon, Harry aux États-Unis. Et Erin euh, tu as un épisode qui est terrifiant où as un gamin en fait qui se fait poser un appareil dentaire. Donc il a un espèce de gros appareil dentaire, mais un truc vraiment euh, mastoc, le truc qui lui entoure la tête. Euh, limite il a un casque avec, fin, tu vois, le truc affreux. Et en fait, cet appareil dentaire va lui permettre de communiquer avec les chiens du quartier. Et en fait, comme les chiens comprennent qu'il arrive, qu'il qu qu arrive à comprendre ce qu'il qu raconte, mais à la fin il se fait tuer par une meute de chiens. Mais le truc est terrifiant, tu vois. Et euh, mais cet épisode il est effrayant et les gamins à la fin ils, ils, ils conservent toujours un élément de leurs enquêtes ils le mettent dans un placard et là en fait ils gardent l'appareil dentaire du gosse ils le posent et c'est genre pièce numéro machin et cet épisode est, euh, est juste euh, terrible absolument terrible j'adorais cette série pour rebondir Après. sur X-Files euh, qu'on parlait tantôt j'ai appris il y a peu que Destination Finale 1 devait être en fait un épisode, un un épisode abandonné ouais, ouais. Ouais, ça a été écrit d'ailleurs par le scénariste de X-Files, de toute façon. Mmh. D'ailleurs, qui, qui devrait revenir apparemment bientôt. Euh, bientôt, euh, ouais. ouais. Enfin, la Destination Finale, pas X-Files. Hein. Mmh. Destination Finale devrait revenir bientôt avec un, un nouveau film. Et apparemment, il changerait un petit peu la formule pour un truc euh, complètement revu et corrigé. Donc, euh, j'ai un peu hâte de voir ça. Alors, Cyril Michaud. Qui parle de l'épisode sous le lit de Au-delà du réel, je suis tout à fait d'accord. Cet épisode est terrifiant. Cet, cet, cet épisode est vraiment effrayant. Surtout que je crois qu'à la fin, on t'explique qu'il y a euh, tant de gamins qui disparaissent à l'année, etc. et qu'on ne sait pas où ils, où ils disparaissent, en fait. Et euh, ouais, ouais, cet épisode est horrible. Et le début est terrifiant parce qu'en fait, je crois que c'est un gamin qui est sur son lit. Il y a sa sœur qui est à côté. Et le gosse essaie d'attraper un, un espèce de jouet, en fait, qui est sous son lit. Et d'un coup, tu as deux yeux rouges qui s'illuminent et le gamin se fait attraper le bras et il disparaît sous son lit en fait. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, cet épisode est, est, est horrible. C'est de... du... Tout à l'heure, on parlait d'avoir peur de, de ce qui peut se cacher sous le lit. Je trouve pas que ce soit une peur déraisonnée parce que dans une chambre, euh, à peu de choses près, c'est le seul endroit où tu peux te cacher. C'est l'endroit le plus sombre de ta chambre. Donc. Euh... Je trouve qu'il faut continuer à être méfiant. Donc moi, systématiquement oui. tous les soirs, je jette un coup d'œil. <laughs> un, un, un petit thème qui serait, qui serait bien dans, dans justement dans, dans cette partie d'émission, ce serait euh, les films sur les hommes invasions Tu vois, parce que ça peut, ça peut faire peur aussi ça aussi. Mmh. Tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Ouais. Est-ce oui. qu'au final, en, en grandissant, on n'a pas plus un, un peu plus peur de ça que du fantôme ou du monstre dans le placard, mais plutôt du mec qui aurait réussi à rentrer chez toi? Euh, et qui mm -hmm. attend que tu dormes pour... Euh... Bon, moi, c'est ça qui me fait peur. Non, mais c'est vrai, au final, c'est les autres humains qui sont le plus effrayants euh, aujourd'hui, je trouve. Un, un exemple, je, je l'avais noté dans ma liste, et je voulais en parler, parce que c'est vrai que c'est un film qui m'a foutu une trouille bleue quand je l'ai vu la première fois, Les nerfs à vif de Scorsese, ah oui, oui, euh, avec génial. De Niro. De Niro m'a effrayé dans ce film d'une façon euh, incroyable. Euh, la scène finale où euh, il, a, il y a l'eau qui monte et qui continue à parler en, tout en se noyant, avec la musique qui va avec, m'a euh, mm. choqué au fait cette scène. J'ai été choqué par cette scène, j'ai été choqué par le film. Euh, C'est un film que tu, tu vois, tu y repenses pendant une semaine, euh, en tout cas la première fois que tu le vois à l'époque quand il sort, tu vois. Enfin, moi, quand je, je l'ai vu passer à la télévision, parce que je l'ai découvert à la télévision, j'ai repensé pendant une semaine ou deux au film, tu vois. Et euh, ça m'a fait flipper. Je, 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 c'est incroyable. Il fonctionne encore bien maintenant, hein, les ouais, ouais. Et c'est un remake. Oui. C'est un remake. Et d'ailleurs, le les deux acteurs. Les principaux, deux, ils jouent dedans. Ouais. Ils, ils jouent l'avocat et hein, le flic, je Ouais, et ils font l'inverse, en fait. Un était méchant, on devient gentil. L'autre est du mauvais côté, tu vois. Ils ont ouais, inversé euh, les rôles. Ro Robert Mitchum mais je sais plus le nom de l'autre. Bah après, De Niro, il est quand même plus intéressé par les petites filles dans euh, les Néravif. Hein. T'inquiète pas, Jean-Louis. Hein. Ouais. Oui, bah, il. Bon, C'est pas il à bien, il... va lécher les doigts. Hein. Il, il aime bien la vengeance aussi. Hein. Peut-être que Jean-Louis Jean ne lui a pas envoyé le fanzine, il est vénère. Ah bah, voilà. Non, mais il y a cette scène aussi qui est quand même effrayante aussi, quand il arrive. Ah, tu sais qu'il est déguisé. Euh... Ouais, en, en, bonne, avec, hein. en, en bonne là, c'est effrayant quoi, je veux dire tu vois. Enfin, euh, le film est effrayant. Euh, pour moi, les nerfs à, vie, est à vif et efficace. Mmh. Encore à ouais, C'est un hein. très très bon film. Ouais. Ouais. On a... Il y a aussi oh, Funny Games que j'ai jamais vu. Funny Games, ouais. Il y en a eu deux, je crois. Hein. Il y a euh, US ouais. et. Euh, hmm. Mais ça, c'est pareil. C'est oui, c'est effrayant. Tu te dis que ben, c'est un peu comme Eden Lake euh, et tous ces films là, tu vois. Tu tombes en fait sur les, les personnes qui ne faut pas au, au mauvais endroit et c'est terminé et c'est assez effrayant. Comme Hills, tu sais Hills, euh, c'est pareil, il est, il, est, il est terrible ce film. Alors on a Obscure Dark qui nous pose une question. Quel est le film d'horreur que vous n'avez jamais pu regarder en entier Moi c'est Cannibal Holocaust, impossible de le regarder en entier pour moi. Alors Cannibal Holocaust ne m'a pas dérangé, mais alors un film d'horreur que je n'ai pas pu voir en entier. En fait je vais toujours jusqu'au bout. Mais j'aurais jamais dû aller jusqu'au bout de martyr en fait. Martyr de logier euh, m'a traumatisé. Enfin, c'est c'est vraiment. Euh... Ouais, j'y ai repensé pendant des semaines après. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise le le, le le tout le final en fait où la, la fille se fait euh, tabasser puis la fin quand elle est non c'est rien qu'y penser ça me je trouve ce film absolument horrible au point où vraiment vois là c'est la première fois où je me suis dit ouais c'est du cinéma. Mais est-ce qu'il faudrait pas quand même là leur faire passer un petit test psychologique aux mecs qui font ces films parce qu'il y a vraiment, euh... enfin là vraiment, tu vois, je me suis posé des questions. Je me suis dit, martyr, moi, c'est pas possible. Et ce, ouais. et ce film, je l'avais embourré chez moi et je m'en suis débarrassé. Je ne veux pas le revoir, je ne veux pas l'avoir chez moi. Je le trouve dégueulasse, je le trouve euh, ultra malsain. C'est non, je peux pas. Serbian film, moi, ouais, je l'ai. Euh... Je l'ai vu aussi, c'est immonde. Mais ça m'a pas choqué autant que Martyr. Mais Serbian Film fait partie des trucs où il ouais, faut faire passer un examen mental aux gens. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas regarder ça. Quoi. En fait, tout ce, peu, qui est trop ré... tout ce qui est trop réaliste, j'ai du mal. Un peu comme Human Centipede 2, que qui, 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 j'ai jamais voulu voir parce que euh, voilà, on m'a dit que c'était un film qui était quand même assez rare. En fait, il y a des films que par réputation... Euh, je, je... ça te fait peur en fait, tu n'as même pas besoin de les voir, ils ont une réputation qui font peur. Et du coup, euh, bah, de ne pas les voir, bah, ça te fait, euh, en fin de compte, <laughs> ça te fait quand même de, de toute façon déjà peur de ne pas les voir. Alors euh, moi, il y a des films que je n'ai jamais franchi euh, le cap de, de les voir parce que la réputation avait été telle que je me suis dit, bah, je n'ai pas envie de vous voir ce genre de film. Mais Martyr, malheureusement, comme toi, je l'ai vu avec ma femme. Euh, et pourquoi je ne l'ai pas arrêté J'en sais rien. On a été au bout comme toi. On aurait pu l'arrêter, mais on a été au bout et ça nous a choqué pendant des semaines et des semaines au point où ma femme maintenant euh, en parle encore dix euh, ans après, tu vois, <laughs> en disant que c'est un film de voilà, c'est vraiment un film difficile à voir et, mmh. et, et du coup euh, c'est le film qui est un des films qui m'a le plus choqué. Bah non, c'est vrai que ce mois martyr, euh, pareil. Hein, euh, ça a été traumatisant. Euh, je sais pas. Je, je, en fait, il y a vraiment. Euh, c'est peut-être. En fait, c'est le réalisme du film. Du film, tu sais, quand elle se fait tabasser à la fin, etc. Je pense que ça vaut. Euh, ça vaut euh, toutes les créatures monstrueuses, etc. Qu'on a pu voir ou les les trucs fantastiques. Tu vois, là, on est dans le réel brut. Euh, euh, tu sais que ça peut arriver, que ça a existé. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, il y a un truc qui m'est mal à l'aise, en fait, avec ça. Et, euh, et c'est assez terrifiant. Ouais. Euh... Mm -mm -mm. Après, ouais, je après... vois qu'il y a des gens qui ont parlé de Calvaire. Calvaire, je l'ai vu, par contre, celui-ci, ouais. c'est vrai qu'il est dérangeant, mais j'ai bien apprécié. Par contre, il y a un côté un peu fou là-dedans. Il n'est pas aussi dérangeant que Martyr. Mais après, est, ouais, est il c'est est... pas, hein. pas gore. Voilà, euh, il n'est pas aussi... Mais Calvaire, ouais, je, je l'ai vu. Bon, après, c'est un film qui est un peu dur quand même. Mais euh, ça va, j'ai pu euh, la passion. Mais les Français sont les Français sont très forts dans le sens euh, réaliste comme ça parce que déjà les 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 les, les copains avec c'est toujours toi. Ouais, ça lui. oui, c'est belge. Mais il y avait tu sais, il y avait les deux réalisateurs qui avaient fait le film à l'intérieur où à la fin, il y a une scène quand même assez difficile à supporter aussi déjà dans le film à l'intérieur après tu Alexandre Aja qui s'est mis avant avec euh, L'excellent haute tension, tension ouais. euh, tu vois, euh, il rigole, Romain. Mais euh, moi, ça m'avait choqué, haute tension, à l'époque, quand il est sorti, tu vois. Mais euh, je veux dire, les Français sont très, très forts dans, dans ce genre de film. Tu vois, c'est juste que, euh, on a l'impression que euh, le public n'est pas demandeur en France de films euh, horrifiques, tu vois. C'est pour ça que dès qu'ils ont la possibilité... Encore ce débat sur le cinéma français. T as, t as on, on revient au cinéma France, français, hein. ouais. ouais. mais c'est pour ça que dès qu'ils ont la possibilité, ils, ils vont aux USA tourner, tu vois. J'ai déjà entendu dire ça. Ouais. Mais, mais tu sais que moi, cet après-midi, j'ai regardé Ogre, euh, qui était un film que j'attendais, que j'avais loupé au cinéma. Et je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, l'histoire est cool et tout. Et en fait, c'est encore une fois raté, quoi. C'est pas terrible, hein. Et ça se voulait être un film un peu horrifique, euh, mais bon, c'est c'est un peu foiré. Territoire, alors territoire, j'ai pas vu, mais je sais que c'est un peu dans le délire de, de martyre, je crois. Territoire, il hein, y a un délire un peu du genre. Il y a eu Shetan qui était pas mal, par contre ça, j'avais bien mmh. apprécié. Euh, dérangeant, mais pas euh, pas au point d'en être traumatisé non plus. Et, euh, et puis avec l'excellent Vincent Cassel, euh, c'est pas forcément de la peur, mais c'est des trucs malsains. Effectivement, alors là, euh, voilà, c'est. Euh, Coragine nous dit un truc vraiment très intéressant. Effectivement, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peut-être plus forcément peur, mais on a affaire à des films qui te mettent dans une espèce d'ambiance, de, de, ouais. de mood un peu comme ça, très, euh, très malsain. Et ce n'est pas forcément de la peur, effectivement. Et Martyr ouais, est carrément dans ce, dans ce truc. -là. Écoute, moi, je te dire la vérité, la dernière peur que j'ai eue en voyant un film, peur, je ne sais pas si c'était peur, c'était plutôt que le film était malsain. C'était Sinister, tu vois, qui est Ah oui, oui. Là, là vraiment, là le, je crois que je peux affirmer, je pense, que c'est le dernier film que j'ai vu à l'heure actuelle qui m'a rendu mal à l'aise. Mmh. Mais euh, sinon, depuis Sinister, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment euh, été mal à l'aise à ce point, tu vois. C'est vrai que Sinister est très efficace. Hein. Le 2, ouais. euh, pas du tout, pour moi. Mais moins. le premier est vraiment, vraiment excellent. Ouais. Euh... Alors, Cyril Michaud qui nous dit, je crois que vous n'avez pas parlé de Téléchat Alors Téléchat on en a parlé dans l'émission la... juste avant, la première émission, dont on en avait parlé avec le téléphone, avec la bouche, etc. Enfin, c'est le truc. Euh... Alors, il y, oh, y, y avait un film légumans. Et l'Égumane. Et l'Égumane, ouais, alors, horrible. Mais tout dans Téléchat, hein. même la musique te faisait te foutait déjà dans un, un, un bad trip. Enfin, c'était horrible. Non, non, c'était. Il euh... y, y a un film qui met à qui n'est pas dans le, le genre horrifique, mais qui, qui était quand même assez, euh, à l'époque où je l'ai vu, qui m'avait quand même marqué, c'était 8 mm avec Nicolas Cage tu vois. Ah, sur les Snuff ouais. Movies, là. Mm. Ouais. Et, et ce film était quand même assez flippant aussi, hein, je trouve. Hein. Mm. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que 8 mm était très sympa. Moi, j'avais bien aimé. Après, il est flippant, il est malsain. Mais mm. euh, j'avais bien aimé, j'avais trouvé très intéressant euh, ce film-là. Euh, Hostel, Hostel, j'ai pas pu. Hein. J'ai regardé le 1. Euh, j'ai regardé le 1, mais après, j'ai pas, pas suivi parce que j'ai pas pu. Euh, je trouve ça trop horrible. En fait, je pense que c'est tous les films de torture sur des humains, des trucs trop réalistes. J'ai du mal. Alors que les films avec des créatures, des trucs un peu plus fantastiques, ça passe. Mais dès qu'on est dans le réalisme, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, Pet Cemetery. Alors, ça, c'est le, le film qui me fait encore peur aujourd'hui. Ok. Hop, hop. Après, j'avais des... noté beaucoup de films euh, qui m'avaient. Vas-y, on t'écoute. De... Euh, vas euh, j'avais noté, par exemple, La main qui tue. Je ne sais pas si c'est vraiment le, le, le titre. La... la main Mais du cauchemar. Vrai. Attention, non, non, non je ne je... Je sais pas. Oui, Mais le film, film de je... Stone. Avec, avec Michael Caine euh... voilà. C'est ça, c'est La main ouais. du cauchemar. Ce film m'avait ouais. fait flipper quand même, parce que tu vois, le mec perce sa main dans un accident de voiture et tu as l'impression que. Tu sais ce que tu as perdu, reviens te chercher. Enfin, Il y avait une optique. Il y avait un film aussi qui s'appelait Body Part, avec un ouais. mec qui se fait greffer des. membres des élément bon en ouais. ouais. Qui était aussi efficace aussi, tu vois. Ce genre ouais. de trucs me ouais. font. Ah, je veux euh... voir ça, moi. Ça ouais, me rappelle peux... l'épisode des Simpsons avec la moumoute de Homer. Euh... Oui, c'est ça. <laughs> <C 'est exactement rire> a... <laughs> Regarde l'épisode 3, donc le troisième segment du film Body Backs. Et dis-moi ouais. si ce film, te, si ce segment te fait pas flipper un peu, parce que il est. Attends, comment t'appelles-tu appelles ça bodybacks. Bodybacks Body Bags, Body Bags, c'est le film avec euh, Toby, Hooper, euh... il y a Toby Hooper. Ah Body Bags, okay. oui, ok. Ouais. Je comprenais pas. D'accord, oui, oui, il y a John Carpenter qui présente. Carpenter aussi. Ouais, ouais, ouais. ça. Hmm, je l'ai en chez moi. Et il y a marc Il y a Marc Camille qui joue dedans, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ouais. Est, il est dans le troisième segment, ouais. lui. Ouais, ouais, il y avait, il y avait euh, Toby Hooper Wes Craven, tout le monde était là, quoi. Donc c'est celui avec euh, l'œil du, euh, du tueur, ouais. ça et, ouais. et même le premier segment est quand même angoissant, tu sais parce que t il fait nuit t voilà, tu es dans une station service, mais... es tout seul. Écoute, moi j'attends le, le film où un mec va se faire greffer le doigt de E.T. qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Ah, ça, ah ça, ça, ça serait un film, ça. Ça serait <laughs> un film. Bon, le de... il, il va se fluide. faire greffer où Produit bah. par Cro Croix de Mal. Ça, ça reste un doigt. Hein. <laughs> D'accord. Art de cinéma, tu ne veux pas produire euh, un <laughs> film <rire> Et... <rire> Tu sais, on fait un truc, on le produit à plusieurs. Produit par la séance de minuit, produit par un art de cinéma. <laughs> ah ben, on, va, on va avoir un sacré succès avec ça. <laughs> Alors, j'avais noté aussi, euh, c'est un film que j'ai pas vu, mais l'affiche m'avait toujours foutu une trouille bleue Baxter. Un film avec un chien. Ah, avec le chien, je... là, ouais. Je ne l'ai pas vu. Ça non, mais ça, tu mets fait. ça dans la liste des films que tu n'as pas osé voir. Je ne l'ai pas osé voir, mais l'affiche me faisait peur quand j'étais gamin, tu vois. Mais l'affiche, c'est pas euh... un chien blanc si, est un un chien qui est sur euh... ouais. oui, un chien rouge. Oui, il y a à la fille de Bois Et ça, ça t'a oui, et... ça ça fait On fait peur. Ça passait sur MCM. Ouais, pas, c'est pas en fait, on est dans les pensées d'un chien. Je sais pas quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un film. Qui, qui, Est-ce qu'il y a un film qui vous a fait avoir peur avec un chien euh, Moi, il y a, par exemple, euh, Max, le meilleur ami de l'homme, m'avait un peu fait foutu les boules. Mais en fait, de base, j'ai peur des animaux euh, modifiés. En fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Daryl, il doit avoir une impression de, de redite, parce qu'on oui. a eu exactement a les verbes au précédent. mais je pas osé. Sur les chiens, ouais, ouais. Ah, ouais, ah ouais. j'étais parti alors déjà. J'étais déjà parti. C'était ah, avant que bah, tu arrives. Max, le meilleur ami de l'homme, Rod on a fait tout ça. Ouais, ouais. Et, euh, mais d'ailleurs, le Rod Weiler de. de euh... il là. Comment il s'appelle de... le... ouais. Je trouvais ce film excellent. Alors, bon, c'est un peu mal foutu, mais par contre, la fin, quand tu t'aperçois que c'est un robot et que. Enfin, Moi, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Ça fait le Terminator euh, chien, tu vois. J'ai bien aimé ce film, j'ai trouvé plutôt cool. Mais après, non, les, les, les animaux, euh, en général, ça me fait peur, mais euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus effrayant. C'est pour ça d'ailleurs que je regrette qu'il n'y ait pas plus de, de films sur, par exemple, des animaux zombies, des trucs comme ça, tu vois. Je trouve que ça, ça marche bien, ça, c'est effrayant. Et il euh, y a eu des trucs, il hein, y a eu Zombie, en fait, toutes ces merdes-là de chez Asylum, mais c'était très mal fait. Ouais, c'est un peu con. Euh. Tu vois, mais, non, mais un vrai truc de peur, tu vois, genre des gens, moi, je sais que je suis en train d'écrire une histoire. Euh, d'essayer de, de la terminer parce que ça fait deux ans que je l'écris sur des gens qui partent euh, camper en forêt et en fait à des cerfs avec euh, un peu zombifiés etc qui, qui les attaquent et euh, toi ça c'est un truc que je trouve effrayant enfin tu vas te promener en forêt puis les animaux euh, ont changé tu vois euh... enfin, ça c'est terrible je trouve il y avait un et... film qui s'appelait Soudain les monstres comme ça avec tous des monstres des animaux qui avaient été modifiés et euh... il, pas de euh... sur des, des trucs géants des bestioles géantes non ouais il y, y avait de tout il y avait des rats il y avait un petit peu de tout dans celui-là après, y de, il y a beaucoup de... films... Et... Il y a surtout des poules. Oui, ouais, c'est vrai, il y, des, il y avait des poules aussi. D'ailleurs, c'est vrai. film de Bert Hay Gordon. moi j'ai eu l'occasion de le passer oui. en 35 mm dans, dans mon cinéma, euh, qui, est, qui est très très fun à regarder, parce que des poules géantes, des, des rats, et... oui, c'est bien, c'est agréable. Je regarde en, un bon souvenir, et il y a beaucoup de films aussi avec des rats qui ont été modifiés. Hum. Mmh. Notamment euh, à la fin d'un film, je sais plus c'était quoi. Si c'était les monstres attaquent, il y avait un rat blanc dans, dans le il, film. Les créatures attaquent, je ne sais pas. Oh, vrai, bah un rat blanc, c'est euh, Willard. Non, non, c'est un rat géant, un rat. Euh... Ah, un rat géant. Ouais. Alors c'est peut-être euh, soudain les monstres 2 s Non, c'est pas qui, ça. Ouais. Euh, qui s'appelle, euh, dont le deuxième nom est Gwar, G-W-A-R, c'est un acronyme. Et euh, ça commence avec un enfant géant. Ça te dit quelque chose? C'était sorti en France sous le titre de La Malédiction des Rats. Par contre, à la fin du film, il y avait un enfant géant, je crois, dans le film. C'est la suite de Soudain Mais les Monstres. Attends, la Malédiction des Rats, c'était pas un roman euh, de base C'était pas basé sur un roman ah, C'est un, de... un retitrage français. Hein. Ah, d'accord, ok, rien euh, à voir. C'était Goar et, euh, et c'est euh, la, la suite de, de Soudain les Monstres. D'accord. De Food of God. Voilà, c'est Food of God 2, Goar. Mm. C'est ça. Ok. Euh, on a Jimbo Liboski qui nous dit tics avec les tics géantes. Ouais, c'est vrai qu'il était très oui. sympathique celui-là. Ah, ouais, ouais celui-là, ouais. il était... Euh, celui il quand je l'ai vu, euh, pff, tu sais tout ce qui a araignée, tics et tout. Euh... En plus, les tics, c'est vraiment... Euh, tu vois, ah, met... c'est vraiment le truc dégueulasse par excellence. Ah, la tic géante. Euh... C'est euh, a... bien efficace celui-là. Qui est ressorti en... ou qui va ressortir en Blu-ray euh, je suis un éditeur je sais plus lequel bah, Tix ouais c'est un... un bon petit film moi j'avais toujours pas parce que je l'ai vu il y a très très longtemps hein. j'étais vraiment ado j'ai toujours cru qu'on allait avoir une suite parce que tu sais à la fin la voiture elle va dans la casse et tu vois qu'il reste un œuf en fait de Tix et euh, non on a jamais eu de suite c'est dommage ça aurait pu être assez, euh, assez marrant tu sais, euh, c'est quand même la fin ultra paresseuse hein. oui. ah oui c'est de te laisser un truc tu <laughs> sais euh... à la fin il restait un œuf. <laughs> comme dans Godzilla euh, genre, il y a un très bon film aussi qui s'appelle Éclosion euh, les films oui, ouais. il y a un film qui s'appelle Éclosion ah oui voir. avec les trucs qui leur sortent de la bouche ouais, d'ailleurs dans Éclosion on retrouve Zach Galligan de Gremlins auquel tu faisais référence tout mmh. à l'heure ouais un ouais, très bon film c'est vrai c'est vrai. vrai après euh, ça, plus partie de tes peurs d'enfance alors non, ça ne fait pas partie de mes peurs d'enfant, ces films-là. Il y, y a des films que beaucoup de films que j'ai cités qui m'ont pas fait spécialement avoir peur. Par contre, à Vif m'a fait avoir peur. Euh, je vais en revenir sur un autre. Psychos, d'Alfred Hitchcock. Ah, voilà. De qui, d'Alfred Hitchcock? Ouais. <rire> <rire> lui lui, lui m'a fait avoir peur. Et qu'est-ce qui m'a fait peur dans, dans, dans quand, Psychose ben, exactement? Le, le, le... Ah, je l'ai découvert, il passait à la télévision, je devais être, du coup, je devais avoir 6 7 ans et euh, c'est la scène finale qui m'a fait avoir peur en fait, tu vois. Ouais, Quand ouais. ils descendent dans la cave. Et là, la chaise. Ouais, là j'ai pris là j'ai pris une claque phénoménale, j'ai vraiment je souviens peur, bien, Trop bien la première fois que j'ai vu Psychose parce que c'était par c'était passé à la télévision hein, euh, certainement sur TF1 ou un truc dans le genre et euh, mes parents m'avaient raconté la scène de la douche. Et quand tu es gamin, bon, bah, la scène de la douche, tu imagines que ça se passe dans ta salle de bain. Tu la visualises comme ça, tu vois. Et euh, j'ai fantasmé cette scène pendant euh, des jours et des jours. Et puis après, je suis arrivé à la scène de la douche et j'ai pas trouvé que c'était le moment le plus flippant du film. Le truc oh. le plus flippant, c'est quand tu as euh, Arbogast qui monte les escaliers et euh, tu as son ouais, plan aérien et tu ouais. as euh, la mère, parce que à ce moment-là du, du récit, tu crois que c'est la mère qui arrive et qui lui met un coup de couteau Oh, ça m'avait fait super peur gamin et, il et lui, et lui il est comme ça il tombe en arrière ouais, t'as ouais, ouais. la caméra qui le suit euh, et euh, Spielberg a repris ce procédé c'est une anecdote que je vais raconter Spielberg était très fan d'Alfred et un jour après avoir fait les dents de la mer il veut lui rendre visite sur le plateau d'un de ses films, je crois que c'était la série euh, euh, présente, qui... donc il va aller le voir et là Alfred l'a foutu dehors euh, et il a éjecté du plateau. Et en fait, après, il paraît qu'il a, il a fait foot parce que Spielberg avait utilisé le procédé qu'il avait utilisé dans dans Psychose et qui, en plus de ça, l'avait amélioré. Tu vois. <laughs> Mais Donc, il vis en coup, quoi Dans les dents de la mer. Ah C'est bon le fameux, le fameux plan qui recule sur le chef Brody. Ouais, Faut que je le revoie les dents de la mer parce que j'ai plus de souvenirs de, du film. Et, et dans Psychose, c'est à quel moment qu'on a euh, un plan comme ça pas, pas le plan de chute, hein. le plan de chute, c'est juste lui qui s'articule avec euh, la rétroprojection derrière. Écoute, moi, il me semble que c'est le plan de Psychose qu'il a utilisé, au moins on avait toujours dit que c'était ça. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un autre plan d'un autre film Ce serait pas, pas dans pas. Vertigo euh, plutôt Ce serait peut-être dans Vertigo, oui. Oui, je pense que c'est plus dans Vertigo, ouais. Ouais, ouais. Ce serait plutôt dans Vertigo. Mais euh, n'empêche qu'il voilà il l'a il a fait foutre dehors parce qu'il l'a il l'avait utilisé. Et... et comme tout se recoupe, tout à l'heure tu mentionnais Joe Alves, production designer sur Rencontre du troisième type. Joe Alves, il a commencé sa carrière sous les ordres d'Alfred Hitchcock dans le rideau déchiré, ce ah. torn curtain, voilà où il a dû euh, travailler un petit peu. Faire des et il a, a travaillé euh, il a travaillé avec Elvis aussi. Euh, oui. avec tu t'imagines la carrière. Elvis, a, ça te fait peur? Ou est-ce qu'on risque de leur sujet Je demande, hein. Non, mais par contre, les oiseaux, il y a quelqu'un qui le mentionne. Ah ben tu sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps par Louis Bucnon, euh, qui est qui, qui donc qui est euh, qui qui est le, le créateur du festival, le Bloody Weekend voilà. Bloody... Je voulais faire une pub et j'étais en train de mâcher mes mots. Et euh... oui, déjà, quand t'as dit Bugnon c'était déjà foutu. <laughs> <'était déjà> foutu. <laughs> oui, c'est que j'ai voilà. pas compris bien, j'ai un problème quand je prononce les noms. Non, c'est euh... bien, c'est bien. Mais bien. bon. Alfred. Et, et du coup, bah, j'ai appris qu'il y avait une suite au film. il ouais, y a les, les Oiseaux 2, ouais. ouais, a ouais. Un... Avec euh, Tippi Eldren, je crois d'ailleurs, qui est dedans, hein, il me semble. Euh, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. J'ai jamais vu, moi, les oiseaux. Est-ce est est que tu es au courant qui est a de Lance Knighty Oui, et puis, voilà. et ouais, es puis Adran, qui est dedans, c'est bien ce que je disais. Et là, le... réalisé par, euh, en vérité, c'est réalisé par Rick Rosenthal, qui était le réalisateur de, de votre Halloween 2 préféré. Ouais. Hmm. Voilà. Bon, euh, ça se laisse regarder, mais ça casse pas trois pattes à un corbeau. Hein. Oui, ça fait plus téléfilm. Hein, euh... ah ben c'est un téléfilm de toute façon. Oui, hein. c'est un, bon, voilà, un téléfilm. Alors, un téléfilm. De 13 qui dit Mais Spinberg n'a jamais rencontré Hitchcock. Ben non, parce qu'au fait, quand il a été sur le plateau, ben il l'a mis dehors, quoi, il l'a éjecté. Donc, euh, certainement parce qu'il avait utilisé une technique que lui avait inventée et qu'il l'avait améliorée. Donc. Euh... Hmm. voilà, donc ils ne se sont jamais rencontrés c'est dommage parce que Spielberg était très très fan du, du cinéaste voilà, petite anecdote comme ça gratuite ok, okay. c'est très intéressant de, de le savoir euh, donc... Chromosome 3 fait peur par moment et même assez souvent il y a il dans les commentaires et je ne peux qu'abonder qu dans son sens Chromosome 3 c'est probablement le le film de Cronenberg qui me fait le plus peur et vraiment en peur peur ou en juste malaisant oui, oui, la, la vision de ces, euh, de ces enfants aux visages ravagés mm. euh, en, en espèce de, de truc à capuche rouge qui sont des, des autant de réminiscences de Ne vous retournez pas de Nicolas rugg. moi ça me mm. fait peur à fond et quand je regarde Chromosome 3 je, je suis pas hyper à l'aise, j'aurais pas envie de mater Chromosome 3 ce soir il ah, y, y a plein de films de Cronenberg qui font, euh, qui, qui sont l'aise surtout dans, le, dans, dans les premiers qu'il a fait où il travaille sur. Euh, ouais, mais sur il ne physique. fonctionne pas sur le, 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 le principe de, de, de faire peur les autres. Tu vois, les autres, c'est des films des, les deux premiers Cronenberg sont des vrais films d'exploitation. Mmh. On, on voit beaucoup de ZZ, on voit beaucoup ouais. de, de, de cauchemar, tu vois. Chromosome euh, 3 c'est euh, un peu, c'est vraiment troublant, tu vois. Et il y a quelqu'un qui, qui parle aussi de CHUD. Bah, CHUD, c'est vrai qu'il y pas... ouais. mmh. ouais. euh, euh, a... Chud, ouais. C'était quand même un film. Chaud. Un film qui faisait peur. <laughs> Ça te faisait peur, Chad. <laughs> Écoute, quand étant étant plus jeune, quand je l'ai vu la première fois, ça m'avait quand même effrayé. Ouais, c'est quoi C'est les clodos, c'est ça qui sont Ouais, c'est ça. qui sont devenus... Voilà, c'est devenu un peu... Ils sont devenus quoi Cannibales, humanoïdes, underground... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, C'est ça. Et il y a eu une fausse suite, je pense, qui complètement mon début. La suite Chad 2 The Chad ou un truc comme ça, qui est un film de zombies il y, y avait euh, Daniel Stern d'ailleurs dedans ouais dans le premier mm. non mais Chad, c'était quand même la déception tu vois rien dans le film tu ne mais vois rien des, des maquillages de Ed French euh, parce qu'il y avait des belles photographies euh, des, euh, des effets spéciaux de Chad dans le Man Movie numéro euh, 30 si je dis, ça doit être le numéro 30 donc on est ouais. en 1984 je crois que ça doit être ça et euh, pour le, la, la publication du, du Man Movie, et il y a des belles photos de Clodo euh, rogné jusqu'à la moelle, tu vois, et euh, on ne voit absolument rien de tout ça dans le film. Tu vois juste des, euh, des monstres noirs gélatineux euh, avec des pastilles euh, phosphorescentes à la place des yeux. <laughs> en gros, c'est ça, tu vois. Ah, je suis d'accord. Bah, ouais. euh, il y a Gottfried, il nous dit, ouais, la fiche de shot donnait envie, mais c'est vrai que ouais. la fiche est géniale. Hein. Bah, tu est... sais que c'est la, la, la scène d'introduction, qui m'a fait avoir peur. Quand on voit les la, la, la pâte des qui se lève et la femme qui qui est tirée, quoi. Tu vois au début, quoi, en introduction. Ouais, ouais. Et voilà, ça ça m'avait fait, fait avoir peur. Après, j'ai pu revu le film depuis longtemps aussi. Ouais, je pense que ça a dû mal vieillir quand même. Ça, ouais, je pense que... aussi. Je pense aussi. D'ailleurs, il n'a jamais été réédité ce film. Faudrait qu'il le fasse. Il y a, en... un y y a eu un DVD, un DVD, mais euh, oui. pas de bourré, je crois pas. X-Tro, on en a parlé, c'est Dan tout à l'heure, x avec son monstre absolument dégueulasse. Il bah, yeux... y avait Michaud qui, euh, qui, quand il allait dans, son, dans sa vidéothèque, euh, il flippait devant Cripozoïde. Et euh, <laughs> je ne sais pas si vous avez déjà vu Cripozoïde, qui est un film de David de Coto, euh, qui est vraiment une production, c'est un post-New con euh, avec un, une sorte de bébé mutant. Et, euh, et moi, quand j'étais gamin, la, la, la jaquette, c'était <laughs> horrible. C'était une Alors, photographie attends. parce qu'à l'époque, l'éditeur vidéo n'avait pas euh, payé pour avoir les droits de récupérer euh, le, le matériel d'origine. Et ils avaient fait une sorte de collage où c'était marqué Sangria présente. Sangria était une présentatrice de la 5 à l'époque qui présentait les accords du diable. Et donc on avait le visage de ce gamin dégueulasse de Et, euh, bon Attends, après, je vais l'afficher. Je l'ai trouvé, ça doit être ça dont tu parles. Attends, c'est. <laughs> Ça me fait penser à un autre film d'ailleurs qui s'appelait Le cerveau de la famille. Voilà. <laughs> moi, moi, quand je vois ça, je pense au film de Larry Cohen qui s'appelle It's très vivant. Hein. Ouais. Ça, ça m'a fait flipper aussi. Ça, j'avoue que quand même, il y a des films... Des... Quand je dis flipper, attention, parce que j'ai dit que j'ai flippé dans pas mal de films. là. Hein. C'est pas des grosses peurs. Je dis... Euh... C'est des films que, quand j'ai vu que j'étais gosse, voilà, ils, ouais, ils ont, ils le ont pas. Vraiment pour... Le ouais, monde le vivant, faisait peur. Ouais, le monde c'est vivant, il faisait peur. Quand il est passé à la télévision dans les années 80 sur RTL, euh, ma mère le connaissait de réputation. C'était le film du, du, bébé, euh, du bébé tueur et tout. Et euh, moi, ça m'avait vachement, euh, vachement marqué euh, comme film. Mmh. Moi, le et deuxième et pas du tout le troisième, mais euh, le, le premier film, ouais, Le cerveau de la famille. <laughs> le troisième, c'est. <laughs> Qui est plutôt fan, qui est aussi une production euh, Full Moon. Bon, L'autre n'était ouais, pas une production, Moon, une production Full Moon, c'était une production Empire, si je ne dis pas de Paul... bêtises, mais c'est encore une fois Charles Bend. À mon avis, Paul Verhoeven s'en est euh... inspiré pour Total Recall. Il était fait après Total Recall. <laughs> il elle est elle... bien, le cerveau de la famille, franchement, il est bien. Ouais, ouais, loin un un, euh, un, un petit dur. truc sympa, sympa à regarder, ouais. je, je trouve ça marrant. Ok, bon, alors attendez, je vais regarder ce qu'on nous dit euh, là-dedans. Alors, oui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de Cimetière 2. Donc, Cimetière 2, pour moi, c'est euh, Cimetière 1 et 2 hein, de Marie Lambert. C'est vraiment mes deux films en fait, qui m'effraient, qui me font peur et que j'ai du mal à regarder encore aujourd'hui et, euh, et, voilà, et à dormir tranquillement après j'ai surtout dans le 2 moi, le, le, enfin, moi c'est vraiment les animaux en fait qui me font peur et dans et cimetière 2 je joue vraiment beaucoup sur le les chiens, j'en ai déjà parlé dans le dernier live mais ces passages où on voit le chien avec le, le, cette ambiance bleutée, tu sais, puis les yeux comme ça luminescents, c est, c est, c est, je trouve ça effrayant et je crois que la pire scène c'est quand tu sais que Zoe est mort c'est le, le chien du petit du gros j'ai oublié son nom et que un soir, en fait, as le père qui vient, qui frappe à sa porte, je fais, ah, euh, mais je croyais que t'avais été enterré ton chien, etc. Et là, la porte, tu sais, il ouvre la porte et t'as le chien qui apparaît et tu vois qu'il est tout euh, recouvert de terre du cimetière avec les yeux rouges. C'est, oh, cette scène me terrifie, mais vraiment me terrifie, genre, euh, tu sais, ça me terrifie, quoi. C'est-à-dire que c'est l'image, l'idée le... du truc qui revient de la mort, euh, je trouve ça atroce. Et souvent ah, quand je regarde, mal et, quand... et quand je regarde ce film, mais vraiment j'ai du mal à éteindre la lumière. C'est-à-dire que, tu vois j'ai vraiment peur de déteindre la lumière et de voir genre deux yeux rouges euh, sur le côté. C'est vraiment, un... c'est, une terreur euh, que j'ai des... des, en fait j'ai une terreur des animaux aux yeux rouges. Donc c'est très étrange. Mais il y a ça, ça dans dit... la malédiction. Les Rottweilers, ils, euh, ouais, ils ont, ils ont, ont des du, mmh. euh... Mais tout ce qui est, et en fait ça vient d'un cauchemar que j'avais fait quand j'étais gamin. Euh, alors, j'expliquerai pas le contexte du truc, mais j'ai, en fait, j'ai vraiment, j'étais tout petit, j'ai imaginé une espèce de créature morte qui revenait à la vie comme ça dans un espèce de truc. Mais c'était ultra réaliste, je m'en souviens vraiment hein, de ce cauchemar, et ça m'avait traumatisé. Et depuis, j'ai toujours eu peur des animaux euh, qui revenaient, euh, des animaux morts qui reviennent à la vie, des yeux modifiés, des trucs. Enfin, euh, tout ça me fait peur. Moi, Plus que le ça. zombie humain, quoi. J'ai eu ça aussi que le film, euh, j'en parlais dans, dans la précédente émission, dans le film Tentacule, qui m'a causé un cauchemar. Euh, pourquoi bah, T'as peur, fait... peur de Tentacule Non, j'ai peur de l'eau, parce qu'en fait, non, mais... Oui, le l'eau de... je suis d'accord. J'ai hein. peur de l'eau parce que je ne sais pas nager, tu vois, comme notre copain Romain. Et, euh... Et <laughs> du coup, euh, ce film euh, m'a foutu la trouille parce que euh, la caméra... C'est la caméra, elle, elle est mise d'une façon où les battements de l'eau vont sur la caméra. Tu si sais, ça descend, c'est sombre quand ça descend. Et euh, j'ai plus jamais voulu revoir ce film. C'est un des films que j'oserais jamais revoir, encore à l'heure actuelle. C'est pas que ça va faire du bien. Non, c'est pas la pieuvre que j'ai peur. C'est la pieuvre. Euh, la vision, fait, la, 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 la vision des, des choses de sous l'eau, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que je plonge dans l'eau avec la caméra et j'aime pas ça. Mais il y a, y a un truc terrifiant dans le fait de ne, de ne pas savoir ce qu'il y a dessous. Moi, je suis pareil. Hein, depuis les dents de la mer et toutes les conneries que j'ai vues avec des tentacules, des monstres, des piranhas, des machins, euh, j'ai peur de me baigner en mer. J'ai peur de me baigner dans un étang. Jamais je n'y foutrai un pied. Euh, en plus, ce que je l'ai fait étant gamin, je me suis fait mordre par un poisson. Alors depuis, bah c'est même pas la peine. Et, Qui te euh... dit que c'était un poisson bah j'en sais rien, parce que j'ai encore la trace et, sur mon pied. Et, et où, où, où as-tu été mordu, Damien entre, le, <laughs> entre deux doigts de pied. Et j'ai encore une trace ronde entre deux doigts de pied. Et genre, tu sais, j'imaginais que c'était un de ces poissons avec une bouche ronde, là, tu sais, genre, euh, Toums, tu vois, mais en poisson, tu vois, le truc, il, il traque comme ça et puis il essaie d'aspirer ton sang. Euh, non, c'est horrible. Mais c'est vrai que le fait de ne pas savoir ce qu'il y a sous l'eau, euh, je trouve que c'est effrayant, quoi. Mais, mais qui se fait mordre par un poisson quoi <laughs> Jamais entendu. Là, ça. Je, 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 Damien, je... Damien s'est fait aspirer par un poisson. <laughs> euh, non. <laughs> non, non, mais c'est euh... horrible. Non, mais les, les trucs sous l'eau, je suis d'accord parce qu'en plus déjà, tu es dans l'eau donc c'est hostile. Euh, tu es en train de nager donc tu vois c'est et tu te fais attraper le pied, t'es embarqué sous l'eau, tu peux rien faire. Tu vois non seulement tu te noies, mais en plus euh, tu vois tu peux tu peux pas courir, tu peux rien faire. Non, je vois que c'est affreux. Un peu comme cette scène angoissante dans Ventredi 13, chapitre 8, où il y a Jason qui tient le pied de la fille, qui l'empêche de remonter. Ben non, mais mais ça, c'est horrible. Hein ah, c'est ouais, dans, dans le 7. Non, c'est dans le 8. Elle tombe dans, dans l'eau à le un sept. moment donné. Il dans la jette sept. dans l'eau. C'est le dans, dans le 7. C'est dans le 7, on te dit. C'est dans le euh, 8. À Jason adulte ou enfant Enfant. Ah, il, fonds, tient oui. le, il, il tient le pied de d'accord d'accord non là j'ai rien dit j'ai rien dit parce que tu sais moi je pense euh, tu sais dans le 7 tu as la nana à poil et tu as euh, euh, Jason qui la tient et qui la fait chuter directement ouais. le... ouais. c'est là où c'est euh, le truc le plus dingue qui, qui puisse accomplir sous la flotte oui dans le 8 c'est quand ça, il est euh, en, en gamin ouais mmh. Hmm. Donc, mais non, contraire. mais en tout cas, oui, il y, des, euh, il y a des choses comme ça qui sont assez, euh, assez effrayantes et, euh, et qui nous marquent. Et effectivement, il y a eu euh, les dents de la mer, tout ça, 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 ça a beaucoup marqué. Ça, il, y a, il y a beaucoup de gens hein, qui. D'ailleurs, j'avais reçu euh, les mecs de, de, quen de Querelle, Querelle, pourquoi je dis quenelle, je... De Querelle, et pareil. Euh, euh... <laughs> et pareil. Euh... <laughs> Euh, les dents de la mer les l'avaient euh, traumatisé, quoi, au point où il mettait pas non plus un pied dans l'eau, etc. Et au point d'y penser dans la piscine, ce qui était assez marrant parce que moi c'est pareil. Des fois en piscine, c'est tu nages tranquillement et tu dis, mais s'il y avait un truc en fait qui m'attrapait dessous, es... c'est complètement con parce que tu es en piscine, tu vois donc forcément rien ne va t'attraper le pied à part quelqu'un d'autre. Mais enfin, pff, je sais pas, c'est très bizarre. Et tu dans, les, dans le, le, le cinéma de Cliff Barker, est-ce qu'il n'y a pas des films qui vous ont fait. Euh... Ouais, je voulais juste ça. rebondir sur un truc avant d'enchaîner de, sur Clive Barker parce que Clive Barker ça va prendre des plombes. Tu vas nous parler de Cabal et de Nightbreed, hein, on, on a vu ça tout à l'heure. Oui, euh, oui. Dans les commentaires de la précédente émission, quelqu'un qui avait dit quelque chose de très intéressant en disant que oui, les peurs dépendaient euh, de l'âge des, euh, des, des invités, hein, si les mecs avaient eu enfin, une activité dans les années 70, 80 ou 90. Et pour les gens de ma génération, sachant que je suis né en 1980, c'est souvent le téléfilm La malédiction de la veuve noire qui revient, donc le téléfilm de, de Dan Curtis. Quelqu'un euh... en a parlé en commentaire en plus. Euh... Exactement, c'est la raison pour laquelle je, je l'évoque, et euh, le, le triangle du diable aussi. Mmh. Euh, et je l'ai vu encore une fois tout à l'heure dans les, les commentaires du, euh, du chat. Euh, deux téléfilms qui euh, font euh, méchamment peur. Et il y a le film aussi euh, qui a certainement marqué euh, beaucoup de gens. Euh, C'est le film avec euh, l'araignée qui est. Tu sais que le mec à la fin il est pris dans une toile qui fait. Euh... Je dis pas le titre parce que Romain il va le dire. Je sais bien qu'il va le dire. Là, ça le manches Je pas. Et qui dit, et qu dit euh, le mec, il fait euh, aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. Elle a ri, elle arrive pour le bouffer. Ah oui, 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 euh, la, la mouche, euh, la mouche noire. Voilà, ça c'est un film. Qui n'a pas eu, qui n'a pas été traumatisé par cette scène Moi, je n'ai pas été traumatisé par la mouche noire. Non. Par contre, la mouche de Cronenberg, oui, m'a un peu traumatisé. Ah, tu le triangle du diable, Risky Business. Il le dit, hein. À 23h40, bah lui, ça lui a fait peur. Les yeux jaunes, parce que là aussi, il y a des yeux jaunes. Alors, attends, raconte-nous le triangle du diable, je ne connais pas. Raconte-nous de quoi ça parle. Je vais fouiller en même temps, moi, là, pour voir. Ah, c'est un truc avec euh, un avion et Satan. Voilà. En le gros. Le triangle des Bermudes. Un hélicoptère, ni... d'accord, ok. Oh, ben bah, il faut que je trouve ça alors, ça peut être cool. Alors, il se passe quoi Il y a des, des bestioles, c'est ça non, il y a... non, 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 ah, non, 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 c'est d'accord. De Satanas, tu vois. D'accord, c'est un bateau hanté, quoi, en gros. Ah, non, non, non. même euh... d'accord. Bah, il y avait aussi que... un téléfilm de tant qu est dans souviens, les de ce que je me souviens, c'est. Euh... Ah, si, si, si. La, la, la première partie du film se déroule dans, dans un bateau et après, as, il, il partent en avion, je crois. Et à la fin, tu as un, un truc qui fait trop peur. Parce que moi, c'est un truc que j'ai vu, gamin. Hein. Tu un truc qui fait trop peur où tu as euh, derrière le, un passager qui est le diable, tu vois, avec des yeux jaunes comme ça. Tu C'est l'image que j'en ai. Je me demande si on n'en a pas déjà parlé. Je euh, n'ai pas revu ce truc depuis vraiment le début des années 80. C'est les, les premiers trucs que j'ai vus. Et je pas envie de le revoir parce que de toute façon, ce sera forcément moins bon que le souvenir très diffus que, que j'en ai, tu vois. Mais euh, mm -hmm. je sais que ça ressorti sur DVD il n'y a pas longtemps, tu vois. Écoute, je crois... Alors, c'est peut-être toi, Romain, mais je sais qu'on a abordé le sujet de ce film. Sur un précédent live, quelqu'un en avait euh, en avait parlé justement. Bah, je ne l'ai pas vu. Bah, je, je le mets dans ma liste. Je vais regarder. Et dans les téléfilms efficaces comme ça, mais j'ai peur de me tromper dans le titre, mais il y avait un film qui s'appelait La Maison Hantée, je crois. Mmh. Euh, et c'était pas mal aussi. Il est passé une fois à la télévision c'est un téléfilm en fait qui est très très difficile à retrouver. Et euh, je crois que ça s'appelait La Maison Hantée, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça mais qui était efficace aussi. C'était un peu style euh, faux documentaire et tout ça. Euh, euh, tu avais vraiment l'impression que c'était vrai, euh, c'était vraiment efficace. Ouais, moi, je revoir. vois dans les commentaires, en tout cas, il y en a plein qui veulent revoir euh, La malédiction de la veuve noire en, dans une bonne copie. Hein. Mmh. Bah, C'est des excellents téléfilms. Hein. Et ça, moi, la première émission de Croix de Malte, elle était consacrée à, à, à ce film. Ouais, et je, euh, je sais que j'aime encore le... Le regarder, tu vois, il y a encore ce petit truc euh, qui. qui me Mais touche. la malédiction de la, de la veuve noire, c'est du fantastique ou c'est juste. Euh... C'est du fantastique, c'est du okay. fantastique pur. Hein. C'est euh, une femme qui se transforme en araignée. Donc euh, là, on est vraiment dans ah, le, le fantastique. Okay. C'est réalisé par Dan Curtis, euh, Dan Curtis qui avait fait un truc en parlant de petites poupées. Il avait fait euh, Trilogy of Terror et il y a euh, un sketch avec euh, Karen Black où il y a une sorte de petite poupée vaudou qui fait trop peur. Euh, donc ça aussi, je le conseille à, à tes spectateurs s'ils si ont euh, l'occasion de, de jeter un coup d'œil, tu vois. Ah, C'était pas, euh, pas avec l'appareil photo Non, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Je, je... Non, mais c'est vrai que la, la poupée, là, je viens de la voir, donc euh, l'espèce de poupée vaudou. Et en fait, ça me rappelle un espèce d'épisode d'une série avec euh, quelqu'un qui récupère un espèce d'appareil photo, en fait, qui avait été abandonné dans le grenier par un un espèce de toi donc ou je sais pas trop quoi qui ouais. était disant explorateur et en reprenant des photos ça fait ressortir cette espèce de petite créature euh, qui avait été photographiée à l'époque genre dans la jungle un truc. Ça, ça te parle pas cette, cette... Euh, là comme ça ça me dit rien mais ça se trouve c'est bien celui-ci hein. ah bon ben bah, écoute parce que ça cette bête me parle enfin en tout cas ce, ce visuel là, là de, la de la DVD, créature je hein. les ai pas en DVD je les ai pas revus c'est des trucs que j'ai vu euh, tout gamin et je garde juste quelques images euh, fortes comme par exemple un autre téléfilm qui s'appelle. Euh, euh, un téléfilm de Wes Craven qui s'appelle euh, Schiller en VO. Et euh, je crois que ça s'appelait genre. Euh, oh, euh, Frisson ou sueur froide ou un truc dans le genre, un truc un peu zazin. Ça vous dit rien C'est un téléfilm de 1985 C'est pas dans la part d'attraction Non, 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 c'est un mec qui a été cryogénisé. Et en revenant à la vie, il n'a pas tout à fait la même personnalité et on pense qu'il est habité par le démon. Et le titre original, c'est Schiller, C-H-I-2-L-E-R. Et c'est à l'époque où s faisait des téléfilms. Et ça, c'était passé sur la 5. Et Gamma, ça m'avait vraiment fait trop, trop peur. Ouais, je ne connais pas celui-ci, je vais regarder. Et sur la 5, on avait tellement de, de, de programmes qui faisaient peur. Ah, mais euh, il est dispo, dispo sur YouTube. YouTube le okay. chiller Ouais, il est dispo sur YouTube euh, en com au complet. Hop, je le mets dans mes. Bah, je le remettrai peut-être celui-ci. Ouais. Je le prends. Bon, c'est un Wes Craven Mineur, hein, mais, euh, mais moi, gamin, ça avait bien fonctionné. Il hein. okay, y, y a un film qui est souvent cité dans le chat si on n'en parle jamais, c'est Ratman. Ouais, Ratman. <laughs> Ouais. Avec l'homme le plus petit euh, du monde, Nelson de la Rosa. Ouais. C'est vrai que l'affiche, elle était quand même. Euh... Euh, la la affiche, fiche c'était. Euh, tu voyais le mec en, avec une tête de rat, là. C'était ouais. très. Euh, moi, je me souviens que quand j'ai été loué le... la Maison de l'horreur, qui était sortie en 99, donc je, je vais en vidéo club. Et en fait, je vois. Il y avait la Maison de l'horreur et il y avait la, la, le truc de Ratman à côté. Mais j'ai pas pris Ratman, hein. j'ai pris la maison de l'horreur. Mais Ratman, j'ai jamais vu. Mais je me souviens de la maison de l'horreur, de... c'est le, le, le film de jeu, produit par joël Silver. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qui était un remake Et de House il, de... il y avait une y petite scène de, de flippage enfin que flippe quand même. C'était la, la scène saccadée quand tu le regardes dans le la télé. De Docteur Vanacut. Ouais, oh, putain, quand même, tu vois. Moi, Et ça, ça m'a fait peur. Ah oh, non, c'était quand même, quand même un peu flippant ça. C'est le plus faire réussi des, euh, des, des films de cette série là. Hein. Il y avait euh, ouais, le vaisseau de l'angoisse, il ouais. y avait. Euh, ah il est bien le des... vaisseau de l'angoisse aussi. Ouais, mais je trouve que très... celui-ci c'est le plus réussi. Très. Ouais, l angoisse, l angoisse, ouais. Le plus réussi du lot. Parce qu'il y avait 13 Ghosts je crois. Ouais, oui, Très fantômes ouais, qui était sympathique aussi. Qui, tu ah, sais que normalement, ouais. je devais faire une chose sur ce film, c'est qu'au fait, quand t'allais au cinéma. Il avait prévu au fait que tu mettes les lunettes pour voir les fantômes, Et si tu ne les mettais pas, tu ne les voyais pas. Ah, Et il, paraît, il paraît que l'ancienne version c'était ça au fait. Je Je suis le pas film sûr. De William Castle, c'est ça, ouais. C'est ça. Hein. Ouais, Donc, ouais. Tu vois, tu, euh, euh, les fantômes, tu les vois quand même. C'est juste qu'il y a certains fantômes que tu ne vois pas si tu n'as euh, si pas les lunettes. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu perds pas grand-chose. C'est juste des, des, mmh. as, des apparitions de spectres. Euh... Après, finalement, Après, Sarah, ils, ils ont auront... renoncé. Finalement, ils ont renoncé à l'idée de le faire, mais ça aurait été chouette qu'ils le fassent, tu vois. Oui, ça aurait été un, un concept assez intéressant. Mais en tout cas, la, la maison de l'horreur est très efficace, moi, je le trouve vraiment bien. Et euh, effectivement, comme tu le disais, Jean-Louis, le, le passage de Van Ackert, là, euh, où on le voit, tu sais, il a le scalpel à la main, et puis il regarde la caméra, ouais. et puis... En fait, le mec peut rien faire, sa femme est dans le lit, tu euh, puis lui, il est super long, et là, tu le vois avancer en, en saccadé. Quelle horreur, ce truc Mais toutes ces histoires, ouais, pareil, de médecins fous, de... Tout ça, c'est effrayant. Et l'intérêt de la maison de l'horreur, en plus, c'est qu'au lieu d'avoir une maison hantée classique, là, on est dans un espèce d'hôpital psychiatrique, euh, tu sais, complètement euh, abandonné, euh, où il se passe des trucs trop bizarres. Euh, est, il est terrifiant, ce film. Et puis, on retrouve ça nous, aussi dans, euh, dans, euh, un, dans deux fans de euh, qui avaient été, je crois, réalisés par les Vicious Brothers. Et ça s'appelait Aidez-moi. Grave Encounters. Ah oui. Et euh, on, ça, ça ressemble vachement à, euh, à, la, à la maison de l'horreur, tu vois. Parce que c'est okay. euh, un ancien euh, asylum, un ancien asile pour, mm. euh, pour fou, tu vois. Et euh, tu as des trucs en nightshot, tu as des. Des docteurs fous, avec euh, des grandes traces noires sous les yeux, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça, être... <laughs> ça oui, c'est euh, effrayant. Ouais. Ça me fait penser à un film qui m'avait, moi, traumatisé quand j'étais gosse, et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont été traumatisés, c'est Le Dentiste. Oui. Et ouais. pour aller au dentiste, après, c'était horrible. C'est vrai que le, le mec pète les plombs avec ses patients. Il y en a je eu deux, hein je l'avais ah, loué au vidéo bien club bien. et je ne sais pas pourquoi je l'avais loué, parce qu'après, le dentiste, je ne voulais plus y aller. <laughs> de de Yusna, si je ne me trompe non. pas. Oui, c'est ça. Non. Et oui. c'était ressorti en Blu-ray en France il y a quelques années. Ils avaient fait un combo ouais. avec les deux. À... Je ne sais pas qui fait. Mais... Après, c'est vrai que ça a quand même un peu mal vieilli, parce que moi, dans mes souvenirs, je, je trouvais ça génial. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux films. Et en le revoyant quand même, euh, ça fait très euh, téléfilm un peu merdique, tu vois. Mais euh, ça fait très euh, film de cul Californien euh, au niveau de la ouais, photographie. Voilà, mais c'était une volonté de leur part hein. pour la photographie. Ils voulaient ah, quelque chose quoi. qui ressemble au X Californien. Mais, euh, ouais, mais après c'est vrai que le, le concept est sympa. Le mec est complètement barjo. Est euh, cool. Il se shoote, tu sais, avec l'espèce de truc là pour euh, endormir un peu ses patients, etc. Et puis on a eu aussi Dr. Rictus, Dr. Giggles avec euh, Larry Drake, qui est sorti euh, peu de temps avant. C'était la période des médecins fous euh, dans les vidéoclubs. Mmh. Il faut que je le revoie celui-là. J'ai n'ai plus aucun souvenir de, de Giggles. Ce n'était pas, pas euh, incroyable dans mes souvenirs. Mais je l'ai. Hein, je l'ai rematé il y a quoi Il y a une dizaine d'années, tu vois. Mais euh, ce n'est pas ouf ouf. Mais L'acteur, il jouait bien. Il... Mais il jouait il joue en un sur Man? la jaquette. Ouais, il mais là, il fait tu bien tu le vois docteur fou, ouais. quoi. Tu vois ouais, ouais, à fond. À fond. Très bon acteur. Alors, on nous dit avez-vous vu la, poste, la scène post-générique de la maison de l'horreur euh, Alors, ça ne me parle pas. Alors, je sais qu'il y a eu un 2, par contre, le 2 est vraiment pas terrible. Hein. Non, du tout. C'est euh, vraiment nul. Euh, avec cette histoire de, de statue de Baphomet, là, etc., ouais, c'est complètement con. Euh, par contre, la scène post-générique, non, ça me parle pas. Si tu peux nous en dire un peu plus, Romain, est-ce que tu sais s'il y a une, post une scène post-générique de la Maison alors, de l'Horreur Alors, moi, je regarde les films jusqu'à la dernière seconde, donc j'ai forcément vu cette scène euh, post-générique. mais comme C'est bizarre, c'est depuis ah, 20 ans. Euh... Ça me parle tu pas sais du tout. Dans le même genre, il y a eu Antis que beaucoup considèrent comme, euh, comme un remake de la Maison de l'Horreur, alors que ça ne l'est pas parce que finalement, en fait, ils n'ont pas eu les droits. Quand ils ont lancé la production du film, ils n'ont pas eu les droits de, de pouvoir utiliser l'histoire et d'en faire un remake. Ouais, c'est-à-dire. Que... Le roman de. Comment il s'appelle de, 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 euh, Oui, c'est Matheson Non, c'est Matheson, Matheson, ouais. Oui, c'est Matheson, ouais, c'est ça. Ah ouais. ouais en fait, ils n'ont pas eu les droits. et Donc, ce n'est pas un remake de la maison de l'horreur, en fait, Antis. C'est juste que. Il en voilà, ils, codes, euh... ils, ils, ils en reprennent, ils euh, reprennent, on va dire, euh, dire l'histoire le concentrer, mais rien de plus quoi. Je veux dire, c'est pas un remake. C'était quand même pas et très bon. Ça... C'était très, très bon, joli. Hein, c'était très joli, mais c'était quand même pas ouf. Hein. Oh, c'était mauvais, c'était. Je sais pas s'il y a des gens qui ont aimé le film dans. dans le chat, moi, mais, je... mais moi j'adore euh, ce hantise le film. En fait, après peut-être peut euh... non, Speed deux j'aime pas. le travail pas. de Yann de Bonte. Non, je m'en fous, mais c'est anti ce que j'aime bien. J'adore l'ambiance de ce château. Visuellement, c'est très beau, comme tu le disais. Même l'intérieur du château est magnifique. Alors, peut-être, c'est vrai, au niveau de l'histoire, c'est pas forcément fou. Mais tu sais, quand il rentre dans la cheminée, etc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de super bonnes idées. Et euh, j'aime bien le regarder pour l'ambiance que ça dégage, en fait. Je, je sais pas, il me dérange pas. Euh... C'est avec euh, Liam Nelson, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Non, c'est pas un film qui me. Et Lily, euh, comment elle s'appelle Celle qui joue la mère dans euh, Les Orphées. Euh, oui, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais il y a aussi Catherine Zeta-Jones, je crois. Mmh, oui, c'est ça. Enfin, comment elle s'appelle, C'est un peu dur. Dans... Lily Taylor. Lily Taylor, voilà. Mmh. Non, moi, j'aime bien. Je... je trouve assez sympa. C'est un, un des premiers DVD français que j'ai acheté, euh, en Antise. Et euh, j'avais halluciné sur le son. Parce qu'à un moment t'as as les portes qui se, qui, quelqu'un tape aux portes et tout, tu vois. Et j'avais halluciné parce que la bande-son elle était euh, trop dingue. Et euh, en découvrant le film, je me dis oh, je vais avoir trop peur, je vais avoir trop peur. Et puis finalement bon, la seconde partie ça devient très Disney, tu vois. C'est très, euh, de façon péjorative je dis ça, tu vois. C'est vraiment ça fait très euh, féerique et compagnie. Oui, il y, y a Wilson qui se fait manger la tête je ouais. crois, par un tigre ou un... il se fait décapiter dedans. Ouais, et après un peu, un peu plus tard, il ira se faire manger par un serpent. Tu vois, c'était sa petite période horreur horrifique. Ouais. <laughs> si à uh, aussi. Non. Alors là, on, ouais, on a bon. une autre auteur qui nous dit que Hanties était censée être une deuxième adaptation de Maison hantée de Shirley Jackson. Oui, voilà, c'est pas, euh, pas mm -hmm. Shirley Jackson, pas Matheson. Shirley Jackson. D'ailleurs, je dois avoir le bouquin quelque part, je crois, de ce truc. Euh, Matheson, c'est la maison des damnés. Oui, oui voilà, c'est la maison des damnés, oui, Matheson, <laughs> tout à fait. Voilà. Et Charlie Jackson, oui, c'était la, la maison hantée, ouais, tout à fait. Ah, un tigre dans une cheminée, bah oui, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait une décapitation. Euh... Oui, parce qu'à un moment donné, il y a, y a des espèces de tigres, en fait, qui sont euh, en pierre ou je sais pas quoi, puis il y a des trucs qui prennent vie ou je sais pas trop quoi. Mais euh, ouais, c'est pas trop mal, ouais. Matheson, c'est Hell House, oui, la maison des damnés, ok. Le seigneur des mouches. Bon. Ok, bon, on a fait un petit peu le tour, là, sur les maisons hantées, etc. Après, est-ce qu'il y, y a autre chose, un autre, une autre thématique on a, on a fait le tour je des a vraiment vraiment fait sans avoir évoqué Amityville bah, Amityville, ouais, on peut. Euh, mais c'est quoi On n'aura on pas le temps de tout faire, mais Amityville, effectivement, euh, tiens, on va en parler. Moi, c'est le 2 surtout que je, qui m'a vraiment le plus fait peur. -ce Parce Au tout début euh, d'émission, il y avait dans les commentaires quelqu'un qui posait une question et, et qui a obtenu sa réponse depuis, qui était « Dans quel film il y a euh, un lampadaire qui est possédé ?» Non, une lampe Une lampe Une lampe, est une lampe qui 4, est non et c'est bien évidemment le 4, et quelqu'un lui avait donné ouais. la réponse et tout. Mais là, là encore, un téléfilm qui tient la route, Amityville 4... Euh, bah, à la euh, fin, ils font et... exactement euh, ce qu'on a dit du cocon tout à l'heure. Euh, on voit le lampadaire qui, qui s'illumine et on pense qu'il y aura une suite. Ah ben bah voilà, tu vois. Et on pense que le lampadaire est hanté. et, et Il reste. Et bah grand, là. Ouais. Quand même, quand il <laughs> repense à lampadaire <laughs> hanté. Quoi. Et à Metiville oui, 4, 4, on a marqué plus d'un parce que moi, je l'ai vu sur RTL, c'est une chaîne belge, quand il passait. Ça m'a marqué, moi, à Métisville 4. Pareil. Pour un... Ah non, le 4 m'a peut-être même plus marqué que, que le premier. J'ai pas trop de souvenirs, je me souviens qu'il y en a une qui se coupe avec le, le lampadaire et elle attrape le tétanos ou un truc comme ça. Et puis tu te, rapp tu te rappelles de cette scène d'introduction quand ça débute, quand le film débute Oui, il y a des tu prêtres exorcistes qui arrivent dans la maison à Long Island et, ouais. euh, et qui bénissent la maison, enfin ouais, qui exorcisent ouais. la, la maison. C'est ça. Et tu sais qu'en fait... Euh, ils n'avaient pas eu le droit de tourner euh, dans le même endroit qu'ils avaient fait le, le premier ou le deux, je ne sais plus, dans la véritable maison. Parce mais ils n'ont jamais tourné les... dans la véritable maison. Hein. Oui, mais il y a des plans qui étaient quand même faits, non Non. Tu es non, sûr qu'il n'y a pas eu des plans, non oui, mais le, Par exemple, le 2 et le 3, ils ont été tournés au Mexique. Ah, ok. Tu vois. Okay. Mais pas... Euh, alors, la maison de type colonial, ils l'ont trouvée dans un autre côté de Long Island, mais ils n'ont jamais pu tourner euh, la vraie maison d'Amityville. Euh... Celle du, du, des films est plus euh, spectaculaire que euh, celle de, de, de la ville d'Amityville. Mm. Pour euh, le Mexique, c'est les intérieurs qui ont été tournés. Et ça, c'était dans le, le 1 et le 2, hein, c'est ça hein. Dans le 2 et le 3. Le 2 et le 3, les scènes le d'intérieur, elles ont été tournées au Mexique. Et pour ce, pour ce qui est de la façade de la maison, c'est tourné à Long Island, mais pas euh, la maison où il y a eu les. Euh... La vraie maison, quoi. Mm. La vraie maison, tu vois. Mais de toute façon, je crois que les propriétaires l'avaient un peu modifié parce qu'ils en avaient marre. Ouais. De... Il me ouais, semble qu'il y, y a plus les fenêtres, il n'y a plus rien. Ça. Tu ne la reconnais pas vraiment quoi. Mais bon, elle ne devait pas être si hantée que ça, puisqu'ils euh, n'ont pas l'air très embêtés, les nouveaux proprios. Mais alors, cette histoire de lampadaire, j'ai du mal à comprendre. En fait, on, on parle bien de la lampe. Il y avait donc le, le, la lampe dans Amityville 4. Mmh. Et, euh, il y avait un autre film aussi de lampanté qui s'appelait The Lamp, je crois, tout simplement, un truc de 87, tu sais, avec une lampe. Oui, mais ça, c'est une lampe de génie. Oui, ouais, c'est ouais, une lampe de que génie. Que tu vois. Ça, ouais. Voilà. C'est différent. Mais ici, c'était bien parce que tu vois, à un moment donné, le visage du démon dans la lampe. C'était quand même... Quand tu es, es gosse et que tu vois ça à la télévision, c'est quand même... C'est oui, puis... la grande période des objets hantés, tu vois. Ouais, et, ça, et puis la fiche, euh, la fiche, c'est bien cool. aussi. La fiche, tu te rappelles de la fiche, Romain Oui, bien sûr, bah, elle est juste derrière moi. Elle ah, était bien. Hein. Ah, tu peux nous la montrer quand même. Alors. La fiche là. Ah bien quand même, stylé. Ça me fait beaucoup penser à, à, à l'affiche de Amityville, euh, la maison de poupée, un peu, non? Alors euh, celle de Amityville, la maison de poupée, c'est... Euh... Attends oh, Parce que je crois qu'ils... ont réutilisé euh, des éléments. Oui, on voit la gamine assise devant le... Ouais, ils ont fait plusieurs, vidéos, plusieurs trucs en fait. Alors, moi j'ai racheté le 4, 6, 7 et 8 euh, en Blu-ray, mais ils sont, euh, ils sont euh, à l'étage. Euh, parce que moi, c'est des films que j'affectionne particulièrement. Ça sent une émission Amityville bientôt, ça. Hein. Ah, bah, oui, 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 non, mais c'est sûr que je vais faire une émission Amityville. Tu sais, j'ai relu tous les, euh, tous les romans de, de John J. Jones, euh, c'est-à-dire le, le, le Amityville 2, 3. Euh, tous les Amityville en lien avec les, les objets euh, fantastiques et tout ça, tu vois, parce que ça, c'est des romans qui ont été écrits en 1985 pour les objets, euh, les objets fantastiques. Donc, euh, tu sais, ils partent du principe que les esprits d'Amityville se sont mis dans des objets qui ont été vendus après. Et euh, ah, qui euh, se sont disséminés un peu partout, en fait. Euh, voilà, tu vois je trouve que dans le concept, c'est plutôt cool et on retrouve ça dans la série Vendredi 13, euh, produite par la Paramount. Euh, avec à chaque fois des objets qui ont une histoire, des gens doivent récupérer ces objets parce que c'est des objets possédés. Je trouve que c'est plutôt cool, tu vois. Ça, c'est un concept, euh, je suis assez réceptif à ça. Alors attends, tu veux dire que c'est des romans Amityville, hein, on est d'accord Ouais, John J. Jones a écrit euh, la, la suite d'Amityville, tu vois. The Amityville Aurore 2, il a fait aussi euh, le 3, et ensuite il a continué à faire pas mal de, de, de et... bouquins sur euh, le sujet. Vous savez, quand on parle de tout ça, il y a, il y a aussi des films aussi, on en a parlé beaucoup euh, à un moment donné, euh, quand on parlait des fantômes et tout ça, on parlait beaucoup de l'exorcisme. Euh, souvent les mêmes films qui revenaient, mais il y en a un qui n'est pas souvent cité et qui est quand même efficace, c'est Stigmata. Ah oui, ah oui ouais. et... qui est sorti début euh... 2000 par là, c'est un truc. Ouais, avec euh... Euh, une, une des arquettes, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si c'est Rosanna Patricia. ou Patricia. Oui, ça une des arquettes. Ouais, il est quand même efficace ce film, mais c'est vrai que je viens d'y penser maintenant, tu vois, comme quoi. Et euh, euh, Gabriel Mann euh, dans le rôle du curé. Ouais. Qui n'est pas ouais, censé être une histoire vraie. Artibule. Qui n'est pas censé être une histoire vraie, si. Hein. Non, non, non. T'es sûr que c'est pas inspiré d'une histoire vraie Je pense que Il ah bah y a forcément, il y a forcément une nana qui, qui a dit :« Oh tiens regardez, j'ai les stigmates, il faut adapter ça au cinéma. <laughs> » Non non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, ça faisait pas partie de, de l'argument de, de vente. pas stigmata euh, avec Patricia Raclette. Non non, c'était pas ça. Hein. Patricia Arquette. <laughs> j'avais bien aimé. C'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt co plutôt convaincant. Puis en plus, moi, je suis un gros fan de, de Patricia Arquette. Je la trouve tellement mimique euh, dans n'importe quel ah, tu film, vois, euh, quand tu, tu vois, quand tu viens dans l'émission euh, La séance de minuit avec Jean-Louis, tu vois, je, je te rappelle des bons titres de films que tu, tu peux regarder euh, le lendemain. À Stigmata. Mais d'ailleurs, dans, dans Stigmata, je me suis toujours demandé comment elle devenait possédée. C'est par le biais du, de l'espèce de rosaire qu'elle reçoit de, de sa mère. Tu sais, au début, sa mère, elle est dans un pays étranger et elle achète sur un marché un une, une espèce de collier qu'elle donne à sa fille. Moi, il me semble que c'est par rapport à un objet. Et me... ouais, je me suis toujours demandé si c'était ça ou pas, parce qu'après, on n'a pas d'explication, de... de... en fait, sur le d'où viennent ces stigmates. On ah, Cette... bah, va faire une émission spéciale Stigmata. Toute la et vérité voilà. sur ouais. Stigmata. Et on parlera des stigmates. Il n'y a pas de répillot, euh... Et tu ouais. sais que des fois, il y a des gens, ils ont peur d'acheter des objets d'occasion et tout ça. Hein. Tu sais, euh, moi une fois j'étais tombé chez euh, chez quelqu'un euh, la personne m'a dit non non moi j'achète rien d'occasion je prends pas les objets ça me fait peur et tout et donc tu vois euh, c'est pas con l'idée le euh, que les objets soient possédés une fois une lampe une petite horloge ou tout, des trucs ainsi tu vois mais moi euh... tu vois personnellement euh, je ne pourrais pas non plus acheter des trucs d'occasion euh... bon, tu vois quand tu achètes un bouquin un DVD tu t'en fous mais quand c'est des trucs un peu trop personnels il ouais, n'y a quand même rien de plus personnel qu'un bouquin, hein, parce que chaque page est touchée par un pouce et un an. Ah euh, ouais, achètes, mais... achètes le type de Romain, t'es foutu. Non, mais je veux dire, tu vois, par exemple, des gens qui vont acheter un bijou d'occasion. Imagine, tu as quelqu'un qui va porter un bijou pendant X années, et c'est une personne qui souffre, ou tu... Enfin, tu sais, qui dégage un espèce de truc un peu euh, négatif. Est-ce qu'en le rachetant et en le portant toi, tu ne vas pas te retrouver avec cette négativité euh qui vient t'entourer, tu vois. Enfin, moi, je, je resterai un peu prudent là-dessus. Enfin, toi, je ne mm. crois pas non plus aux fantômes, etc., mais est-ce que euh, les gens ne peuvent pas euh, Comment dire, toi euh, dégager une espèce d'aura négative, euh, tu vois, qui, qui serait en plus... Les qui affecterait, ouais, après, les, un objet ou, un, ou même un lieu, tu vois. Enfin, moi, je me suis toujours demandé si les histoires de fantômes, au final, c'était pas plutôt ça, tu vois. Et, c'est-à-dire que les gens euh, pourraient dégager une espèce de... Ouais, c'est possible qu'après, tu, tu sais que tu tailles l'objet chez toi et que t'as pas de chance, en fait. Depuis que tu as acheté l'objet ouais, de chance. Tu vois, toutes oui. des choses comme ça. Mmh. Genre, c'est je sais pas, une bague, un truc, mais tu sais, vraiment un truc personnel, tu vois, de quelqu'un, quelque chose qui a été porté, qui a une histoire, qui était là, qui a emmagasiné toute cette énergie. Euh négatif pendant, pendant très longtemps et puis d'un coup tu te retrouves en, position, en possession de ça et puis ça te... ça, ça revient sur toi en fait, tu vois, ça déteint sur toi, je sais pas. Moi j'aurais euh, un peu de mal, ouais. mmh. enfin, De toute façon c'est sûr que si tu achètes un médaillon et qu'à partir de ce moment-là tu as un petit peu poissard, tu as vite fait d'accuser le médaillon. Hein. Oui c'est sûr. C'est le réflexe quand même assez, assez logique, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, sans remettre euh, en doute les, 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 les propos de la famille Lutz, c'est vrai qu'aller dans une maison où tu as eu euh, six meurtres, il y a quand même moyen d'après de se dire « Ah oh, putain, c'est quand même bizarre ce qui se passe ici », tu vois. Si on parlait mmh. de, de, de biais cognitifs et tout, là, c'en est un, tu vois. Tu es obligé ouais. de, de prendre ça en considération et, et voilà, ça, ça joue sur la perception que tu as de ton environnement. Après, le truc, c'est de savoir aussi, euh, si tu le sais, euh, je ne sais pas, moi, imagine même si tu as la maison à bon prix, tu vois. Euh, tu sais, euh, c'est des conversations que des fois que j'ai avec ma femme, je l'imagine, tu as une maison comme ça, parce qu'on se dit toujours, mais ils sont cons d'aller habiter là-bas, euh, ils savent qu'il y a eu ça. Ben, imagine, tu l'as à bon prix et tout. Et... Mais ils ont pour que dalle à l'époque en plus la maison. Euh, voilà, je... c'est ça, tu la prends quand même la maison, je veux dire, tu vois, non la maison d'Amityville, c'était 80 000 dollars à l'époque. T'imagines, 80 000 dollars. Aujourd'hui, dans ce oui. coin-là, tu ne l'as pas à 80 000 dollars, la baraque. Hein. À mon avis, ils ont dû... Euh... 80 000 dollars, ça vient du tout. Hein. Mm. Ouais, mais ils étaient quand même en galère pour payer. Hein. Mm. Ouais, non, après, le gars... après, ils achètent la maison et ils l'abandonnent <laughs> comme ça j'ai acheté une manette de case à Cash Express depuis je joue mal. <laughs> tu vois, elle coûte 700 000 dollars euh, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, mais après avait... le dollar et le dollar, il a évolué aussi. Hein. C'est comme le franc et l'euro, tu vois. Ouais, mais pas. Mais, euh... oui, mais... mais en tout cas, oui, ils ont fait. Ils auraient, fait... Enfin, forcément. Quand, ça quand être... tu lis de toute façon le, le roman de Jensen. Euh, C'est dit tout de suite que la maison elle est en dessous du prix du marché, mmh. tu vois. Donc, euh, ouais, elle était vraiment, vraiment pas chère. Ouais, mais je me demande s'il y a quand même pas une derrière, une euh, si ça n'a pas été un petit peu man manipulé d'ailleurs par Hanson pour essayer de, de faire un livre qui fonctionne. tu vois, il a... Moi, j'ai l'impression que ça a quand même été un sacré euh, micmac. Tout cette affaire, tu vois. Il y a non seulement peut-être les luttes, tu vois, oui, qui. Euh... Tu vois, on peut-être des choses en sachant qu'ils habitaient dans une maison, comme tu le disais, dans laquelle il y a eu des meurtres. Mais est-ce qu'après, ils ne se sont pas fait embobiner par ce journaliste qui cherchait là à essayer de. De, non, mais de, faire un... de, un... de toute rôles. façon, c'est sûr que tu ne peux pas prendre que ce soit le, le livre ou le récit des luttes au premier degré. Tu vois, il y, y a forcément un peu de manipulation. Quand tu lis euh, euh, le livre Amityville 2, euh, qui a été écrit par donc, John J. Jones, mais avec à côté... Euh, Georges Lutz qui, qui racontait ce qui lui est arrivé. bon ben, En lisant le bouquin, tu sais que c'est une supercherie, tu sais que c'est de l'escroquerie et qu'il y a une volonté de capitaliser sur, sur le phénomène. Tu vois. Euh, tout le monde a essayé de gratter 2-3 euros. Ça me, paraît, ça me paraît logique. Mais ah j'ai oui, pas envie pas. De, de les considérer comme des, des menteurs pour autant. Je pense qu'ils ont vraiment eu l'impression de, de, vivre, de, de vivre quelque chose de, de, de particulier. Ouais, moi, hein. ouais, je pense aussi. Parce que de toute façon, euh, imagine, regarde, quand on fait une émission qui fait peur ou quoi, qu'on est déjà en stress, imagine eux, tu vois. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils ont menti. Ils ont ressenti peut-être des trucs qui n'étaient pas spécialement vrais. C'était juste parce que, euh, sa chance qu'il y avait eu, ils ont eu, voilà, ils, ils, ils ont eu des peurs, comme, euh, comme toi, quand ta chaise a bougé, par exemple, pendant qu'on est en train de parler justement d'un truc. Euh, eux, ah dit, non a mais c'est sûr, c'est sûr, oui, c'est sûr que ça fait. Moi, j'achète pas une maison où on me dit. Il y a eu ah oui. et tout. ouais. C'est sûr que là, le, le lave-vaisselle, il se met en route. Là, euh, je me tire en courant. C'est sûr c'est ça. Ouais, c'est <laughs> juste ça en fait. Donc, je pense pas que c'est des menteurs, mais après, il y en a d'autres qu'on en tire et profit. Tu vois, ça, c'est, c'est comme dans tout. Quand tu regardes la vraie histoire de l'emprise, bah, tu te dis que c'était mmh. peut-être une femme qui était juste, euh, qui avait juste des problèmes, euh, je veux dire psychologiques et qui. qui... Oui, oui. Et qui avait énormément de problèmes dans sa vie privée. Et voilà, tout le monde est venu, euh, les grands spécialistes, ils ont sorti des, des livres, ils ont gagné de la thune. Et finalement, la femme, elle, est, elle a fini toute seule, sans rien, en fait, tu vois. Et qui s'en est mis dans les poches, qui qu'on écrit des livres, qui qu'on fait euh, des films, et s'en s'ensuit. Ça qui n'a et... rien à voir avec les Warren, du coup, à Météville. J'ai toujours cru que c'était occupé de ça. Euh, ça non, ça, les... les Warren, en fait, ils y sont allés, mais très vite fait, ils n'ont vraiment ri... quasiment rien fait dedans. Je crois qu'ils ont visité ouais, la maison deux fois, un un après-midi et c'est tout. Deux fois. Non, là, ils ont été deux fois. Ils ont été une fois euh, quand George Lutte venait de quitter euh, la baraque, mm -hmm. et ensuite ils sont retournés avec une émission de. Ah oui, oui, exactement. Donc vrai. eux, ils ont été mm -hmm. deux fois. Mais ça n'a pas avaient... été euh, non plus une enquête. Euh... Enfin, ils n'étaient pas là pour enquêter vraiment. Euh... Mais si, parce qu'il me semble qu'ils ont essayé de défendre le mec qui avait, qui avait tué sa famille, non Non. Eux Non, non. Il me semble si, que... si. Si, si. Ouais, 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 si, si. C'est-à-dire si, que si. pour le ouais. ils ont assuré la promotion d'Amityville 2 alors qu'ils avaient pas fait la, la promotion du 1, et, euh... et l'avocat de Ronald Defeo à l'époque pensait que de mettre en avant la thèse de, de la possession démoniaque ça allait pouvoir euh... Euh, aider sa cause, tu vois, et eux ils étaient assez réceptifs à ça tu vois, à penser qu'il y avait un esprit qui avait pu prendre possession du DFO, que ce n'était pas un meurtre de sang-froid mmh. et compagnie, tu vois. Mais et sur le émotionnel d'Amityville 2, tu as des photos avec ouais. les... Euh... Ouais, ils ouais, ont été consultants. Euh, les warren Alors ça, par contre, tu vois, je n'étais pas au courant. Moi, je savais, oui, qu'ils avaient été... Euh... Qu'ils y avaient été, par contre, pour l'histoire de, de défendre la possession démoniaque euh, au tribunal, etc. Pour moi, c'était ce que l'on voit justement dans le dernier Amityville, dans le dernier euh, Conjuring. Mais je ne savais pas qu'ils l'avaient fait pour, euh, pour le cas euh, Amityville. Alors, eux, eux, ils n'ont pas assisté, au ils n'ont pas été témoignés, tu vois. Simplement, mm -hmm. ils ont apporté une sorte de caution à l'affaire. Parce ils ouais. étaient considérés comme des spécialistes et compagnie, tu vois, et ils ont assuré la promo du, euh, du 2. D'accord, ok. Et ils n'étaient pas les seuls, il y avait aussi le Hans Holzer, qui était, euh, qui lui n'était pas un démonologue comme les, les Warren, qui était quelqu'un branché sur euh, l'occulte et compagnie, tu vois, mm. euh, qui avait une théorie qui était légèrement différente parce que lui, il pensait que c'était un massacre d'Indiens et. Ah et oui, la fameuse histoire. Ça, tu vois. Mais en tout cas, ils étaient les deux que ce soit les, les Warren ou le Hans-Holzer, ils étaient convaincus de euh, la possession euh, démoniaque, tu vois. Enfin, mm. soit d'un esprit ou démoniaque pour... Euh... Voilà. Ouais. En tout cas, cette histoire reste assez, euh, assez étrange quand même, et le livre est très bon, hein. le, le livre Amityville est vraiment flippant. Ah, tu l'aimes bien, toi ah, moi, le livre, je, je l'avais lu euh, bon, il y a un petit moment maintenant, mais je l'avais trouvé vraiment flippant. Et ce qui était vraiment flippant dans la version que j'avais, c'est que tu sais, avais même les plans de la maison, ouais. euh, du rez-de-chaussée et tout. Et ça te donnait vraiment, tu sais, l'impression que était, tout était vrai. Je, encore une fois, tu vois, on te... Voilà, c'est... Tu, tu as donne... les plans de la maison et tu as le, le dessin qui est fait par euh, Mimsi mm. de, euh, de Jody. Ah ouais, non, mais ça rend le truc vraiment ultra réaliste, tu vois. Et c'est très bien écrit en plus. Donc euh, c'est plutôt pas mal, ouais. Attends, moi je pique du nez parce que je l'ai relu. Euh, je l'avais déjà lu et je l'ai relu pour préparer euh, l'émission. Mais alors je pique du nez. Euh, ah ouais attention, hein. waouh. Ah ça a peut-être euh, mal vieilli, peut euh, Je j'ai préféré lire euh, *Murder in Amityville* de Hans Holzer qui est le livre qui a inspiré les, les événements du 2. Là c'est vachement plus agréable. Et là j'ai récupéré Hight Hopes*, qui est le le livre qui a écrit sur Ronald DeFeo, mais du point de vue des avocats de la partie civile. D'accord, ok. Et euh, bah c'est fascinant hein, une fois que tu rentres dans le truc d'Amityville, même si c'est une escroquerie, même si c'est une supercherie et tout ça, tu vois, c'est quand, quand même fascinant. Et je vous conseille, si vous aimez aussi euh, toute la franchise Amityville, je vous conseille l'excellent le, fanzine de David Hidlow. Parce qu'il parle de toute la franchise euh, dans, dans le livre, il a eu des interviews, c'est vraiment un bon fanzine si vous aimez bien la franchise. Ouais, C'est vrai qu'il avait fait un spécial Amityville ouais, tout, ouais. tout à fait. Euh... Ben, il se focalise surtout sur les deux films qu'il préfère. Hein. C'est sur le 1 et le 2. Hein. Mmh. Ouais. ouais, beaucoup sur le 2 surtout. Hein. Là, là, pour la mission d'Amityville, il, il viendra, il viendra ici, tu vois. On fera Amityville 1 et 2, le Murder in Amityville qui, est, qui a été fait, je crois, en 2000, euh, 2018. Et euh, sur le remake. Et on va rester vraiment sur le cas euh, Ronald Defeo et Lutz. Mm. Après, je ferai une émission spéciale objet euh, fantastique. Euh, voilà. Je vais faire tous mm. les amitiés de moi. Parce que j'achète euh, toutes les merdes qui sortent en direct ou vidéo là. Oh, il y a plein de nouveaux films. Hein, euh... Euh, enfin, des nouveaux qui étaient sortis là depuis 2017, par là, oui. il y a eu 2-3 films, je crois, sur Amityville, qui, euh, dont un qui était très sympa, j'oublie toujours le nom, c'est Murder, Amityville Murder, un truc comme oui, ça. Oui, celui-ci, c'est le meilleur, ouais. mais là, ce que j'ai ici, ça te donne pas envie, attends. Ouais, ils ont même sorti un truc du genre Amityville fait du ski, quoi, tu vois. Euh... Ah, Amityville dans l'espace, il y a ah, ouais. eu Amityville dans l'espace, Amityville à euh, Hawaï, Amityville. Euh... Tu vois, euh... Euh, le titre du fanzine de David Didlo c'était euh, Vidéo Oui, c'est ça. Oula, hein. ah oui, oui, ça sent le truc. Euh... Ça, bah, en fait, ils mettent, ils mettent Amityville dans le titre et puis euh, bah, voilà. Quoi. Ouais. Ah oui, alors ça, ça a l'air à chier. Si... Amityville, c'est Death ok. House... Pouf, ok. <laughs> bon, en fait il foutent juste Amityville et puis c'est parti quoi. à mon avis je pense oh là que là les, là. Droits de la, les droits de la les franchise à mon avis je pense que les droits de la franchise doivent être, doivent être perdus parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent le nom Amityville ah bah, c'est même, de... même pas ça la, la raison la raison c'est que tu peux pas déposer le nom de la ville Amityville tant que tu ne parles pas de, de Georges Lutz tu peux faire un film d'Amityville. Euh, ah ouais. Tu peux faire Amityville in Belgium euh, sans ouais. problème. D'ailleurs, il t'en manque un, Romain. Il te manque le, 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 le film de requin à Amityville. Oui, mais il m'en manque pas. Les, les marques Polonia, je les ai pas toutes. Euh, ils, ils ont quand même réussi à faire un truc avec un requin à Amityville. Enfin, C'est enfin, assez marrant. C'est ce que j'ai pas vu. Amity. Pas vu. Là, il y a les huit premiers plus le remake. J'ai euh, déjà vu le Amityville Murders que tu as mentionné tout à l'heure mmh. euh, et euh, My Amityville Aurore qui est le, le documentaire qui a été tourné par le fils euh, des Lutz, par euh, Danny Lutz. Donc, euh, ça, c'est des trucs que j'ai déjà vu. Ça, c'est ce que j'ai en retard. Et puis, euh, j'ai pas acheté les 20 films qui me manquent et je les achèterai <laughs> en temps voulu. Le Amityville Exorcism, Highland et compagnie. Tu vois. Euh, non, mais c'est vrai que c'est euh, devenu un sacré business tout ça. Amityville en Airbnb, nous dit Xavier. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, est-ce qu'on a un autre truc à aborder Ça fait 3h41 de live, je pense qu'on va arrêter. Il nous reste, et on va dire il nous reste un petit quart d'heure si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a un autre, une autre thématique, quelque chose qui vous fait peur, qui vous effraie en termes de cinéma On a parlé un peu de tout, là, les extraterrestres, les maisons hantées, les clowns, les. les, les... Les dentistes, on a les animaux. Les chiens aux yeux jaunes. Les chiens, les, chiens, les rats. <laughs> les rats géants, les poules. On a parlé des poules. Tout à l'heure, on n'est pas dans le film d'horreur, mais euh, je regarde les commentaires du, du chat. Et quelqu'un parlait de, euh, du, du téléfilm euh, euh, réalisé en 1983 sur euh, la, la fin du monde. Enfin, C'était sur euh, le nucléaire, sur le danger du nucléaire. Mmh. qui s'appelle « Le jour d'après euh, », qui est un, un téléfilm de, de 3 heures, je crois, quelque chose comme ça, tu vois, et ça, moi, ça m'avait vraiment terrorisé, parce que dans le, ce téléfilm, tu as des images, quand il y a l'impact, tu as des images de, de, de personnes qui euh, carbonisent sur place. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y, y a Steve Guttenberg qui joue dedans, il y a vraiment une multitude d'acteurs, c'est un film catastrophe, tu vois, mmh. et euh, ça, je vous le conseille, « Le jour d'après », c'est... Euh... C'est juste ma boule. Et ça m'a fait peur quand j'étais gamin, tu vois, la peur du nucléaire. Bah, c'est vrai que c'est un, euh, un peu le truc effrayant quand même. Euh, parce que là, il n'y a pas moyen d'en réchapper. Et si tu en réchappes, il euh, y, aura, y aura forcément des séquelles où, où les choses auront tellement été modifiées que euh, tu pourras pas vivre normalement. Mais en tout cas, ouais, le... bah, c'est vrai que le nucléaire, ouais, c'est assez terrifiant aussi. Euh, quand tu vois ce champignon atomique, etc. Alors attends, tu m'as dit le jour d'après, c'est ça oui, le jour d'après, c'est euh, un, un téléfilm de 1983. D'accord, je vais noter ça. Je... Il y a aussi un film qui s'appelle Soleil vert, qui était passé dans la dernière oui. séance. Oui, oui. Bah ça, en fait, on est carrément là dans les, les univers un peu. Euh... Enfin, J'ai l'impression que. Un peu plus fantastique, euh, science-fiction, on va dire. Bah, ah, bah, donc... je, trouve pas le... je trouve que Soleil hiver c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Oui, hein. c'est ouais, ce que j'allais dire. Est-ce que c'était pas de l'anticipation? C'est ouais. ouais, ça qui est terrible. C'est assez effrayant. C'est comme 1984, euh, Le Meilleur des mondes. Voilà. Euh, tu lis ça, et puis au final, tu as l'impression qu'aujourd'hui, ça devient ta réalité. Or, au final, moi, je suis en train de me demander, hein, est-ce que ce qui fait. Est-ce qu'il n'y a pas... Plus effray... Pas plus effrayant que le monde dans lequel on est en train de vivre et, et... et ce qui est en train de se profiler pour nous en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est, il euh... y, a... y a rien de pire là. Enfin, on peut même oublier les, les fantômes, les extraterrestres. Enfin, au final, oui. je crois que le pire va venir des, des humains et de ce qu'on va faire de nos propres sociétés quoi. Mais effectivement, oui, ça, 1984, c'est vraiment cauchemardesque et c'est ce qu'on vit. Tout à l'heure, on parlait de... des body snatchers, de l'invasion des profanateurs. Pendant la crise Covid, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans l'évasion des profanateurs. Mmh, complètement. Et vraiment, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et euh, tout, avec, avec tout le monde qui se regarde, tu sais, en mode est-ce qu'il est contaminé Est-ce qu'il est contaminé c est, c la... Oui, même, par il y avait des regards est... qui étaient plus lourds par rapport ouais. à la vaccination, tu vois. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai fait partie des gens qui, qui ne se sont pas vaccinés. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, euh, euh, l'action. Euh, du, du gouvernement envers les gens comme moi, c'était quelque chose d'assez euh, délicat. À... Eh ben attends, c'est pas terminé. Ah, je pense. Bah, puis, euh, ça, en France, ça fait peur, mais en Chine, c'était pire. Ils les forçaient carrément. En tout cas, après, euh, je sais pas, j'ai vu des images, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, on les forçait euh, à mettre les cotentiges dans le nez et tout. Euh, ça, ça fait, oui, ça fait peur. Mais Moi aussi, quelque part, on m'a forcé pour pouvoir que je pour que je puisse garder mon boulot. J'ai dû me ah, mettre des. Oui, bien sûr, dans les bien sûr, jours, bien quoi. sûr. Bien sûr. Alors tous les ouais. trois jours dans le premier temps et après tous les jours et en plus c'était euh, moi qui payais. Donc j'avais vraiment l'impression de me de me retrouver dans un film d'anticipation, quelque chose que j'aurais jamais pu jamais pu envisager et je me suis retrouvé là-dedans. Et Soleil vert, quand tu regardes Soleil vert, tu as l'impression de regarder un documentaire, tu as l'impression d'être dans Striptease. Ouais. Euh, la surpopulation, euh, la chaleur étouffante. Bon alors je suis pas Charlton Heston et j'ai pas un bandana autour du cou, tu vois, mais quelque part, on n'est pas loin de ça. Et, et c'est ça qui est le truc le plus inquiétant, c'est-à-dire que le cinéma d'anticipation qu'on qu s'est tartiné dans les années 80, tu vois, c'est un peu notre quotidien à l'heure d'aujourd'hui. Mmh, un incroyable. dernier thème qu'on pourrait aborder avant de, de se quitter, ce serait les morts vivants. Est-ce qu'il y a des films de morts vivants qui vous ont, y, qui vous ont fait avoir peur Par exemple, moi. Attends, le songe je... d'inverse, ça t'intéresse pas. Hein <laughs> non, mais je veux dire, par exemple, moi, j'ai pas eu peur, mais Zombie, ça a toujours été le film, tu sais. Euh... Je veux dire, euh, t'es enfermé dans un centre commercial avec des gens, tu as tout ce que tu veux. Après, tu as des zombies dehors qui passent de temps en temps. Euh, Mais encore une fois, encore une fois, moi je trouve que le film de zombies, c'est la peur de l'autre et des, des humains en fait. Tu vois oui, ouais. C'est ouais. dans zombies par exemple, tu le vois dans le centre commercial, c'est des gens. Euh, est-ce que c'est pas les consommateurs complètement zombifiés, euh, qui ont plus rien dans le cerveau et qui qui sont là autour de toi, fait toi, moi, c'est le, des... qui... le message qui fait passer dans, dans, dans le film, Robert George Romero. Mm -hmm, les, les, les zombies qui retournent dans le magasin, comme si qu'ils étaient... qu ont gardé leur euh, ouais. tu vois, certaines routines, tu sais, euh, limite ils poussent le caddie encore, tu sais, oui, euh, c'est une, euh, une critique de la société de consommation, ah ben, complètement, et c'est ça qui était génial. Mais euh, les zombies, ouais, moi, je trouve que c'est euh, peut-être ce qui est le plus effrayant, parce qu'au final, c'est toute la masse de gens qui pourraient être contre toi, tu sais, qui viendraient vers toi comme ça, en, en horde. Ouais, non, c'est terrible. Et puis, le truc, c'est ça, qui ça rejoint la, la homme la oh, invasion, parce qu'ils peuvent venir te bouffer chez toi aussi, tu vois. Donc, euh, je sais pas, c'est spécial, c'est comme... Tu t'imagines, elle, elle imagine que demain, ça se passe. Là, tu te dis, ouais, là, tu rigoles, parce que tu te dis, ouais, les zombies, ça n'existe pas... Euh... Mais imagine ça se passe vraiment, tu vois. Imagine. Mmh. Quand même, tu sais pas. Ah bah le vois. film, le plus, c'est 28 jours plus tard. Ou au début, t'as Robert Carlyle qui s'en va sur le bateau, il voit sa femme, ou je ne sais pas qui, mais je crois que c'est sa femme, qui se fait bouffer, il prend le bateau, il s'en va, quoi. Il ne mmh. peut rien faire. Hein. Donc là, ça, ça c'est pire, c'est que tu peux pas protéger les tiens. Si t'es pas armé, tu vois. Dans les films de zombies, la menace, c'est rarement le zombie euh, sur le long terme. Bah, c'est les survivants, oui. En fait. oui, oui, bien sûr. Tu vois, et, euh, et dans La Nuit des morts vivants, euh, les mecs auraient pu s'en sortir très bien avec un peu de communication, euh, avec euh, un peu de compréhension les uns pour les autres, avec un peu moins de, de racisme latent, euh, parce que c'est le, le discours du, du premier, tu vois. Mais euh, voilà, la menace, elle vient toujours de l'intérieur. Parce qu'ils mmh. ne se déplacent pas hyper rapidement si tu fais, si tu fais preuve d'intelligence, même mmh. la masse, euh, voilà, tu vois. Ouais, il faudrait, ouais, vraiment, mais il faudrait euh... vraiment que tu t'endormes pour que tu te fasses bouffer en réalité, tu vois. Ouais, mais justement, ce qui est effrayant, c'est le, le nombre, en fait. S'ils arrivent vraiment par milliers, qu'est-ce que tu veux faire si jamais, euh, toi, je veux dire, c'est... T'as beau même avoir un flingue, tu pourras pas tirer sur tout, tu vois. Je c'est la masse de zombies. C'est ça qui est terrifiant, je trouve, dans les films de zombies. Et on le voyait bien d'ailleurs dans Zombies, un moment, quand ils sont à l'extérieur et qu'on voit tous ces zombies partout, même ils passent en camion et limite, tu sais, ils arrivent même. C'est limite, ça les ralentit parce que ils roulent sur des corps, alors ça les ralentit pour. Maintenant, je trouve que, ouais, le film de zombies m'a très, très longtemps effrayé. Ouais, mais je suis d'accord, mais tu. Techniquement, euh, tu as beaucoup de, de zombies autour du, du centre commercial, très bien, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres euh, zones qui sont euh, quand même dépeuplées, tu vois. Il oui, y aura toujours des fait, endroits euh... où tu sais, ça va pas être submergé, il va pas y avoir euh, 100 zombies mmh, ouais, au, mais... au mètre carré, L'histoire de zombies qui, qui, qui est bien, c'est que tu, tu vois, euh, c'est un rêve d'être enfermé dans un centre commercial, je veux dire, tu vois. Pour toi, dans, dans le consommateur que tu es. Bah ouais, as tout ce que ouais, tu mais veux. Mais au bout et... d'un moment, as tout qui pourrit. Euh, ah enfermé. ouais. Mais je veux dire, mais il y a aussi des trucs qui pourrissent au bout de longtemps, tu vois, comme des concerts ou tout ça. Ouais, moi, suit. je t'ennuierai rapidement, quoi. Mais je veux dire, imagine, tu es là-dedans, tu as tout ce que tu veux, mais tu sais que ça va pas durer parce qu'à tel endroit, il y en a d'autres qui vont vouloir y aller, tu vois. Donc, euh, mais le truc, c'est que quand ils sont dedans, tu vois quand même que ça fait flipper parce que les zombies ils peuvent débarquer n'importe où, tu ne les vois pas, je veux dire, euh, mm. je veux dire tu en fin de compte, même s'ils avancent pas très vite, il y en a quand même un qui peut arriver de, de quelque part où tu ne l'avais pas vu venir et il te, il te mord. Parce qu'il suffit qu'il te morte et tu te transformes. Donc, finalement, euh, zombie de Romero, quand même, moi, il me faisait un peu flipper aussi, tu vois. Et puis, il n'y a pas que les zombies dans le film de Romero, il y a aussi les humains qui attaquent après le centre commercial parce que c'est eux qui viennent foutre le bordel, en fait. Mmh. Euh, c'est ça la menace. Dans le film, c'est vrai que c'est ça la plus grosse menace. Mais même dans tous, les films de, dans tous les films de zombies, c'est toujours l'humain la, ouais. la plus grosse menace. Mmh. Est le zombie, là en toile de fond. Puis le, le zombie est un il il reflet de, de, des comportements humains, tu vois. C'est mmh. toujours un truc, euh, métaphore de ceci, métaphore de cela, tu vois. Non, moi les zombies, je, déjà que j'ai du mal à, à comprendre les, les mécanismes par rapport au mythe de, du zombie, tu vois. Je... Au bout d'un moment, le temps fait quand même euh, le job. Bah T'sais, oui, pas, pour oui, partir en poussière, je vois pas comment c'est possible autrement, tu vois. Ah, mais faut attendre longtemps. En attendant, faut se défendre. Bah oui, en attendant, faut se défendre. Faut juste, euh, voilà. On... Oh, ça va pas être, être euh... comme ça tout le temps. Euh... Bah si, parce que je crois qu'au début, les zombies, c'est euh, l'histoire la... euh, du début, c'est juste en fait, il n'y a plus de place. Euh... Au paradis ou un truc comme ça, et ils reviennent sur Terre euh, Non, parce que dans la nuit des, dans la nuit des morts vivants, c'est une, une sonde spatiale euh, qui, euh, a priori, serait responsable de, de ces trucs-là. Bon, ouais, normalement, normalement, ça devait s'appeler la nuit d'Anubis. Euh, euh, ouais. Comment ça devait s'appeler normalement tu sais qu'il y avait un premier, euh, un premier script la pour la nuit des ouais. morts vivants où en fait c'était la nuit d'Anubis ou la nuit du pharaon. Enfin, je ne sais plus comment ça devait s'appeler. C'était une comète qui passait ouais. et qui balançait sur Terre en fait une espèce de poussière qui venait ramener les morts à la vie. Je ne sais pas si tu voilà. te souviens de ça. C'est de... juste dans le, le deuxième, dans le Dawn of the Dead, où tu as un curé qui, euh, qui met la thèse euh, qu'il n'y a plus oui, de religieuses. Euh, euh, et. Euh, les morts reviennent sur Terre. Les morts reviennent sur Terre, tu vois. Mais c'est jamais sur un motif euh, religieux, hein. c'est soit de la trioxine euh, dans euh, le retour des morts vivants ou, euh, mmh. ou euh, je sais pas trop quoi, tu vois. Mais moi j'aime bien quand, le, quand on garde un peu le, le mystère autour de, de, de ça, justement. <laughs> c'est dans comme dans le Zombie, où ouais. d'un coup, tu as, as ça et tu dis, mais d'où ça vient Pourquoi On n'en sait rien. Toi, tu pas envie que ce soit d'origine extraterrestre, tu pas envie que ce soit un truc militaire. Toi, ça fait vraiment cliché. Tandis que là, le fait que ça vienne comme ça, euh, toi, de façon euh, bah, soudaine, sans aucune explication, je trouve que c'est encore pire. tu vois Et puis, les deux acteurs qu'ils ont pris, tu sais, ceux qui sont... Euh, tu sais, les, les commandos, je veux dire, qu'ils ont pris pour... Euh... C'est des bons acteurs, tu vois. L'acteur en fait, il, tu le retrouves un peu plus tard dans Halloween de Rob Zombie. Quoi, le qui Ouais, c'est soit qui, me... ouais, qui se bat. Ouais, c'est qui se bat. dans les dans, euh, dans Texas Chainsaw 3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il joue là-dedans aussi. Ouais, c'est vrai que j'y pense pas souvent à les Pour euh, bon, toi, il est ouais. pas dégueulasse hein, le 3. Euh, moi, je le trouve pas terrible, mais bon. Je trouve que toi tu quand même t'as un seuil de tolérance plus élevé. Que toi. <laughs> ouais. Euh, est et... Ouais C'est pas est... mal. C'est celui où il y a un acteur il meurt, on le voit bien mourir et il revient quand même à la fin. Le laser face Oui. Oui c'est celui-ci. C'est Ken Foree qui se prend un coup de tronçonneuse <laughs> à la tête et qui revient. Il, il revient. Euh, à la il revient. Si il et, écoute il a résisté aux zombies. Faut, faut le, comprendre, oui, vrai, le mec il résiste est... ah, est... pas aux zombies en plus il meurt à la fin de, de zombies. Bah non il part en hélicoptère. Mais ben non, il n'arrive ben si. pas à grimper dans l'hélicoptère. Le, si. le ben si il grimpe dans l'hélicoptère, il change d'avis en fait. Si à un moment, ah moment bon donné, il, oui, il veut, il veut euh, Au début, il veut se tuer parce que voilà, il se rend compte que, que voilà. Il... Après, finalement, ah ouais, il, bah, il... Je... Le, la dernière fois que j'ai vu le film, je me suis dit que bah, tu vois comment tu es tout de suite. Euh, ouais. Il n'arrive pas, euh, il ne se sauve pas. Bah non, il s'est sauvé. Voilà, ouais, c'est un costaud. Ouais. Et effectivement, ouais, Ken Foray il apparaît dans le Snyder à la télé. Ouais, ouais. Bon, moi la ouais, figure je... du zombie, de toute façon, elle m'a me... elle jamais fait peur. Euh, L'infecté aurait plus tendance à me faire peur, mais euh, le, le, le zombie, voilà, tu vois, les, les mécanismes du truc du zombie, ça, voilà, les infectés, on va sûrement rebouffer avec tout le coronavirus et tout, ça va donner des idées. <laughs> Ah ben j'espère, je, j'espère. Et ça j'aime bien. Mais ce que je préfère, c'est le, le truc hybride zombie démon, comme dans <laughs> Démon de Lamberto Bava, comme dans Evil Dead, comme dans Rec. je préfère ce truc-là. Tu vois. Ouais, est Wreck, ouais. par le mal. Comme ça, il y a un petit élément fantastique. Oui. Alors que le zombie, on est un poil trop euh, dans le truc de logique. Et c'est pour ça où après je me pose des questions. Alors que mes questions pour les, les personnages de REC demeureront sans réponse parce qu'il il y a une notion de foi là-dedans, tu vois. Il y, a, il y a un truc religieux. Donc, euh, je préfère ce, ce truc-là que les, euh, Mais, les on d démons de Bava dans le cinéma étaient efficaces. Hein. Super efficace. Hein. J'ai revu les deux, revu les deux euh, il n'y a pas longtemps, tu vois. Et euh, c'est juste incroyable. Hein. Le film ouais. de Lamberto Bava, il va à 200 à l'heure, il est gore à en mourir. Et je pense que Démon 2. Euh, va vachement influencer le prochain Evil Dead, le Evil Dead Rise là. Ouais, je pense euh, aussi. Parce que voilà, un truc de contamination dans un immeuble, tu es obligé de penser à, à des mondeurs. Mmh. Tu sais que j'ai été, euh, quand j'étais petit, euh, la scène d'introduction, tu vois le pâtissier qui arrive en boitant dans le 2, là, Tu sais, il boite un peu. Euh... Tu crois vraiment que c'est un zombie qui arrive, en fait, c'est juste le mec qui boite, en fait. Et, euh, <laughs> ça, ça m'avait fait flipper, en fait. J'avais eu peur de, de cette scène d'introduction. Et euh, je me rappellerai toujours du Démon 2, de Démon 2, parce que c'est un film que je repassais souvent quand j'étais gosse, tu vois. Et euh, je crois que c'est le film que j'ai vu le plus quand j'étais gosse, en fait, Démon 2. <laughs> Tu vois, à l'époque, euh, tu pouvais regarder des films d'horreur comme si tu regardais euh, euh, Harry Potter, quand tu vois. <laughs> C'était. Euh... Tiens, regarde. Yarpic, dans tes commentaires, il pose exactement le genre de problématique que j'ai quand je mate un film de, de zombies. Tu vois Oui, mais il ne faut pas réfléchir à ça. Mais, je suis d'accord, mais toi, <laughs> on, on veut tellement faire quelque chose de réaliste. Dans le, le mythe du zombie, que je suis obligé de me poser mmh. des questions pratiques. Ben forcément, mais ça n'a pas de sens. Et puis même s'il est mort, il y aurait la, ré, ben la oui, Il n'a pas besoin d'énergie, oui. il est mort. Mais ben ouais, et puis non, mais oui, mais. Non, mais ça n'a pas de sens. Ah, ben, tu vois, moi, je, je me pose ces questions-là, parce que dans 28 jours plus tard, par exemple, tu tu vois. Oui, mais là, on est euh... plus dans des dans 28 jours plus tard. Ouais, et puis, il y a encore une autre question, moi, que je me pose. C'est euh, à quel grade de décomposition euh, tu es, euh, tu deviens un zombie euh, qui se réveille. Si tu es un squelette, tu te réveilles. Si t'es pas un squelette euh, qui te reste encore un peu de peau. Et tu ben te réveilles me pose réveille ah, des squelettes, des squelettes, ouais. on, en a, on en a jamais vu. Les zombies ont toujours un peu de peau et un peu de muscle quand même. C'est vrai qu'il faut oui. toujours qu'il y ait quelque chose pour quand même oui. animer le truc. On n'a pas bah, un squelette. Là, euh... le retour des morts vivants. Dans le retour des morts vivants, on a vraiment des. Euh, ah oui. Il des... y a le squelette, ouais. ouais. On a des très très vieux squelettes dans le retour des morts vivants. Oui, c'est vrai. Celui qui, oui oui. Celui et je crois en deux. Euh, le, euh, il, Parce qu'au final, vraiment, les, euh... les morts-vivants, il n'y en a que quelques-uns qui viennent à la vie. Après, c'est les humains euh, en pleine santé qui se font bouffer et qui deviennent des zombies. Donc, euh, ils ont plein d'énergie, Dans, dans euh, le retour des morts-vivants, quand euh, euh, le gaz s'échappe, tu vois, en, en brûlant le premier cadavre, ça crée une espèce de pluie. Et là, tu as les zombies qui sortent des, oui. euh, des cimetières. C'est aussi la figure du mort-vivant à la thriller de, de Michael Jackson. Mmh. Tu vois, les, les gens qui sortent de leur tombe et tout ça, tu vois Et c'est là où tu as plus de chances, effectivement, d'avoir des zombies en, en fin de parcours, tu vois, où il reste deux, trois os et, et, et compagnie, tu vois Mais en tout cas, je pense à ces, à ces questions-là, tu vois Parce que si tu si as un truc de contamination, tu vois, tu, tu, tu mors et tout, tu vois des, des cellules qui se mettent à devenir complètement zinzin, les globules qui s'activent et tout, tu vois et dans le truc du zombie, il y a un truc foncièrement scientifique, en tout cas dans la représentation au cinéma. Et euh, à partir de là, bah ça laisse plus de place euh, au, au doute. Et là, il faut, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et après, je me pose trop de questions et je deviens zinzin. <laughs> <laughs> C'est vrai, tu vois. Alors non, que dans contre des contre... mondes, je m'en pose pas, tu vois. Une boisson, euh, qui, est une, une boisson peut, qui rend les gens fous, euh, les clochards fous, ça tu t'en fous, c'est normal. Trash. Non, la, la, la boisson ne les rend pas fous, la boisson elle est tellement... C'est le vin quand il tourne, il devient du vinaigre, et bien là cet alcool il a tellement tourné qu'il devient un acide. C'est <laughs> totalement logique, oui c'est totalement logique. Ben, dans l'absolu c'est logique. Il tourne, et voilà, mais celui-ci, il a tellement tourné que c'est un acide... Les de, mecs, de ils de explosent dingue. sur place, tu sais. Tu vois <laughs> non, mais je ne cherche pas à ce, que ce, à ce que tous les films soient crédibles, loin de là, tu vois. Je dis juste que le mythe du, euh, du, du, du mort-vivant, il me fait me poser trop de questions. Mais voilà, on euh... a Sofiane Alouache, il dit Le zombie, c'est la métaphore horrifique du consommateur compulsif. Mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas à chercher un peu plus. Euh... Sur pourquoi ils font, comment les zombies fonctionnent, etc. On n'aura pas des réponses. Oui, voilà. C'est une métaphore. Mais c'est une métaphore. C'est ça qui est effrayant. Tu ne trouveras pas de, de métaphore du, du consommateur dans euh, La Nuit des Morts-Vivants Non, c'est venu après. Et il euh, n'y a pas de, de métaphore. Du mais, dans, 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 dans La, dans du la Nuit du mort des Morts-Vivants, ça dure quoi Une nuit ou deux ils non, mais dans la maison. Je veux dire, chaque Genre, film hein. de zombie définit son truc de zombie suivant la période où il a été fait dans le jour des morts vivants. Qui sont les zombies Les zombies sont les militaires, quelque part. Tu vois Les gens qui sont endoctrinés et, euh, et compagnie. C'est ça que Romero, il essaye de nous expliquer à travers le film. Il ne nous parle pas de la société de consommation, tu vois Il nous oui, fait oui, une bien opposition bien entre le docteur Frankenstein, les scientifiques et les militaires, tu vois Mais et jamais... Ça, il dans, le, dans le jour des, des morts vivants, plutôt, ça. Ouais. Oui, dans le jour des morts vivants, c'est ce Ah oui, voilà. Et si, et si tu regardes Land of the Dead après, c'est encore un peu la même chose, parce que là, tu vois qu'à un moment donné, il y a des humains, euh, des zombies qui, qui ont toujours les réflexes d'humains, en fait, oui. tu vois. Ouais, ça, j'ai moins aimé. Par contre, ouais, pareil, euh, un zombie qui prend une arme et qui s'en sert. Euh, pense, ouais, hein. puis qui, qui devient le leader de l'armée de zombies en mode hein, on reprend notre monde en bah, main. Tu, ou oui, ouais. mais ce truc con, il le fait déjà à partir de, du jour des morts vivants, tu vois. Parce qu'il pouvait rester vraiment dans une optique. Euh, vraiment plus sérieuse mais il, dans le jour des morts vivants il exploite déjà ce truc là où ouais. oui, avec avec le zombie stub là je sais pas quoi ouais, qui mm. prend une arme moi ouais, j'ai trouvé il ces... a encore des des, ça. Des, des 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 souvenirs de sa vie d'avant et qui du coup comprend ouais. qu comprend qu'il y a le flingue etc ouais. moi j'ai trouvé ça con je trouve qu'il aurait pas dû le mettre dans dans, dans sa trilogie parce qu'en fin de compte c'est une grosse trilogie lui qui l'a fait il a fait une première trilogie et les films qui suivent après c'est un peu, si tu veux, entre parenthèses, comme des suites, tu vois mmh. Mais, euh, mais je trouve qu'en fin de compte, euh, euh, plus ça avance, plus ça devenait un peu con, tu vois mmh. et, euh, et voilà, quoi. Je veux dire, les deux premiers sont excellents. Hein. Bah, c'est enfin, qu'il a ça... voulu aborder à chaque fois, au travers de ces films-là, quelques questions politiques. Et je pense, effectivement, comme le dit Totter, dans Land of the Dead, c'est la question de l'immigration, et je pense qu'il a tout à fait raison aussi, ouais. Mmh. Quand on les voit traverser l'eau pour aller essayer de conquérir en fait, le truc de l'autre côté, etc., euh, où, où ils sont bien cachés tu sais, dans leur tour d'ivoire, euh, il ouais, y a, y a peut-être euh, peut un peu de ça. Le 5, ça. ce serait le pouvoir des, euh, des médias. Parce que est le, celui qui est tourné ouais. tourné. Oui, ouais. c'était. Euh, ouais. ouais. Par contre, le 6, euh, je ne me souviens absolument pas. Mais c'était Island of the Dead, c'est ça Ouais, c'est avec les vaches et compagnie, là. Ouais bah, c'était deux, deux familles en fait qui se livraient à une guerre euh, depuis des années, je sais pas quoi. J'ai trouvé complètement con ce film. Euh... Mais je sais même pas ce que le film racontait par rapport au gros au gros thème euh, de Romero, tu vois. Bah, c'est surtout que, fait... que les zombies tu sais pas ce qu'ils foutent là-dedans parce que c'est une guerre entre deux familles. Et tu te dis mais quel rapport euh... mais Non plus ce, ce film, j'ai eu du mal à le à le regarder. Enfin, bah, vers je... la fin, c'était Romero, c'était pas ouf quand même hein. Non. On sentait que bon, il essayait de, de revenir sur ce qu'il avait fait connaître, mais sans forcément euh, avoir le même. Euh, il n'y avait plus, il avait plus le, le truc quoi, la substance qui faisait que ces, ces films avaient fonctionné au départ. Ouais. Mais je euh... préfère quoi Je préfère le, le mort-vivant de, de cimetière. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Ça c'est la figure du mort-vivant qui peut me faire peur. Hmm. Plus que la contagion et compagnie, tu vois. Je veux dire, voilà, quelqu'un qui revient d'entre les morts pour assouvir une vengeance, pour euh, pour n'importe quoi, tu vois, ça me fait bien plus peur que euh, le, le délire euh, épidémique. Mais c'est surtout qu'en plus dans le cimetière on a quand même un côté un peu fantastique, on a l'idée du, ah, ouais. du, du cimetière, tu sais, qui serait possédé alors par le Wendigo pour ne sait quoi, et les morts reviendraient à, à la vie euh, pour ça, tu sais. Là, alors que le mort vivant, oui, il revient à la vie. Euh, bon, on sait pas trop comment. Ça, toi, il est, il est là pour pas faire grand chose à part, euh, toi, euh, assouvir des instincts primaires, celui de bouffer. Euh, mais moi, je trouve quand même que c'est effrayant. Je sais que j'aime beaucoup les films de zombies pour ça, et souvent quand je suis dans un magasin, etc., j'y pense. Tu dis, tiens, imagine, euh, pas, tu vas, tu sais, tu vas, genre, tu sais, tu vas dans les toilettes du magasin et tu ressors et en fait, il n'y a plus rien, tu vois, et genre tout le monde est devenu zombie sauf toi. Mais ça, c'est un truc qui m'avait euh, beaucoup marqué. J'y pensais beaucoup pendant un moment. J'ai eu ouais, une grosse un... période, grosse période zombie au début des années 2000, et j'y pensais souvent. Je me disais, tiens, et si jamais je... les gens se transformaient, mais pas moi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai vu ça dans une série coréenne qui est sortie récemment euh, euh, sur Netflix, je crois, où les mecs ils vont aux toilettes et quand ils sortent, il n'y a plus personne, la ville est vide. Ah oui. Et en fait, il y a des zombies partout après, qui, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, et euh, je trouvais ça assez, assez drôle. Mais, ouais. Et puis, tu vois, le fait, imagine, ça se passe, tu vois qu'il y a le bordel autour de toi, tu sais que. Mais en fait, tu sais, euh, des fois, tu n'as pas ta famille qui est tout près, tu vois. Donc, il y a aussi ce genre d'inquiétude que tu vas te dire euh, est-ce que ma famille plus loin, mes oncles et tout, mes parents vont s'en sortir, tu vois Et il euh, y a cette angoisse en fait, il n'y a même pas que pour toi en fait. Il y a, y a aussi, toi tu dois peut-être te dire ah ben moi ça va, je, ça va m'en sortir, mais euh, peut-être que je ne sais pas, moi, mon père il n'arrivera pas à s'en sortir s'il si n'a pas tête mmh. ou quoi. Y a, tu sais, il y a, y a cette angoisse de des autres aussi, tu as peur pour les tiens, tu vois c'est surtout ça au fait qui ferait peur dans une épidémie de zombies, tu vois. Ouais, ouais, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que tu aurais euh, un peu peur aussi pour le reste de ta famille, qui serait pas forcément à portée. Euh, tu pourrais pas forcément ouais. les, les les voir tout de suite, sans devoir te traverser des kilomètres justement dans un, un truc ravagé. Alors, on a un autre qui nous dit "Survival of the Dead" était une sorte de western, mais il développe une idée novatrice dans la saga des zombies. Romero évoque la contamination interespèce. Alors, j'ai vu euh, Survival of the Dead. Par contre, je me souviens pas du tout qu'il y avait d'autres des... espèces contaminées que les humains. Bah, si, j'ai parlé des vaches. Je crois que c'est ça. Il y a hein. Des vaches contaminées. Il y a des vaches zombies dans. Mais je tout crois me souvenir de... qu'il y a des vaches dans euh, Survival of the Dead. Moi, alors putain ça me parle pas du tout oui mais elles sont pas zombies à aucun moment on les voit zombies oui mais je pas. crois que c'est une viande contaminée et que les gens ils mangent je sais plus mais je crois qu'il y a un truc avec des vaches j'espère qu'il va pouvoir répondre mmh. euh, ouais ça serait bien ouais, mais j'essaierai de le revoir aussi euh, mais je me souviens pas du tout de, de ça quoi mais ça aurait été intéressant oui qu'il euh, qu développe l'idée des animaux ah, C'était euh... pas des vaches c'était des chevaux ah bah tiens avec des bon. chevaux d'accord ok bon et les chevaux sont zombies. j'ai vu des vaches. Oui, The Battery est excellent. J'en avais parlé. Ouais, avais putain, fait... Je sais pourquoi j'ai pensé à des vaches. Parce qu'il y a un film de zombies avec des vaches, je crois, qui s'appelle Mad ou un truc comme ça. Ça me rappelle du coup. Euh, Black euh, Ouais, des chèvres, je vais dire plutôt. Et ouais, les moutons en Nouvelle-Zélande. Oh, les moutons. Black Sheep il était complètement fou ce film. Oh là, oh là Mad Zombie, qu'est-ce que c'est que ce truc <laughs> Tu nous sortes des trucs aux ouais, éclats. Attends, il n'y avait pas l'acteur de Titanic dedans Si oui, c'est ça. Ah oui, ok, mais je l'ai vu, j'ai vu il y a longtemps. Ça doit dater de 2006, euh, de, 2007, ça, ce film-là, je crois. Alors c'est mm -hmm. bien Oui, y Billy ah, il y a le Dane. Ouais, c'est ça. Dwayne non, non, c'est un non. chier. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'ai confondu. Là, je me suis dit, tiens, il y a des vaches et tout ça. Mais le, le, le retour, le... retour des le retour des morts vivants de, de Dan O'Bannon m'avait quand même assez impressionné moi, quand il était sorti. Moi, c'est mon et, film de zombies préféré. Moi, ah, et, moi aussi, chouette, je, pense ouais. que je, peux, je pense que je peux dire que c'est mon film de, de zombies préféré aussi, franchement. Je le trouve nerveux, je le trouve drôle, je le trouve ultra nihiliste, euh, très punk. Euh, vraiment, je, je l'adore. Celui-ci, euh, je le mets vois comme de, de tous les autres. Tu sais, quand il y a le zombie enfermé qui tape dans la porte et puis qui arrive à sortir et tout. Et... Ils ont du mal à, la, à le buter en fin de compte, celui-là, tu vois. Et c'est celui-là -là qui va causer problème en fin de compte, en plus de ça. Oui, c'est celui qui vont que... découper en morceaux, ils vont accuser, ouais. ils vont dire que c'est des belettes enragées. <laughs> Et en plus, Clou Goulager, qui joue, euh, qui joue dans le retour des morts vivants, il est mort. Euh, il est mort. Euh... Salut, je suis Ciné. Salut, je suis Et, euh, Ciné. Il est mort euh, le mois dernier, je crois. Clou Goulager. Ouais, 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 il est mort il n'y a pas longtemps. Et on l'a affiché justement sur le groupe. Ouais. ouais. On a Mio95 qui parle de Zombie. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment des, des films de merde euh, faits ah, par ouais. homme. Il euh, y en a deux, je crois. Il y a aussi y a eu un second film, Zombie, mais alors c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul Pourtant, il y a, y a un créneau à prendre avec les animaux zombies. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, mais. Euh des moutons zombies, il y en a par contre dans Oui, Black Sheep, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça bien, Black Sheep. Black Moi, Sheep est excellent, ouais. Et surtout tu sais le passage où euh, ils vont dans un espèce de laboratoire et tu vois un espèce de mouton euh, transfusé, toi euh, ouais, un truc dégueulasse, c'est horrible. Parce que dedans, il y a une espèce d'hybride homme, euh, homme mouton dégueulasse. Ouais, et puis il lui transfère pas du sang de mouton, je sais pas quoi, il y a oh, un je, je sais qu'il y a un Ouais ouais, il est vraiment pas mal, ouais. Et là, juste pour rebondir sur le truc de peur, parce que je vois le commentaire et ça fait le lien. Euh, les gens qui parlent de thriller de Michael Jackson, c'est Yarpik qui, qui l'évoque. Et pour moi, euh, c'est mon souvenir le plus lointain de, de flip ultime. Mmh. Et euh, c'est passé yeah. en 1983 à Champs-Élysées, un samedi soir. Et je suis tout gamin et je ne m'attends absolument pas à ce que je vais voir. Et depuis ce jour-là, Rien ne me fait plus peur que le loup-garou de Michael Jackson, alors que j'en ai rien à secouer des loups-garous, tu vois. Mais alors, le loup-garou de Michael Jackson, avec ses yeux jaunes, on revient à cette histoire de yeux jaunes, Eh oui, encore, oui. Terrorise le final du. Euh, parce qu'ils avaient passé la version longue, hein, tu vois, pas juste la version courte, 3-4 minutes. Non, non, c'était le truc de genre 11 minutes. Le final où Michael Jackson se retourne et qu'il a des yeux jaunes. J'avais trop trop peur. Et ma frangine, quand j'étais méchant avec elle, elle me passait le 33 tours de Thriller. Tu vois, où tu entends au début euh, la voix de, de Vincent Price et tout ça. Tu vois. Et j'étais tétanisé. Rien ne me fait plus peur que Thriller. C'est <laughs> tu sais ré... le... réalisé par Scorsese ou une John Landis. John Landis. Et tu sais que j'ai abordé le thème de, 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 des morts vivants parce que justement, j'ai repensé à ça au clip de Michael Jackson et euh, quand je faisais des émissions sous les, avec les peurs et tout ça souvent il était cité comme Romain dit euh, il était souvent cité comme euh, pour beaucoup de personnes comme la plus grande peur qu'ils avaient eu mais tu sais qu'encore maintenant hein, quand euh, quand par mégarde je tombe sur un extrait de, de thriller <laughs> j'ai je retrouve cette euh, la même sensation tu vois la sensation que ça me fait flipper tout simplement tu vois et je déteste Michael Jackson, je fais partie des gens qui se sont réjouis de la mort de Michael Jackson, tu vois, oh, à ouais. cause de Thriller. J'ai dit, bien fait mec, t'as gâché mon enfance. Tu sais, un truc euh, qui sort du thème, hein, qui sort du thème des morts-vivants, la première fois où je découvre le bloc, tu sais, la, la, ah, scène, oui. de la scène de Lévier. Le blop, le... <laughs> le, le blop, tout le monde. C'est le blop. Écoute, ça, c'est mon accent euh, belge qui est comme ça. J'ai toujours, euh... Ah ouais, donc toi t'as peur du film, mais t'as peur du clip, mais tu l'achètes en DVD, toi Non, non, ça c'est Driller et c'est une parodie porno thriller. Ah ok, ok. Là t'as pas peur du coup. Tu là là il te fait pas peur. Le titre est assez. Le faux. Ah ouais. J'ai envie de voir juste par curiosité, dis donc. Ah bah tu verras tu verras la queue du loup-garou. T'as une forme de doigt de yeti? Ah bah oui, non mais t'imagines toi Il Faut faire une nuit parodie euh, il de film d'horreur. Voilà. Cette version-là, il n'hésite pas à le mettre dans, dans son lecteur, hein, cette version. Hein. <rire> <rire> pas du tout. Alors sans déconner, je l'ai maté une fois, c'est sorti chez Crocofilm. Oui, oui a... fais-moi fais croire ça. Et, et en plus, <laughs> ça a duré que 5 minutes. Sérieusement, mais pas du tout. Hein. Je l'ai regardé en plus avec des, des copains, donc euh, il a duré le truc. Oh, en plus avec des potes. Eh oui. <laughs> Et ah, euh, Crocofilm avait sorti des parodies euh, porno de, de, de classiques. Il y avait Driller et il y en avait un autre que j'avais acheté qui était Star Babes, qui était une, une parodie de Star Wars en mode euh, porno euh, 70 Voilà, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, il <laughs> y a un film, qui un film porno qui s'appelle X-Tro, <laughs> avec un P à la fin. Tu vois et ça ça m'a toujours fasciné parce que j'ai toujours halluciné qu'on ait fait un x Xtro avec un, un P à la fin tu vois alors que x Xtro c'est un film tellement mineur bah c'est un peu fou que ouais mais ils ont fait comme si c'était moi qui avais prononcé le titre tu vois et bah voilà et, euh... <laughs> et du coup ils ont rajouté cette lettre en plus alors le blop parle-nous un peu du blop ouais moi je parlais de <laughs> la version avec l'évier bah... Évidemment, je, la, la version de Steve McQueen, elle est peut-être bien, mais c'est un peu trop lent pour moi maintenant. C'est la deuxième. Dire, la deuxième, elle est excellente. Pour moi, c'est un de mes films préférés. Non, ben bah non, tu me parles du Chuck Russell, c'est la troisième. La deuxième, elle ah, Ouais, la deuxième. Non, des non des la troisième avec euh, le mec qui joue. The block. Avec le. Ouais, avec le mec qui joue dans Dallas. Non, non, j'aime pas cette version. L'ESC est... euh, ouais, l'avait pro proposé à à ah bas prix si acheté l'autre mais tu sais quoi je l'ai même pas pris la version de Sh Cruzel, euh, voilà c'est pour moi c'est un de mes films préférés quoi. si je puis choisir que cinq films dans ma valise ah bah, il sera dedans c'est sûr et certain c'est ah un ouais, des ça, meilleurs films de la seconde partie des années 80 pour moi ouais parce qu'il sort en 88 et c'est déjà euh, la fin du monde il, il reste plus rien tu vois sur les années 80 on a vite fait mais euh, la seconde partie des années 80 et... il reste plus grand chose hein. passé 87 et... euh... Et d'ailleurs, voilà, c'est ça, j'aimerais bien savoir. Après, je vais citer les miens aussi, mais imaginez, on peut, imaginez, On peut mettre que cinq films dans une valise. Moi, j'aimerais bien connaître les cinq films que vous allez mettre dans votre valise. C'est difficile. On ne parle quand même, pas mais... que de films d'horreur, là. Ah, tu choisis ce que tu veux. Hein tu choisis ouais, moi, ce que tu veux. moi je sais. Moi, je sais. Dans ma valise, je mets les Dents de la mer 3. <laughs> Je mets on n'est pas 2. surpris <laughs> Je mets Exorcist 2, je mets Commando, je mets Clerks, et je termine en mettant Star Wars épisode 3. Mmh. C'est compliqué comme ça, il faudrait réfléchir. Mais déjà, je prends les affranchis, c'est sûr et certain. Euh, je crois que je me prends un petit Demolition Man. Et tu sais qu'on part en vacances ensemble, hein on part tous <laughs> ensemble, donc euh, pas la peine de prendre dans dents de la mer 3, je l'ai dans la mienne. Hein. Ah bah nickel. Ah bah oui, bah ça fait 20 films en tout, c'est nickel ça. Non, ouais, les affranchis, c'est sûr. Euh, ouais, comme ça, Demolition Man, euh, un petit ah, nuit oui. en enfer. Qu'est-ce que je prends, je prends, je, prends un, je prends un Hitchcock, mais lequel Pff. Non, si, si, je prends fenêtre sur cours. Ouais, j'allais dire pareil aussi. Ouais. Ah ouais, si, je prends Fenêtre sur cours, Et après, il faudrait que je réfléchisse. Il y a trop de films, là, c'est compliqué. T'as pas envie de prendre Massacre à la tronçonneuse J'ai oublié de le prendre. <laughs> je <te> suis <souviens. rire> Bah allez, pour te faire plaisir, je le prends. Voilà, euh, moi, je crois qu'en premier, c'est sûr, je prends Fight Club. Ah ouais. Oh, Jurassic... Jurassic Park. Je prendrai Playtime de Jacques de Jack Tati parce que j'adore je... ce film ensuite, euh, ensuite c'est compliqué quand même je sais pas je vous Là, rappelle qu'on en parle en ensemble mais qu'on a pas un film porno <laughs> Driller il ouais, a a <laughs> <Jean -Louis rire> prend thriller en premier <laughs> j'ai vu qu'il y a sur le chat il parlait de The Sexorcist aussi <laughs> je peux prendre ça <laughs> t'inquiète tu y aura le, le bloc et le blop, <laughs> ah, ça peut être un sacré euh, détournement. Putain, hein, oh merde, on n'a même pas des Ouais, J'ai pas envie de partir avec vous, les ah, gars. Moi, Jean, je le... Le... On peut prendre la les du Tu T'as pas encore entendu mes titres hein Ah, ça va alors. Allez, vas-y, Jean-Louis, dis-nous. Allez, moi je prendrais le blop, la, <laughs> la chose, la chose, <laughs> maman, j'ai raté l'avion. Ah putain, oui, ah ouais, ouais, On ouais. arrive ah, à Noël, euh, c est c est le jeu de Noël. On t'attrape à Noël. Mmh. Bah ouais, il faut un film de Noël, merde. C'est le truc que je raison. regarde tous les Noël, donc tu sais, euh, c'est... Euh, invasion à Los Angeles. Mmh. Pour rester dans... Et le cinquième, ça, les... ça, les... ça serait les évadés. J'ai pas de film de cul. Ah donc, oui. Désolé. Ouais. désolé. Ah, les évadés, ouais, c'est clair. Voilà, est... Ta... ta liste est, est bien. Maman, j'ai ouais, raté Sa liste est bien, il a... il a quand même deux Carpenter dedans. Bah ouais, ah ouais. mon réalisateur préféré, je sais pas. Ouais, ça, se défend. ça se défend. On, on prend les nerfs à vide quand même, non Mais il faut, faut, faut prendre un cinquième larron. Il hein. <laughs> faut, faut, faut prendre un cinquième gars pour ça. <laughs> c'est vrai que c'est difficile, difficile, mais au moins, moi, je sais qu'avec les cinq films que j'ai choisis, je ne m'en lasserai jamais. Parce que j'ai 42 ah bon, ans oui. et ça fait, euh, ça fait, euh, pour la plupart, ça fait plus de 30 ans que je les mate et je ne m'en suis pas encore lassé. Donc, Mais tu vois, euh... j'ai voulu poser cette question parce que finalement, je suis étonné des choix. Parce que tu vois, je pensais que Romain, il allait sortir des, des Joe D'Amato, des films des années euh, un peu plus... Euh. Et finalement, non, il a sorti des films, euh, voilà, Commando tout ça. Je, je pensais qu'il allait sortir d'autres titres. Toi, tu m'as étonné aussi avec tes titres, Daryl et Damien aussi, finalement donc, je pensais vraiment que. Par exemple, Damien, je pensais qu'il allait sortir des films de Stephen King, tu vois. Ah non, non, moi, le... vraiment, le film que je prends en premier, c'est Fight Club. Je prends le film et je prends le roman, tu vois. C'est vraiment ouais, le, le truc qui m'a marqué et qui m'a vraiment changé, en fait. J'ai vu ce film, j'ai changé, tu vois. J'ai vu la société autrement. Enfin, vraiment, ça m'a. C'était le film. Ouais, vu moi, j'ai vu ce crois, film et j'ai choisi mon boulot. <laughs> ben, c'est vrai, hein. Mon boulot a été conditionné et... par la vision de, de Fight Club. Tout mais ça pour mettre ton, ton sgeg. Non, mais... <laughs> non, non, parce non, que dedans, il y a une ligne de dialogue qui dit qu'est-ce euh, qu qui peut motiver quelqu'un à faire un boulot aussi merdique. Et là, je me suis dit moi, tu vois, je me suis, je me suis senti confirmé <laughs> tu vois. Et c'est vrai, hein Non, Fight Club est excellent. Et surtout le roman de Palagnoc, moi je trouve qu'il est incroyable. D'ailleurs, tous les bouquins de Palagnoc euh, sont, sont vraiment ouf, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'adaptations euh, d'ailleurs ce, de, de ces romans. En tout cas, voilà. Bon, ben écoutez, on a, je pense, fait le tour. On est arrivé à 4h21 de live. Je pense qu'on va peut-être euh, s'arrêter là pour le coup. Et puis pourquoi pas faire une euh, partie 3? Parce qu'il y en avait euh, Creepy Stories euh, qui euh, devaient venir normalement et euh, qui finalement ce soir ne pouvait pas. Donc euh, un jour, je pense qu'on pourra faire une partie 3 avec lui. Ça pourrait être bien cool. Voilà, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Merci, Daryl, Jean-Louis et euh, Romain. Merci à toi. Bah, Notre instant promo. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous avez <laughs> promis. Alors, là, franchement, ah, ouais, <laughs> ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, ça fait 4 heures ah qu'on oui. est là. Oui, les gars, vous n'en faites pas. Il y a, on aura 160 spectateurs en live en même temps. Vous allez pouvoir assurer votre promo. Allez, allez on va diffusion avec euh, 4000 personnes allez la, la promo donc euh, Romain alors euh, toi oui, euh, euh, <laughs> crois-moi qu'on reprend euh, la saison 2 à partir du 10 septembre on fera une émission qui exceptionnellement commencera à 18h euh, parce qu'on va faire euh, la malédiction c'est à dire les, euh, les 5 films et euh, toutes les novélisations et euh, voilà ça va durer jusqu'à jusqu la fin de la nuit je pense qu'on va faire au moins une émission de 8h voilà c'est le but donc le 10 septembre <laughs> okay. on sera là et euh, les liens ah, dans ouais. la description, hein, donc. Euh, moi, je quoi. croyais que tu parlais de, du fanzine de Jean-Louis, des pubs. Bah oui, moi je pensais qu'il allait parler de ce ah, bah oui, fanzine ouais. qui vient d'arriver, <laughs> tout juste aujourd'hui. Alors, Jean-Louis, euh, est-ce qu'on peut encore le commander ou pas ton fanzine On, on peut le commander en passant par la boutique Metaluna Store. Ok. Et euh, donc, on peut déjà le précommander parce que pour le moment, il est toujours en précommande. Mmh. Les livraisons commenceront seulement à la mi-septembre parce qu'il faut quand même préparer plus de 200 colis. Ça prend du temps. Et euh, donc, voilà, je vais, je vais commencer ça à partir euh, de mi-septembre. Et du coup, il vient d'arriver. C'est un, un beau pavé de 140 pages. Alors, comme, comme d'habitude, c'est un livre qui ne devait pas faire autant de pages de, de base. Finalement, euh, de 100 pages, de, non, de 90 pages, on est arrivé à 140 pages. On parle de, des maisons hantées. On parle d'un petit peu de tout. On fait un petit peu de pub aussi pour une émission qui est vraiment chouette. Ça, est euh, bon. Merci beaucoup. Qui s'appelle la séance de minuit. <laughs> Et euh, il y a plein d'anecdotes à découvrir sur la franchise Poltergeist. Donc si vous aimez bien tout ce qui est maison hantée, Poltergeist, tout ça, il est fait pour vous, les gars. Et là, il est 1h du matin, t'as pas un scoop euh, là-dedans, en tournant les pages comme ça Si, mais comme il est 1h au matin, bah, euh, j'ai pas envie de tourner les pages. Pour trouver un scoop. <laughs> il faut l'acheter, écoute, je reste là-dessus. Vous voulez un scoop, vous l'achetez. Voilà. <laughs> ok, bon en tout cas, merci beaucoup Jean-Louis. C'est pour bon récompenser plaisir. ça. On aura 1h du matin. Hein. Ils auraient adoré connaître le prochain, le prochain numéro. Ah oui, on annonce le prochain numéro et si vous voulez découvrir c'est quoi le prochain numéro, achetez ce fanzine, <laughs> à la allez part. sur Metaluna Store et je vous promets que le prochain numéro c'est un numéro de fou. Et Romain va peut-être participer. Non, 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 non. non. <laughs> J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps. J'ai un vrai métier. Non, je déconne. <laughs> Ok et du coup, bah, bah, Daryl, raconte-nous un petit peu toi euh, ce que tu. Euh, non, bah, moi, moi je vais la, la faire courte. Hein. C'est comme d'habitude, si vous voulez, il euh, y, y a mon site internet dans la description et sinon vous tapez euh, Darryl Delight sur euh, Amazon, et vous allez voir mes livres, euh, lisez les résumés, lisez les avis, faites votre propre avis, achetez le livre, lisez-le, laissez un bon avis, merci. <laughs> et voilà. Ah oh, voilà, okay. voilà. Et donc, ton, ton dernier livre, Une nuit au funérarium, hein, c'est ça Une nuit au funérarium, moi qui est là. Voilà, donc il raconte. Ah, c'est pas mon dernier, mais. Ouais, le dernier, c'est euh, du coup le. le euh, oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, tu écris euh, pas mal de choses qui devraient intéresser euh, tous ceux qui nous regardent ce soir. Donc, n'hésitez pas euh, à aller voir ce qui écrit Daryl. Et du coup, bah, Jean-Louis, bah, art de cinéma, donc le fanzine, avec possibilité d'acheter euh, d'anciens numéros. J'ai vu, il hein, y a une espèce de, de librairie en ligne qui s'appelle. Euh, Frog, je sais pas quoi, c'est ça, non Oui, c'est une, li une librairie de Lille, hein, c'est ça, non mm. Oui, je crois, ouais. et du coup, on peut acheter ouais. d'anciens numéros de, de. Oui, il, a, il est en cours d'anciens numéros, c'est vraiment euh, ouais, quelqu'un qui, euh, qui met beaucoup en avant les fanzines, en fait, un petit peu. Euh, voilà, Il essaye de, de, de trouver des, des fanzines et il les met en vente sur sa boutique. C'est vraiment une librairie qui est chouette. Euh, c'est une petite librairie qui est sur Lille. Et vous pouvez aller faire sur un tour sur le site, je crois que c'est Croix. Crowfunding, quelque chose comme ça. Oui, ouais, Crowfunding, euh, voilà, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je dis frog, ils n'ont rien à voir. Oui, c'est Crowfunding euh... et je crois que c'est une petite grenouille, le symbole. C'est ça. Du... C'est tenu par un véritable passionné qui s'appelle Xavier. Et euh, voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le site. OK. Bon. Mais voilà, donc du coup, et sinon, on ne peut pas. Euh participer là à la campagne euh, de, de Poltergeist. Ah non, elle est mais finie. c'est ouais, terminé. Par contre, il reste la campagne de vendredi 13, version de luxe. Oui. Euh, là, elle est toujours en ligne, si vous voulez un... aller faire un petit tour sur la campagne et participer. Okay. Ah oui, voilà. mais d'ailleurs, à, à ce sujet-là, je voulais te poser la question, est-ce qu'on va avoir d'autres fanzines qui vont ressortir en couverture cartonnée, comme par exemple les Contes de la crypte ou Joes ou des choses comme ça. Que... Euh, ouais, j'aurais voulu euh, le faire, mais je le ferai pas parce que voilà, euh, par rapport aux personnes qui ont acheté l'édition simple, euh, voilà, je trouve que c'est déjà trop tôt pour euh, les ressortir en cartonnée. Surtout que de plus, j'ai rien à, à apporter de nouveau à mettre dedans. Donc vendredi 13, mmh. c'était vraiment parce que j'avais du nouveau à apporter donc beaucoup plus d'interviews beaucoup plus de photos j'avais beaucoup plus à j'avais à rajouter mmh. donc ça voilà c'était euh, euh, voilà je, je veux dire je pouvais relancer une édition euh, de luxe cartonnée mais pour les autres comme j'ai rien d'apporter de, de nouveau je, voilà je vois pas l'intérêt de, de ressortir une version cartonnée euh, surtout pour toutes les personnes qui ont acheté la version mmh. souple je veux dire euh, ouais. Oui, parce que normalement, c'est des éditions un peu limitées, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'était réservé uniquement à ceux qui... Ouais, donc là, de les ressortir, ça ferait comme si les autres n'avaient plus de, vraiment de. Et cette puis, pour, euh, que... mmh. pour, la pour les personnes qui auraient voulu une version cartonnée et qui ont pris la, la version souple parce qu'ils pensaient qu'il n'y qu aurait que ça, bah, ça ne se fait pas trop, quoi, je veux dire, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, je ne le ferai pas tout simplement pour cette raison-là. Mais euh, pour Vendredi 13, voilà, c'était... Euh, on pouvait, parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à apporter. Ça aurait été plus malheureux de ne pas se servir des, des, des trucs que j'avais, euh, donc des interviews. Bah oui, c'est ça, et... oui, c'était un peu dommage de les laisser. Euh... Voilà, c'est ça que, que sortir une édition de luxe. Donc j'ai pris, euh... voilà, j'ai fait le choix de sortir une édition de luxe. Et puis il y a quand même 14 illustrations supplémentaires aussi dedans. D'accord. Donc il y a ça pas mal de choses. Des... Qui et zéro page plus, sur tout. le bloc. Et zéro page <laughs> sur le blog <laughs> <laughs> ok ça marche bon bah écoutez en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui nous ont euh, écoutés toute la soirée on a été euh, plus de 160 euh, depuis euh, 4h30 maintenant en tout cas merci beaucoup c'était vraiment très cool euh, merci à euh, Def13 qui est là Risky Business, Thierry, NVD Xavier à la modération euh, Sofiane à merci à vous tous c'était vraiment très cool euh, J'oublie, hein, il y a pas mal de noms, beaucoup de gens ont euh, laissé des tonnes de commentaires. En tout cas, c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Euh, voilà, si vous pouvez juste laisser un petit like sur la vidéo, un petit commentaire dessous, histoire de la faire référencer, parce que c'est vrai que des fois, on a des vidéos qui... Qui se perdent un petit peu comme ça. Donc, je ne le dis pas souvent, mais si voilà, vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment très cool. Demain soir, ça va être le gros live ésotérisme avec euh, euh, voilà, des démonstrations en live de tirage de cartes et de, euh, et de euh, pendules, etc. Donc, je pense que ça va être très sympathique. Et, euh, et ensuite, eh ben, je pars dans le Gévaudan pour tourner une nouvelle vidéo. Et ensuite, on se retrouve. Bah, mi septembre avec euh, voilà des chasseurs de fantômes. Après on refait un live avec euh, Christian Doumergue euh, sur les sorcières, euh, tout l'historique des sorcières et, euh, et ça va être bien cool. Voilà. En tout cas merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Il y a un film qui s'appelle Damien, oui Damien la malédiction. Euh, bah, pour ça les sur la chaîne de Romain Croix de Malte vous allez voir il en parle euh, beaucoup. <laughs> voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup, Romain, encore une fois, hein, vraiment d'être venu. Merci à Jean-Louis, encore de euh, voilà, me faire le plaisir d'être présent euh, sur la séance de minuit. Et merci à Daryl, toujours euh, voilà, un plaisir de te recevoir. C'est toujours très merci chouette. Merci à, à toi. Là. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne nuit. N'ayez pas trop peur. Regardez sous le lit quand même. Hein, on ne sait jamais. Hein, il, peut, il peut y avoir quelque chose avec des yeux jaunes. Il peut y qui avoir fait... le blop. <laughs> il, va, il, va, il va plus te lâcher avec ça, c'est bon. <laughs> Allez, ça marche. Je vois qu'il y a Snake. Salut à toi, Snake. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, encore une fois. C'était vraiment très cool. à bientôt, tout le monde. Ciao.